Pelletan qui était bien concentré ce matin sur les canters et qui peut-être bien a signé ce bulletin. On verra ça dans quelques minutes avec les résultats officiels. Alors pour l'instant, nous en restons avec le Rade Saint-Arnoult. On enchaîne assez vite là. Hein, qui nous présente un fils de Simplex Étalon au Rade Saint-Arnoult. Et Sakira, la mère par American Post qui fait la monte désormais dans le centre de la France, dans l'Allier à Trébans cette année après son achat. O'Hara, il était O'Hara d'être bien sûr, il a été acquis par les gens du centre-est. American Post. La mère Sakira, donc cette fille d'American Post, est la sœur de This Time, une femelle de Zaffin qui a gagné le prix d'Arenberg en 2013 avant de se, un groupe 3 à Chantilly avant de se classer deuxième du Critérium de Maison Lafitte. 10 000, à 10 000 euros seulement, nous sommes pas de regret, toujours par vous. Guy Lanchère, à 10 000 euros. Et contre vous, Laura, pour le moment. À 10 000. À 10 000 euros qui prend le relais. À 10 000, 10. À 10 000 euros, allons-y. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. 10 000. À 10 000. À 10 000 euros, le marteau se lève et on va l'adjuger. À 10 000 seulement. Guy Lanchère, à 10. À 10 000 euros. Pas en face et rien à droite. Laura, contre vous. À 10 000, on met 11, si vous voulez, quelque part. À 10 000. À 10 000 euros, le mal de Simplex. Pas de regret. À gauche, l'enchère. 10 000. Le marteau se lève. Votre enchère, Guy, on est d'accord. 10 000 euros. Pas là. Plus à droite. À 10 000. Alors, est-ce qu'on va adjuger véritablement à 10 000 euros? Last call, pas de regret nulle part. À gauche, l'enchère. On la juge. 10 000, Guy. Je vais me déplacer, je vais me rapprocher de Guy Blasco, car toute l'activité se déroule par là-bas. C'est une femelle B, née le 15 avril 2013 par Sunday Break et Selena. Maxime Cézandry. Maxime Cézandry qui signe le bulletin, l'ancien crack jockey du Centre-Est et entraîneur à succès qui signe le bulletin pour le numéro 5, Saint-Sacre. Bon canter. Alors le Haras du Chêne, Anne-Marie Poirier qui a repris les rênes du Haras du Chêne en débourrage après la tragique disparition de son époux qui est également mon frère bien sûr Yann, début février. Nous présente un pouliche qui a fait un super boulot ce matin. Il s'agit d'une fille de Sunday Break et Selena par Kendor. Donc le croisement Sunday Break-Kendor, c'est-à-dire le croisement qui a donné Never on Sunday notamment. Donc voilà, Sunday Break est tellement à succès hein, qui fait la monte désormais au Hara du Lion. Dans l'ouest de la France, en Anjou bien entendu. Voilà, cette pouliche devrait bien se vendre. Donc on va la regarder de près. Elle n'est pas nommée encore, elle est française, elle est née le 15 avril. Matin 6 maintenant. Élevé par la famille Geffroy en Bretagne. Vous l'aurez l'enchère à 6 000. À 6 000 euros qui prend le relais 6. À 6 000 euros qui couvre l'enchère 7, 7, 7. Tout à droite maintenant 7 000. À 7 000 euros toujours à droite l'enchère 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000. À 7 000 euros à droite, pas là, rien en face. À 7 000. 7 000 euros, we are now 7 000. À 7 000 euros qui prend le relais qui couvre l'enchère de 7 000 seulement. À 7 000 euros 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 10 là-haut. Nouvel enchérisseur, fresh bidder 12 à gauche à 12 000. À 12 000 euros par bougie l'enchère à 12 000. Alors on va signaler que sous la troisième mère, bon, on connaît bien la famille, hein, Seralia, Chaka, Cerisia, plus près de nous, Sorcière, gagnante de l'Arenberg, une Orpène, une souche, de Lady Aurélie. Donc, sous la troisième mère, contributeur, depuis l'apparition du catalogue, a gagné les Norton Stakes Groupe 1 et les Ronvet Stakes Groupe 1, c'est-à-dire en Australie. 18 000, on y revient, à droite l'enchère, à 18 000, 18 000 euros, à 18, à 18 000 euros qui couvre l'enchère de 18 000 euros, toujours à droite l'enchère, à 18 000 euros par vous, Laura, pour le moment, à 18 000 euros, il faut mettre 20, 20, nouvel enchérisseur, 20 000 par mois, 20 000 euros, 22, 22 000, 22 000 de nouveau à droite l'enchère à 22, 22. Ça monte doucement, on va, je pense, atteindre rapidement les 30 000 euros, voire les dépasser. Mettez vos enchères, s'il vous plaît, 24 000 euros, la l'enchère à droite à 24 000 euros, oui, 25, 25 000, 25 000, 25 000, de nouveau par mois l'enchère, 25, 25 000, 27 000, j'ai 27 par mois, mais on met 30 si vous voulez, Laura, 27 000 en face de moi l'enchère, 27 000, 30 000, 28, si vous voulez, 28 000 à droite, 28 000 euros, on the right side, 28, 30 000, on y revient, 30 000, 30 000 euros, 30 000 euros en face de moi, l'enchère à 30 000, à 30 000 euros, par vous Laetitia, on est d'accord, 30 000 euros, 30 000 euros. Alors il y a trois enchérisseurs en même temps, donc c'est pas facile de s'y retrouver. 30 000 euros, bonne police, je le répète. Je vais essayer, ah c'est reparti sur la droite. On y revient à 32, à 32 000 euros, 32. C'est reparti sur la droite. 32, 33,
33 000 si vous voulez, 33 000. À 33 000 euros, toujours par vous, Laetitia, 5, 35 000. 30... Voilà, le Haras du Chêne qui vend bien là, 35 000. On rappelle que le top price pour l'instant de la journée, c'est 42 000. Mais il n'est pas impossible que ce numéro 6 atteigne, voire dépasse cette somme de 42 000 euros, puisque nous en sommes déjà à 38 000 euros. Pour la fille de Sunday Break, Sunday Break, étalon au Haras du Lion, Sunday Break, un étalon commercial, un étalon efficace, la preuve. 38 000 euros, c'est votre enchère, Laura, à droite. Voilà, belle réussite pour le Haras du Chêne, qui a su rebondir après le pire des drames qui puisse arriver. 38 à droite, pas là, rien à gauche. À 38 000 euros, toujours à droite, l'enchère. Laetitia, c'est contre vous cette fois. Je vous laisse faire. 38. 40 000. 39. 39 000 euros, où est-ce qu'on a ? 39 000 euros, 40 000 à droite, 40 000. 40 000 euros de nouveau à droite, l'enchère à 40 000. Pas de regret ? Last time. Merci beaucoup, 40 000 euros, l'enchère est à droite. 40 000 euros. Pas là, rien à gauche, à 40 000 euros, le marteau se lève. Thank you very much. Attention, on va adjuger. Last time, last call, à droite, l'enchère. On adjuge. 40 000 euros, Laura. Merci, monsieur Jean-Claude Rouget. Monsieur Jean-Claude Rouget en personne. Qui est juste là et qui va signer le bulletin pour cette pouliche issue de Sunday Break avec une mare Park Endor, c'est-à-dire le même croisement que Never on Sunday. Vainqueur de groupe 1 sous la férule de monsieur Jean-Claude Rouget à l'occasion du prix d'Ispahan. Cheval gris Never on Sunday qui est étalon maintenant au ras des granges. Et voilà. Longue bataille. Voilà, elle arrive, la fille de Slickly. Slickly. Allez, étalons. Petite coupe, hop. Français les plus confirmés. La mère est sœur de deux chevaux Black Type. Deux juments, en l'occurrence Sauvage et Ike. La famille maternelle de l'émigrant, de bons chevaux dans la famille, la fille de Slickly. Ça va et toi ? Pardon, la petite fille de Linamix. Par Slickly, donc, combien pour débuter les enchères ? 10 000 euros, voulez-vous 10, 8, 5, voulez-vous 5 000, 5 000. À 5 000 euros, 5 000, 5, 5, 5. À 5 000 euros, 5 000. Allez, 42 000. 40 000 pour le deuxième top price de la journée. On part très fort parce que nous n'en sommes qu'au numéro 6. Alors maintenant, c'est Sing the Song, présenté par le Haras du Tailly, une fille de Slickly, et She's the One. 3 000, mettez vos enchères. 3 000, à 3 000 euros qui couvrent l'enchère de 3 000 par vous, guide enchère, pas l'erreur, 3 000. À 3 000 euros qui couvrent l'enchère de 3 000, 3. À 3 000 euros qui m'appellent 3, voulez-vous 4, quelque part à 3 000. À 3 000 euros, allons-y, 3 000. À 3 000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît, 3 000 enchères par vous, guide, pas l'erreur, 3 000. À 3 000 euros qui couvrent l'enchère de qui prend le relais à 3 000, vues. À 3 000 euros, 3 000 euros, face de moi, l'enchère, pas l'erreur, 3 000. 3 000 euros, oui, on a 3 000. La fille de Slickly, à 3 000 euros, vue. À 3 000 euros, l'enchère en face de moi, toujours par vous, guide, pas l'erreur, 3 000. À 3 000 euros, le marteau se lève, on va la juger à 3000 euros seulement, vous la laissez partir, mettez vos enchères, là l'enchère, pas d'erreur, à 3000, à 3000 euros, rien à droite pour le moment, à 3000, mettez vos enchères, à 3000 euros le marteau se lève et on va la juger, pas d'engrais nulle part, à 3000 euros, dernière fois, last time, à 3000 euros le marteau se lève, on va la juger par vous Guy, on est d'accord ? Ici, pas d'erreur, rien à droite, pas en face, le marteau se lève, fini, dernière fois, dernier tour, à 3000 euros, on la juge. 3000. Guy. Le numéro 8 est présenté par le Haras de Saint-Arnoult également. Une pouliche. Voilà, donc le numéro 7 qui a fait un travail pas très convaincant, qui avait fait un travail pas très convaincant ce matin, effectivement. Là, la sanction tombe beaucoup plus vite. Vous voyez, avec les ventes, ça, c'est, on peut monter haut, 40 000 euros, et puis redescendre immédiatement à 3 000 euros. Ici, la mère, petite fille de Mister Prospector par numéros, est gagnante. Elle a produit plusieurs gagnants. Regardez la famille maternelle. La petite fille de Silvermin, ici, gagnante de la poule d'essai. Une famille pleine de chevaux classiques, ici. Combien pour débuter les enchères ? La famille bien connue dans la région, notamment celle de La Carolina, de Miasson. Alors, le numéro 8. Sillery. Présenté par le Haras de Saint-Arnoult, de nouveau présent avec une fille de Mister Sydney, Silvery Bay par numéros. Souche de Silvermine, on en parlait ce matin. Hein. La grand-mère Silvermine, grande championne, gagnante de la poule d'essai des pouliches, et grande matrone. La mère de Sillery et puis la grand-mère de Miasson, La Carolina, Silver Point, Savoie, j'en passe, et des meilleurs. Couvre l'enchère de 5 000, mettez vos enchères 5 000. À 5 000 euros seulement, 5 000 seulement, nous sommes à la 5 000. À 5 000 euros, 5 000, mettez vos enchères 5 000. À
5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 seulement. Allons-y, mettez vos enchères. Regardez la famille maternelle, 5 000 seulement. 5 à 5 000 euros, petite fille de Silvermine à 5 000. Mettez vos enchères. 5 000 euros seulement, nous sommes par vous, Guy l'enchère, 5 000 à 5 000 euros, 6 000 à droite, Laura, nouvelle enchère, Husser à 6 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000, 7 maintenant, à 7 000 euros, tout à gauche, l'enchère, pas vous, Guy, pas d'erreur, à 7 000, à 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000 euros, Laura contre vous, à 7 000 euros qui prend l'enchère de 7 000, à 7 000 euros, allons-y, à 7 000 euros, 8 000 à droite, de nouveau l'enchère à 8 000, 8, à 8 000 euros qui couvre l'enchère, 9 maintenant, à 9 000 euros, toujours Guy l'enchère à 9 000, 9, à 9 000 euros qui couvre l'enchère, faut mettre 10 maintenant, à 9 000 euros, mettez vos enchères rapidement, s'il vous plaît, tout à gauche. À 9 000, à 9 000 euros qui couvre l'enchère de 9 000, à 9 000 euros l'enchère c'est par vous Guy, 10 000, à droite l'enchère à 10 000, 10 000, 10 000, 12, à 12 000, 12 000, 12 000 à gauche maintenant, à 12 000 euros la petite fille de Silverman, Mister Sydney à 12 000, à 12 000 euros qui prend le relais à 12 000 à gauche l'enchère, 14 14, 14, 14 par Laura, à 14 000 euros, 16 maintenant, 16 par vous Guy, l'enchère de nouveau à 16 000, à 16 000 euros, toujours à gauche l'enchère à 16 000 par Guy, pas d'erreur, 16, à 16 000 euros qui prend le relais à 16 000. Voilà donc la fille de Mister Sydney qui a quitté les box de... du Haras du Canet, il faisait la montre pour retourner aux États-Unis là où il était né, et là où il a couru d'ailleurs. À 20 000. Il a gagné groupe 1 aux États-Unis. 20, 2 voulez-vous ? À 20 000 euros, 20 000. À 20 000 euros, belle pouliche ici de Mister Sydney, 20 000. Regardez la famille maternelle, 20 000. À 20 000 euros, 20. À 20 000 euros, c'est contre vous. Voilà, alors j'ai eu des infos sur le lot vendu il y a quelques instants, là, à 40 000 euros, le lot numéro 6. Il y avait du monde là-dessus. Il y a Joël Boinard jusqu'à 38 000 euros. Jean-Bien Rabin à 30 000 euros. Donc cette jument pouliche avait vraiment été remarquée. Et c'est Jean-Claude Rouget qui a remporté les enchères finalement. À 40 000 euros. À 20 000 euros, le marteau se lève et on va la juger. La fille de Mister Sydney, pas de regret. La petite fille de Silvermine à 20 000 euros seulement. À gauche, l'enchère par vous, Guy. Laura, je vous laisse faire. 20 000. 21 000 à droite, si vous voulez. 20 000. Alors, on reste sur des gammes hautes. 21, 22 000 maintenant. L'enchère à 22. 22 000. Mister Sydney. Je vais la juger cette fois-ci. Fait un bon travail ce matin aussi. À 22 000 euros, l'enchère est à gauche, le marteau se lève. Que fait-on ? 22 000. Dernier appel. 22 000 euros à gauche l'enchère. Guy, votre enchère, on est d'accord. On met 24 si vous voulez. Je vous laisse faire. À 22 000 euros. On essaie 23. Voulez-vous 23 ? Laura, demandez-lui. À 22 000 euros, le marteau se lève. On va la juger. La fille de Mister Sydney. Excellente famille maternelle ici. À 22 000 euros. Guy l'enchère, on est d'accord. À 22 petite 000 fille euros. De Silvermine, 22 000 euros. Je peux la juger ? On la juge. 22 000. Le numéro 9 est présenté par l'écurie des Noé, Sweet Light Dream. Une pouliche grise, elle est née le 1er mars par Silver Frost et Summer Lemon. Son frère Chou c'est racheté. Vient de se placer le 5 avril. C'est racheté, c'est Larry Sackneb qui signe le bulletin, donc ça a été racheté à 22 000 euros. Voilà, on la laisse arriver, la fille de Silver Frost, la mère par Lemon Drop Kid, sœur de plusieurs bons chevaux, notamment Sarah. Voilà, donc Silver Frost désormais avec le numéro 9. La famille de Salpinks, Zalazol, les migrants, de bons chevaux ici. Sweet Light Dream, présenté par l'écurie des Noé, Arnaud Bédoué. Fille de Verglas, Silver Frost, je le disais. La Silver Frost, la mère est par un excellent étalon américain, Lemon Drop Kid, la grand-mère par Ali Sheba, lui aussi américain, et l'arrière-grand-mère par Northern Dancer. Oui, parce que c'est une souche Nirko, celle de Salpinks, celle de l'émigrant, théatricienne également. 5000 euros, mettez vos enchères. Plus près de nous, donc la mère, elle a deux sorties, elle nous présente ici son deuxième produit. Et la grand-mère, Sarah Son, s'est placée de l'Istud. Troisième du prix de Saint-Cyr à Longchamp, ce qui lui a accordé la qualité de Black Type. Mettez vos enchères. Et elle a fait Sarah lui aussi, qui a gagné groupe, le Rebel Stakes. 3000 euros qui m'appelle, 3000 euros. À 3000 euros, votre enchère, Laura, 3000. À 3000 euros qui couvre l'enchère de 3000 euros. Bouliche bien amené, bon canter ce matin à 3000. 3000 à 3000 euros, mettez vos enchères, s'il vous plaît. 3000 à droite, l'enchère, là. Pourtant, les enchères ne décollent pas. Ah si, ça y est, c'est parti. 5000 si vous voulez à gauche. 5 000 à gauche, Guy l'enchère. 5 000. À 5 000 euros, c'est contre vous, Laura. 5 000. À 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000 par vous, Guy l'enchère. 6 à droite. À 6 000 euros. 6 000. À 6 000 euros, je vous laisse faire, Guy. À 6 000. À droite, l'enchère. De nouveau à 6. 6 000. À 6 000 euros qui prend le relais. 6. 6 000. Toujours à droite, l'enchère. À 6 000 euros qui met 7. 6 000. À droite, l'enchère, je le disais. À 6 000 euros, c'est votre enchère, Laura. Pas d'erreur. 6. À 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000 euros seulement, c'est contre vous, Guy. 6 000. L'enchère est à droite, pas en face et rien à gauche. Le marteau se lève. On met 7. Contre vous, Guy, que fait-on ?
6000 à droite l'enchère. Là, pas là, rien à gauche. À 6000. À 6000 euros, le marteau se lève. Je vais l'adjuger. La fille de Silver Frost, pas de regret nulle part à 6000. C'est contre vous, Guy, je le disais. 6000 à droite l'enchère parlera. Le marteau se lève. Pas de regret nulle part dans la salle à 6000. À 6000 euros, pas de regret, messieurs. Dernière fois, 6000 à droite l'enchère. Pas de regret. On l'adjuge. 6000. Laura. Le numéro 10, un supplément au catalogue. Ah, alors un supplément au catalogue, tandis que le lot précédent était adjugé à 6 000 euros. Poulain B foncé, né le... Rely on me, le numéro 10. Et Tirissa. Joli fils de Diamond Green, la mère par Country Reel. Vendu 100%. Un puissant poulain B brun qui ressemble beaucoup à son père d'ailleurs, Diamond Green. Diamond Green qui avec ses... premiers... Ah, je fais une petite parenthèse, puisque c'est Freddy Le Mercier. Freddy Le Mercier qui est ici. Voilà, que vous voyez, derrière sa lunette de soleil, qui vient d'acheter à 6 000 euros. Le voilà, avec les yeux bleus, un lot à 6 000 euros, qui était le numéro 9. Voilà, Freddy installé à Laousset, en Anjou. À noter que dans la famille Whistler... Alors, on repart avec donc le numéro 10. Troisième du prix Claude Rouget à Châteaubriand. Combien donc pour débuter les enchères pour ce beau poulain Diamond Green? 10 000, 8, 5, voulez-vous 5 000, 5 000 ? Alors, ce qu'il faut signaler, il y a un petit update au catalogue. Hein, 5 000, Laura l'enchère, 5 000. À 5 000 euros, mettez vos enchères, 5 000. 5 000. Comment, le snap call ? Regardez-le, 5 000. À 5 000 euros. Dans la famille de ce numéro 10, c'est placé à Châteaubriand depuis l'apparition du catalogue, le 18 avril, c'est tout récent. 5 000, à 5 000 euros, le mâle de Diamond Green, à 5 000. Voilà, Diamond Green qui fait la monte au ras des Granges dans le sud-ouest, dans le Gers. 5 000. Chez Mathieu Daguzon-Garros. Mettez vos enchères. Voilà qui a fait un plaisant canter ce matin. Présenté par le rat du Sobouas. 6 000 euros par vous, le rat toujours. Paul Basquin, dans le Gers également. À 6 000. À 6 000 euros par vous et contre vous l'enchère. Mettez vos enchères à 6 000. 8 maintenant. 8 000 euros. 8 000 à droite de nouveau l'enchère à 8 000. Donc le numéro 10 est un supplément au catalogue. Ensuite, on aura le numéro 11 et le numéro 12. Hein. Il faut bien regarder le numéro 12 parce qu'il a fait un canter phénoménal ce matin, le fils de Turtle Ball. À 12 000 à droite, l'enchère maintenant. Cousin de Lopé de Vega. Même quelque chose. À 12 000 euros, bon poulain ici. Regardez-le. 12 000 euros, bon poulain, Diamond Green. À 12 000 euros, l'enchère est toujours à droite par vous, Laura, pas d'erreur. À 12 000, 12, 12 000, 14, 14 000, 14 000, 14 000. 14,000 euros à 14 000, 14 000. À 14 000 euros, toujours par vous et contre vous. À 14, 15 si vous voulez, 15, 15, 15. À droite de nouveau, l'enchère à 15 000. À 15 000 euros qui prendront. Donc la famille de Foundation Spirit, gagnant du Grand Prix du Conseil Général, enfin le Grand Prix de Cannes. Quoi. Famille de Baldaquin, Border Euro. Premier produit de la mer, par contre Eril. Le père est noir, le grand-père était noir, le poulain est noir. 18 000. Allez, 8 000, toujours à droite l'enchère. Faut mettre 20. Qui met 20? Allez, 8. Allez, 8 000 euros, toujours à droite l'enchère. Là, allez, 8. Allez, 8 000. Allez, 8. La mère Tirissa, elle sort d'une bonne jument qui s'appelle Lady Sagamix. Qui n'est pas black type, mais qui a été deux fois quatrième de l'Istod. Et pourtant, fille de la Sagamix, qui n'était pas un étalon très brillant. 20 000, on y revient, 20 000, là, à 20 000 euros. 20 000 euros. Je vais voir à gauche à 20 000 et rien là. À 20 000 euros qui prend l'enlève, faut mettre 2 si vous voulez. À 20 000 euros, le marteau se lève, le mâle de Diamond Green. Beau poulain, regardez-le. À 20 000 euros, le marteau se lève, on peut la juger. À 20 000 euros, Laura, c'est chez vous, on est d'accord. À 20 000 euros, pas d'engrais nulle part, à droite l'enchère, pas là, plus à gauche. À 20 000 euros, 20,000 euros, we are now. À 20 000 euros, le mâle de Diamond Green. Laura, on peut la juger. Là, l'enchère, pas de regret, pas en face, rien à gauche. Dernier appel, l'enchère est là. On la tue. 20 000. Laura. Alors, 20 000 euros, Marc-Antoine Bergracht, MAB Agency. De Bernesque, une pouliche. MAB Agency, il est là-bas, à côté de François Rau, avec sa pull bleu. Summer Melody. Là-bas. La fille de Le Havre. La mère est... Voilà, on va l'apercevoir. Marc-Antoine Bergracht. Ah, il fait beau, hein, il a le col ouvert. Voilà, c'est lui qui vient de faire l'acquisition du lot précédent. Il est à côté de François Rau, avec qui il travaille régulièrement comme entraîneur. Et Hervé Bunel qui vient de le rejoindre à cet instant. Voilà, donc le numéro 11 et après le numéro 12 à suivre avec la plus grande attention. Les gagnants numéro 12, normalement, ça devrait flamber. Combien pour débuter les enchères?
10 000, 8 000, 8 000, 5 000. On débute à 5 000 euros les enchères. La malle, la fille de Le Havre, pardon, à 5 000. 5 000 euros. À 5 000 euros, mettez vos enchères. 5 000. À 5 000 euros, qui m'appelle. Voilà, donc on est reparti avec les enchères concernant le numéro 11. À droite, l'enchère par Boulogne, 5 000, 5 000. À 5 000 euros, 6 000, 6 000. Présenté par le rat de Bernesque, une fille de Le Havre. Ah, évidemment, Le Havre, c'est un étalon très très commercial. Le père d'avenir certain. La mère est Black Type, Summer Melody, deuxième du Yakolev, très précoce. Le Yakolev, c'est au mois de juillet à 2 ans à Deauville. Course réservée aux inédits. Puis derrière, bon, on trouve sous la deuxième mère Regal Thunder gagnant le groupe. Enfin bon, une grande championne sous la quatrième mère Hippodamia. 12, 14, 14, Le Havre à 14 000, à 14 000. Une Le Havre. À 14 000 euros par vous, l'aura toujours l'enchère à 14. À 14 000 euros qui prend l'enlève, 16, Fresh Bidder, 16. À 16 000 euros en face de moi, à 18 maintenant, à 18 000, il faut mettre 20. À 18 000 euros, 20 maintenant, fait 20,000 euros. On a déjà atteint les 20 000 euros en l'espace d'en moins d'une minute d'enchère. 20 000, pas là, rien à droite à 20 000. À 20 000 euros qui couvre l'enchère. J'ai essayé de repérer. Seulement la fille de Le Havre, mère placée de course principale. 20 les tribunes sont pleines, hein. Il y a pas mal de monde, beaucoup d'entraîneurs. Pour le moment, 20 000. À 20 000 qui couvre l'enchère de 20 000, qui m'appelle 20 000 à 20 000 euros, mettez vos enchères à 20 000. Le Havre, 20 000 à 20 000 euros, 20. La mère placée de course principale, je le répète, 20 000 à 20 000 euros. Bon canter ce matin, 20 000 à 20, à 20 000 euros qui prend le relais par le père d'avenir, certain, à 20 000, 20 000. Votre enchère, Guy, on est d'accord, 20 000 à 20 000 euros, pas de regret, pas en face. Laura, c'est contre vous. Que fait-on, Laura, contre vous? Merci de votre aide. 20 000, l'enchère par vous, Guy, ici. À 20 000. Ça va être du côté de Guy Blasco que l'enchère va tomber, sans doute, que le marteau va tomber en tout cas. Guy, en bas, là, ok, 20 000. 20 000 euros, je vous laisse faire. En bas, l'enchère, à 20 000. À 20 000 euros, le marteau se lève et on va la juger. À 20 000 euros, pardon. Ne serait-ce pas Yann Barbero. T1. Ah. 21. 21 000. 21 000. Guy, en haut à gauche. C'est reparti en haut des tribunes, les enchères. Par mois, 21 000 par. J'essaie de repérer qui avait l'enchère à 20 000, donc c'est-à-dire qui pourrait réagir éventuellement. À 21 000 euros, le marteau se lève, pas là, rien à droite. Laura, c'est contre vous, fini, dernière fois. Ah non, l'enchère de 21 000. On la tue. 21. Voilà. À gauche. C'est l'enchère de 21 000. Je me demande si c'est pas un rachat tout de même. Est présenté par The Channel Concealment, un mal B. Je ne suis pas sûr, hein. J'essaie de repérer la boîte, vers où elle se dirige. À côté d'ici, je n'arrive pas à distinguer. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est à côté de Xavier Thomas de Moult. Mais je me demande si ce n'est pas quelqu'un quand même du Harad Bernesque qui signe le bulletin. C'est un peu loin. Alors, attention les yeux, mesdames, messieurs, le numéro 12. On attend beaucoup, beaucoup, beaucoup de ce numéro 12. Splendide fils de Turtle Ball, qui a fait un canter formidable ce matin. Et c'est le cousin de Lopé de Vega, auteur du doublé. Poule d'essai près du Jockey Club, bien sûr. Excellent. Et qui a fait un super début en tant qu'étalon l'année dernière avec ses premiers 2 ans. Il a fait un gain de groupe 1. Lopé de Vega, étalon. Voilà, donc là, c'est la souche qui va bien. Hein. D'ores et déjà confirmé. Magnifique cheval, la mère parode par Red Ransom. Le Turtle Ball a fait la montée en France. Hein. C'est la dernière génération de Turtle Ball qui a été faite en France. 20 000. Ensuite, Turtle Ball a été exporté au Japon, à Shadai Farm. Allez, c'est parti pour le numéro 12. Ce matin, je le répète, à 10 000 euros, 10 000. Mettez vos enchères, pas plus bas, s'il vous plaît. 10 000, 8, voulez-vous 8. À 8 000 euros, à droite, l'enchère, à 8 000. 8 000 euros. À 8 000 euros, qui couvre l'enchère de 8 000 euros, allons-y, à 8. À 8 000 euros, le mal de Turtle Ball, 10 maintenant. À 10 000, 10 000. À 10 000 euros, qui couvre l'enchère de 10 000, 12, il faut mettre maintenant à 10 000. 10 000, allez, voilà, cheval présenté par The Channel Consignment, l'association franco-anglaise de Alban Chevalier Dufaux et Jamie Relton. Ils sont tous les deux ici d'ailleurs. Sylvain l'enchère, 12, 14, 14, 14 000. Laetitia l'enchère à 14, 14, 16, à 16 000 euros. Toujours à gauche l'enchère à 16 000, à 16 000 euros. Mettez vos enchères, regardez le poulain. Excellent, brise ce matin. Lopé de Vega, 18, à 18 000. Lopé de Vega, direct dans la famille, à 18. Laetitia, 16, 17 si vous voulez, à 17. À 17 000, mettez vos enchères, à 17 000. À 17, 18, à gauche l'enchère, de nouveau à 18. À 18 000 euros, il faut mettre 20 maintenant, mettez 20. À 18 000 euros qui couvre l'enchère de 18 seulement. Bon poulain par Turtle Ball, je le répète, à 18. À 18, à 18. 22, 22 000, 22 000, 22 000, toujours en face de moi l'enchère à 22. À 22 000 euros par vous, Laetitia, l'enchère, mettez vos enchères. Bon, sans surprise, hein, les enchères montent. Laura, Sylvain, 24 000. 24 un peu de partout, là, les auctionneurs qui trouvent des enchères. 24, 24 000 déjà. Allons-y, vaut beaucoup mieux le poulain. Lopé de Vega directement dans la famille à 24. 26 000 à gauche, 26 000. Ah, nouvel enchérisseur par John O'Kelly, l'auctionnaire irlandais qui va prendre place tout à l'heure à la place de Emmanuel Viau qui a ouvert les débats.
Voilà, 30 000 euros déjà. À 30 000 euros par vous, Sylvain Lenchère, à 30 000, allons-y. Je vous rappelle que pour l'instant, les principales enchères sont 42 000 pour le numéro 3, 40 000 pour le numéro 6. À 30 000 euros, qui couvre l'enchère de 30 000 euros, le mal de Turtle Ball. 2 000, 32 000, on y revient, 32 000, 32 000 euros, we are now, à 32 000 euros, lovely call to you by Turtle Ball, Gilbert Family from Lope de Vega, Flope de Vega, 32 000 euros seulement, nous sommes à 32, 34 000, 34 000, 34 000, à 34 000 à gauche l'enchère, à 34, 34 000 euros toujours à gauche l'enchère, à 34 000, oui, à 34 000, Sylvain, que fait-on? 36 000, 36 000. 36 000, par vous Sylvain Lenchère à 36, à 36 000 euros qui prend le relais à 36 000, bon poulain, vraiment, regardez-le, 36, Lope de Vega à 36 000 euros, 36, à 36 000 euros qui met 8, à 36 000 euros, je vais voir à droite, 36 000, 36, à 36 000 euros, toujours là, c'est vous Sylvain Lenchère cette fois-ci à 36, à 36 000 euros, pas de regret, le marteau se lève et je vais l'adjuger à 36 000 euros, pas de regret nulle part à 36, pas là, plus là-bas. À 36 000 euros, 36 000 euros, à 36 000 euros, le marteau se lève et on va l'adjuger. Laura, que fait-on? Je l'adjuge en face, par vous, Sylvain, pas d'erreur, 36 000 euros, le marteau se lève. Dernière fois, on peut l'adjuger? 38 000 euros. C'est pas fini, on a failli adjuger, c'est reparti à 38 000 euros. Merci de votre aide, à 38 000 euros, à 38 000 euros, regardez Sylvain, à 38, à 38 000 euros, faut mettre 40 maintenant, 38, à 38 000 euros, allons-y, 38, à 38 000, qui met 40? On met 40? On laissait 40? Sylvain, on laissait 40? 38 contre vous, 40? 40, oui, à 38 000 euros, l'enchère là-haut, un petit instant de réflexion, à 38, 38, à 38 000 euros, je vous laisse faire, Sylvain, à 38. Contre vous, messieurs, que fait-on? 38. On essaie 40. Merci de votre aide. 38 000 euros, l'enchère est là-haut au téléphone, pas de regret. Dernier appel. Last time, last call. Last call. 38 000 euros. On va juger. Sans regretter. 38, pas de regret. 38 000 euros, là-haut l'enchère. Rien à droite, pas là. On adjuge. 38 000. Monsieur Nicolas Vatrigan. Merci, monsieur. Ah, Mandor, agency. Nicolas de Balanda, excusez-moi. Bah, c'est des amis, ils sont des amis. Allons-y. Nicolas de Balanda, Nicolas Bertrand de Balanda. Lara de Saint-Arnoux. Voilà, qui a jeune entraîneur de Maison Lafitte qui a remporté cette enchère. Et non pas Nicolas de Vatrigan de Mandor Agency, qui était juste à côté d'ailleurs. Je vais voir où ça en est. Cette pouliche est vendue 50% sans TVA. Restons concentrés. Lafitte Elusive City. Regardez-la, elle arrive. La voici, bonne pouliche par Elusive City. Elusive voilà, City. C'est bel et bien Nicolas Bertrand de Balanda. Top 3 régulièrement des talons français. Qui est là et qui a réalisé cet investissement à 38 000 euros. Dans la région. Il est là. La mère a produit notamment Jufun, excellente pouliche, placée deuxième à l'Oville du prix Petite Étoile Liste Dresse, la mère et sœur de Heritage of Gold, gagnante de groupe 1 aux États-Unis. Une bonne famille vraiment ici pour cette petite fille d'Elusive Quality par Elusive City. Étalon plus que. Allez, le numéro 13 désormais. Les enchères. 10 000, allons-y, 10 000, mettez. Une fille de Elusive City, présentée par le Hara de Saint-Arnoux, Larissa Knepp. La mère Simba's Dream par vindication, étalon américain par Seattle Slew. Simba's Dream, placée de liste, troisième du derby du Languedoc contre les mâles, hein, puisque c'est un derby. Et elle a déjà produit Jufun, elle-même Black Type. À 8 000 euros, mettez 10 maintenant, à 8 000, 8. À 8 000 euros, qui met 10, 10 000, à 10 000, à 10 000. À 10 000, Laetitia Lenchère, à 10 000, 10. À 10 000 euros, qui couvre l'enchère de 10 000. Bonne pouliche, Delis. La mère, c'est une sœur de Heritage of Gold, hein, qui fut une grande championne américaine, double gagnante de groupe 1, le Apple Blossom et le Go for One Handicap. Toujours à 12 000, à 12 000 euros, 12, 12. À 12 000 euros, qui prend le relais, elle vaut beaucoup mieux, la pouliche. Bien amenée, bon canter ce matin, à 12 000 seulement, nous sommes. 12 000, à 12 000, 12 000, à 12 000 euros, toujours à gauche, l'enchère à 12 000, 12. Par vous, qui l'enchère, 12, 14 000 euros, Fred. Elle est anglaise, hein, c'est important de signaler, elle n'est pas assimilée, elle est anglaise. À 16 000, 16 000 en face, 16 000, à 18 000, 18 000, à 18 000, à droite, l'enchère à 18, à 18 000 euros, qui couvre l'enchère de 18 000, 20 maintenant, à 20 000 euros, 2, 22 000, 22 000, 22, 22, à 22, 22, à 22 000 euros, qui prend l'enlève à 22, à 22 000 euros, bonne pouliche, j'ai décidé, 24 000 maintenant, 24, à 24 000, toujours en face par vous, Laetitia Lenchère, à 24 000, toujours là, l'enchère, à 24, 24, à 24 000 euros, qui couvre l'enchère de 24, 24 000, à 24 000 euros, 26, à 26 000 maintenant, nous sommes à 26 000, je le répète, bonne pouliche, bon, bon canter, bien amené ce matin, à 26 000 euros, à gauche l'enchère, 8 maintenant, Laura, à 28 000, à 28 000 euros, qui couvre l'enchère de 28 000 euros, la fille d'Elusive City, à 28 000. Elle a fait un bon canter, c'est
c'est vrai, c'est de pouliche ce matin et les enchères montent. C'est une sœur de Black Type, c'est une fille de Black Type. La mère est troisième contre les mâles, je vous le rappelle, du derby du Languedoc, hein, qui est quand même une épreuve de haute sélection dans la région. À 28, à droite l'enchère, Laura. Laura, 28 000, c'est vous, on est d'accord. 28 000, à 28 000 euros qui couvre l'enchère de 28. À 28 000 euros, le marteau se lève, on va la juger. La fille de Lesif City, 28 000 euros, 28 000 euros, we are now. À 28 000 euros, à droite, pas là, rien à gauche, 30 000. À 30 000, 30 000. On y revient à 30 000. On est sur des sacrées bases hein, aujourd'hui. Hein. 30 000. À 30 000. Sur des bases supérieures à l'an dernier, ça c'est clair. L'an dernier, on avait eu un cheval à 75 000 euros, un cheval à 85 000 euros, c'est vrai. Laura. Mais là, on a une régularité quand même dans les enchères, dans une gamme de 20 à 30 000 euros, voire 42 000 euros pour le black tie, pour le top price, pardon. C'est votre enchère, Guy, pas de regret. 30 000 euros, le marteau se lève, je vais la juger. Laura, qu'on fait, on essaie. 31, si vous voulez, contre vous. À 30 000 euros, le marteau se lève, enchère à gauche, pas en face et rien à droite à 30 000. Bonne pouliche ici par Lesif City, la sœur de Jeffoon, placée de course principale. À 30 000 euros, le marteau se lève. Pas de regret. Guy, votre enchère. Pas là. Rien à droite. Plus à droite. Dernière fois, à 30 000 euros. Dernier tour. On la tuge. 30 000. Ah, c'est intéressant. Je suis en train de regarder le tableau des enchères. Et là, on voit quelque chose de tout à fait spectaculaire. 30 000 euros, 21 000 pounds. 21 000 livres. Vous savez que l'euro a chuté considérablement ces derniers temps. Et donc forcément pour les acheteurs anglais, d'ailleurs c'est un Irlandais qui prend l'enchère, pour les acheteurs anglais et irlandais, enfin surtout pour les acheteurs anglais puisque eux comptent en livres, les Irlandais comptent en euros, eh bien ça fait une grosse différence. En quelques mois, ils peuvent effectivement augmenter leurs enchères. Par contre, c'est Larissa Knepp qui signe le bulletin, donc la jument a manifestement été rachetée, la Elusive City. 3 000, voulez-vous, 3 000, allons-y, les enchères, les heures. À 3 000, donc John O'Kelly, très bas. 3 000, voulez-vous maintenant à 3 000. Qui travaille régulièrement à Tattersalls, c'est lui aussi qui fait la vente la plus courte du monde à Hong Kong, la plus courte, mais pas la plus petite. Hein. Vente à Hong Kong, c'est lui qui fait les, 3 000, voulez-vous maintenant à 3 000. Qui fait les commentaires là-bas, et c'est un fils de Joey Black, présenté par Pedro Ventena. Pedro Ventena, ce numéro 14, un fils de Silver Frost et Tartine par Solid Illusion qui va pas se vendre apparemment là. 3 000 de bonne famille de Stoneside, un fort amicable. À 3 000, voulez-vous? À 3 000, dernière fois, dernière chance. Alors à 3 000, fini sur l'autre suivant, s'il vous plaît. Ah, pas d'enchère. Désolé. Je viens d'apercevoir, je ne parle pas trop fort parce que je viens de voir Jean-Claude Roget qui a repris sa place, la place de laquelle il a acheté tout à l'heure à 40 000 euros, le numéro 6. Alors s'il a repris sa place avec ses clients, c'est pas, sûrement pas pour faire du tourisme, peut-être c'est pour acheter le numéro 15, la fille de Lil Bourne Ladd qui était fort plaisante ce matin. Le grand frère plutôt, Tianchen City, s'est placé deuxième du prix du journal Génie Course sur l'hippodrome de Nancy. Et également un quatrième du prix de Wiesenberg. Voilà, les frères et cousins qui ont fait des perfs depuis. L'hippodrome nancéen. La seule produit de Lilbert là dans le catalogue. Alors, on a vu Jean-Claude Roget reprendre sa place. On voit même Joël Boinard reprendre sa place. Les danseurs, ses premiers deux produits en deux ans. C'est vrai qu'elle était plaisante, cette fille de Lilbert là ce matin. La mère par Keltos. Keltos qui a été un étalon avec des constants problèmes de fertilité. Donc il a peu produit, mais fort bien produit, Keltos. Bien, elle arrive. Pouliche frissante. Avec beaucoup de la force, a fait un très bon travail aujourd'hui. Vous l'avez vu sans doute. Elle va arriver. Hein. C'est bien. Voilà, elle est un petit peu timide, la pouliche. C'est de place très bien. Pouliche très courte en fait. Première 20 000, qui a 20 000, donnez-moi 20 000 pour les belles pouliches, la fille de Lilbert Ladd ici à 20 000, qui a 20 000, 20 000, 10 000, 5 000, voulez-vous toutes les mains devraient s'élever à 5 000, vous débutez très bas à 5 000, mettez vos enchères. Voilà donc des entraîneurs qui viennent du sud-ouest, Jean-Claude Roget bien sûr, Joël Boinard qui vient d'une toute belle pouliche ici. De l'ouest, qui vient de gagner d'ailleurs avec un fils d'Evasive, acheté 10 000 euros. Ici même, Yearling à la test, donc au mois de septembre, avait deux gagnants en débutant à Nantes. Un évasif là qui a l'air d'aller bien. 4 000 enchères. Et donc, bah, forcément, il revient, hein, puisque comme dit le principe, hein, quand on gagne, on continue de jouer. C'est contre vous là, 6 000. Ah, 6 000, c'est maintenant à 6 000. Donc, la Lilbourne Ladd. Alors, qu'est-ce que c'est que Lilbourne Ladd? Je vais vous le dire. 8 000 enchères. C'est un étalon irlandais par acclamation.
Lui-même sprinter, précoce, deuxième des minutes par stakes, groupe 1, à 2 ans sur 1200 mètres à Newmarket. Famille de vitesse également, celle de tenue de soirée, baiser volé. 17 maintenant, 15 000, regardez bien la pouliche là, 15 000, elle est grande, 17. Et puis la mère quand même, Ténépia, elle a fait 3 produits en âge de courir, dont celle-ci, donc en fait 2 véritablement en âge de courir, 2 gagnants, donc 100% de réussite. Pas de fausses notes dans la production de la mère pour l'instant. 18 000, l'enchère maintenant, 18 Sylvain, 18 000, la bonne famille, River Rose, 20 000, l'enchère, 20 000, nous sommes dans 20 000, 20 000, d'une fille de Keltos ici, 20 000, 2 frères et sœurs gagnantes, 20 000, l'enchère, 22 l'enchère, 22 000, regardez bien la mode. Là. Elle a très bien travaillé là au jeu. 22, 5, 25, nous sommes. À 25 000, nous sommes dans 25, 25, 27, 27, l'enchère. À 25, allez-y, Jimmy. À 27 000, l'enchère maintenant. 27, plus vous là. Vous êtes plus là. 27, 30 000, 30 000, l'enchère. À 30 000, 30 000, l'enchère maintenant. 30 000. À 30 000, là, on reste contre vous là. 30 000. Une toute belle bouliche ici à 30 000. À 30 000, nous sommes à 30, 32, 32, 32, l'enchère. À 32, 32, 32, l'enchère. Peut-être une des meilleures de la catalogue. À 32, 32, vous voulez pas mettre 5 maintenant. 30 000. À 38, 32, 32, plus vous qui 32, 5, 35. 35, 35, nouvelle enchère Razor. À 35 minutes ce matin, 31, 35. Deux partants, deux vainqueurs pour la jument. 35, 35, l'enchère, vous voulez pas mettre 7? À 35 000, Laura. À 35, à 35 000, contre vous là, Laura, 35 000. Ah! À 35, 6. Je laissais faire les enchères, 35 000. 36, 36, 8 encore maintenant, 36. À 36 000 enchères maintenant. Est-ce que c'est Jean-Claude, oui, c'est ça, Jean-Claude Rouget qui vient de mettre l'enchère. Jean-Claude Rouget qui vient de mettre l'enchère. Ah, il a été contré, Jean-Claude. Elle est toute mignonne, elle est toute belle, elle est élégante aussi. À 40 000, et plus vous là en bas, monsieur. À 40 000 enchères, tout en haut, à 40 000, deux voulez-vous. À 40 000, 40 000, 40 000, 42. Voilà, il vient de remettre une enchère, 42 000. Jean-Claude Rouget. Là, on est au niveau du top price de la journée. Le top price était 42 000 avec le numéro 3. Le premier produit à 42 000, nous sommes maintenant, plus vous là, on monsieur, maintenant à 42, 4 voulez-vous, à 42, l'enchère ici en bas, à 42 000, à 42 000, vous laissez partir pour une seule peut-être, à 42 000, l'enchère, alors là, contre 42, 44, 44 000, devant l'enchère. Guy Petit contre Jean-Claude Rouget, Guy Petit avec Jean-Michel Lefebvre qui vient de mettre une enchère. 44, 46 000 à gauche. Oh là, c'est reparti à 46 000, 45 000 de l'autre côté, nouvelle enchérisseur, carrément de l'autre côté des tribunes, là je vois pas qui c'est, donc pour l'instant nous avions repéré Jean-Claude Rouget comme enchérisseur, qui vient de remettre une enchère à cet instant, là c'est la guerre, une guerre tripartite contre Guy Petit, Jean-Claude Rouget et un autre personnage de l'autre côté des tribunes que je n'arrive pas à distinguer pour l'instant. À 46, l'enchère à droite. Mais voilà, pour l'instant c'est bel et bien Jean-Claude Rouget qui a l'enchère. 37, à 47, 47, 47 000, nous sommes. À 47, 48, il réagit au tac au tac. À 48, you don't he will. À 48 000, nous sommes maintenant. 48, 48, Guy. À 48 000, vous là. 48 000, arrondissez, s'il vous plaît. À 48 000, c'est oui ou non là. À 48, l'enchère à droite ici. À 48, pouliche très élégante ici. Très course, très bien travaillé là aujourd'hui. À 48 000, nous sommes. Regardez la souplesse. À 48 000, l'enchère à droite ici. À 48, fini là. Merci votre aide. À 49, 49 000. À 49, 5. Oh là, il y a du répondant quand même. Hein. L'enchère ou pas? 49 ici en bas. 40, 50 000, 50 000, 50 000, vous l'avez presque. À 50 000, 50 000, 50 000, plus haut encore maintenant à 52 000. À 50 000, 52, 52, 52, l'enchère. À 52, 52 000, on est reparti de l'autre côté des tribunes. Jean-Claude Rouget est en pleine réflexion. Monsieur, à 52 000, c'est bien vu. À 42 000, merci pour votre aide. En haut et en bas à gauche, là. À 52 000, l'enchère par Laura. À 52, on va juger. À 52 000, on la juge. Laura, merci beaucoup. 52 000. Monsieur de Rouget, je pense. Oui, Jean-Claude Rouget, merci beaucoup, monsieur, 52 000. Jean-Claude Rouget. Le numéro 16 nous est maintenant présent. Voilà, à 52 000, le top price de la journée, le numéro 15. Et Umiko. Très typé de la ligne maternelle, on m'a dit le vendeur. Issu d'une bonne pouliche de course, gagnante à Chantilly et à Deauville. Double gagnante, la mère. Placé 9 fois, la famille de Native Khan, troisième de 2000 Guinées en Angleterre. Récemment, famille très vivante, Verbala, Verba par Aneba, Anaba, Anaba, Anaba par Danzig. Yellowstone, c'est un grand petit-fils, la ligne de Danzig aussi. Famille Zim, Welcome Millennium, donc une famille très connue en France. Bon croisement. Bon croisement, la ligne Daniel et Miesque.
Combien faut-on débuter à 10 000, 10 000, qui a 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part, 10, 5, 3 000, voulez-vous, à 3 000, mettez-vous dans le cher, à 3 000, vous débutez bas, allons-y, 3 000, voulez-vous maintenant à 3 000, issue d'une gagnante. Allez, 52 000 donc pour le numéro 15, 3 000 seulement. Qui est pour l'instant le top price de la journée. Alors, je vous donne un petit détail technique, chers amis qui nous regardez avec la plus grande attention. On a un petit souci technique qui ne change en rien à la visibilité que vous avez du direct, mais c'est juste pour les infos purement techniques. On est bloqué sur le numéro 1, donc voilà, c'est les joies de l'informatique. Parfois, ça arrive. Notre équipe de webmaster se penche sur le problème. Et même s'ils n'ont pas encore réussi à le déceler, parce que le problème est assez complexe, ils vont forcément le trouver dans les minutes qui viennent. Je vais dans 5 000 l'enchère, 6 000 l'enchère, à 6 000 le somme, à 6 000 l'enchère maintenant, 6 000, tu te fais mes prêts, aussi à 6 000, à 6 000 l'enchère maintenant, 6 000, plus voilà, alors là, à 6 000 le somme, on peut les juger, à 6 000. Alors, chers amis, vous ne connaissez sans doute pas vraiment Yellowstone. Yellowstone qui a été un bon élément chez Aiden O'Brien. 5 vainqueurs aussi à 7 000, ce grand sujet de vainqueurs. Gagnant de groupe, multiple, placé de groupe, il a été leader Yellowstone. C'était pas forcément facile. Il nous présente ici ses premiers 2 ans. Il a fait la monte une année au Harrah's Saturno qui nous présente cette sainte unique. J'aimais bien son travail, mais bon. Merci beaucoup. Bon, 7 000. Alors c'est vendu à 7 000 euros. Le numéro 17, Valley Song Pouliche Grise, né le 21 février, présenté par le Harrah du Taillis. Une fille de Slickly et Valdebossa, elle a noté qu'elle tourne occasionnellement dans le box. Yep, she's a occasional box walker, ladies and gentlemen, issue d'une famille vivante. Alors voici le rat du Taillis Bernhard Wenger qui nous présente une fille de Slickly qui s'appelle Valley Song Valdemosa par Yostonor. Elle est grise, grise foncée comme son père Slickly et comme son père de mère Yostonor. Eux ont fini leur carrière très... Enfin, c'est pas encore le cas pour Slickly, mais pour Yostonor, bien sûr, qui est mort, ils étaient tout blancs. Et même le grand-père de mère, Chakapour, était gris. Celui-ci est gris. La mère a gagné 2 fois. Elle a fait un gagnant par polyglotte qui s'appelle Val de Majorque. C'est la souche de Groomtes, qui a été un bon cheval en Italie. Deuxième de groupe 1 dans le Grand Prix de Milan. Aux enchères maintenant, à l'enchère, voulez-vous maintenant 3 000, à 3 000, il n'y en a que 2 pouliches par cycliste dans le catalogue, c'est la deuxième ici, à 3 000, à 3 000, vous débutez très bas, à 3 000, mettez vos enchères ici, s'il vous plaît, à 3 000 en face, à 3 000, nous sommes à 3 000, à 3 000, la tisse, à l'enchère maintenant, à 3 000, à 3 000, la sœur d'une place est multiple fois placée, et aussi à la maison Lafitte aussi, à 3 000, nous sommes une seule maintenant, à 3 000, oui, qui couvre l'enchère, à 3 000, nous sommes suivants, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, à 3 000 euros maintenant, à 3 000, à 3 000, la sœur d'une vainqueur à 3 000, à 3 000, nous sommes maintenant à 3 000, c'est bien vu. Ah, Julien Auger. On va juger, n'attendez pas que le marque. Julien Auger, à 3 000, nous sommes maintenant à 3 000. Le bon jockey qui est venu, je l'aperçois parmi tous les professionnels. 4 000, Guy, à 4 000, vous l'avez presque là, à 4 000 euros, Laetitia, à 5 000, nous sommes 5 000, donc je suis maintenant 5 000, ça recroît d'attendre si longtemps. Voilà, ce sont des ventes de pros, on a beaucoup de pros ici. Voilà, monsieur, à 5 000 enchères ici, à droite, à 5 000, c'est bien vu. Une seule, en passant, à 5 000, c'est sûr. À 5 000, nous sommes, on va juger alors. À 5 000, nous sommes à droite, l'enchère maintenant, à 5 000. Par Laetitia, à 5 000. 6 000. Nous avons des Anglais hein, aussi, Richard Venn, que j'ai aperçu tout à l'heure. Vous mettez des enchères là. À 6 000 enchères maintenant, 6 000. À 6 000, nous sommes maintenant, 6 000. À 6 000, Laetitia. Ah, il est taquin, ce John O'Kelly, vous avez entendu. Il dit, j'espère que la jument court plus vite que vous mettez les enchères. Bon. À 6 000, dernière fois, dernière chance là. À 6 000. 7 000. Bon, ça va pas vite, mais ça monte. D'être fatigué, la fin, la pouliche, là. 7 000 euros, 7 000, allons-y, à 7 000. À 7 000, nous sommes maintenant, 7 000, les sœurs de vainqueurs déjà à 7 000. À 7 000, nous sommes maintenant, 5 000, à 7 000. Fini la guille, à 7 000. On les juge. Laetitia, merci beaucoup, 7 000. Bon, 7 000 pour le 17. Alors maintenant, on va passer au 18. Ah, Walk in the Park pour Clémentina. C'est le nom de ce numéro 18 présenté par Eric Impulsion. La mère par Vespon et la mère, c'est la sœur de Malone qui a été un cheval semi-classique en obstacle, gagnant de groupe 3 à l'occasion de la grande course de printemps. Et Walk in the Park, bien, c'est le nouvel étalon sensation, le fils de Monjeu, le père de Douvan, entre autres. 31 mars, c'est totalisé 44 000. Il avait déjà fait Dance in the Park en plat, mais voilà, Douvan et puis un autre bon cheval de chez Willy Mullins. Elle est proche sœur de Malone aussi, donc c'est une famille très utile en plat et aux obstacles par le père de Duvin, le seul par
En fait, le seul représentant de Broken Park dans le catalogue, né fin d'avril, marche bien, combien de temps, 10 000 velours, qui a 10 000, donnez-moi 10 000 quelque part. À 10 000 pour le début des bars, allons-y, à 10 000, à Walking the Park, à 10 000, 10 000, 5 000, 5 000, 3 000 velours. À 3 000 pour le début des bars, la mère et soeur de Sylvain, 3 000 à gauche. À 3 000, nous sommes maintenant à 3 000, la mère et soeur de Malone, à 3 000. À 3 000, 3 000, 3 000, enchaîne maintenant à 3 000. À 3 000, toutes les mains d'après s'élever à 3 000, every bit is good here. À 3 000, nous sommes maintenant à 3 000, à 3 000, pressons quand même à 3 000. À 3 000, 3 000, 4 000, 4 000, 4 000, 4 000, à 4000 la famille de Monchou, Rose du Barry à 4000, à 4000, 4000, vous la guillez à 4000, à 4000, 4000, nous sommes maintenant à 4000, nous allons fort, Bader Harris à 4000, à 4000, la fille de Walking Cats à 5000, ça va l'enchaîner maintenant à 5000, la soeur de 6000, 6000, l'enchaîner maintenant à 6000, à 6000, Malone ici. Alors, est-ce qu'on va acheter cette pouliche dans une perspective d'en faire une jument d'obstacle qui est vendable, parce qu'aujourd'hui, notamment par l'impulsion de Willie Mullins, les femelles ont acquis une forte valeur commerciale, hein, Vombrom Mag, enfin il y en a plein des femelles, mais Wiki Vega évidemment. Et donc il y a un circuit aussi maintenant en Irlande qui a été créé spécialement pour les femelles, donc du coup il y a de plus en plus d'intérêt pour les femelles d'obstacle. Alors je vous dis ça, je ne sais pas si cette jument est achetée pour faire de l'obstacle, mais bon, quand on veut une nièce de Malone par Walking the Park, on peut raisonnablement y penser. 8 000, 9 000, 9 000, 10 000, 10 000, on chemine dans 10 000, à 10 000, nous sommes dans 10 000, mettez 10 000 sur l'ordinateur, s'il vous plaît, 10 000, bravo, à 10 000, nous sommes dans 10 000, à 10, 6, 6, on chemine dans 10, contrôle Laura, à 10 000, nous sommes lancés à la gauche ici, à 10 000, nous vendons toujours pas d'erreur, à 10 000, nous sommes, c'est bien vu. À 10 000 euros, on peut les juger. L'enchaîne pas Guy, contre la Guy et Laura, à 10 000, nous sommes, on va te juger alors, dernière fois, dernière chance, à 10 000, nous sommes, on les juge. Merci beaucoup, Guy. 10 000, votre enchère. Le numéro 19 est absent du catalogue. Alors, pas de lot 19, donc on va passer directement au numéro 20, qui est un supplément. Je vois Jean-Claude Roger qui a repris sa place. Pour l'instant, il est venu s'asseoir deux fois, il a acheté deux chevaux, dont le top price, hein, le 15 à 52 000 euros. Là, c'est Afsan, une fille de Siouni, présentée par le rat de Sobouas. Il est placé deuxième du City Post Novitz Holder à Cheltenham. Le 15 avril et totalise aujourd'hui donc 37 704. Ouais, donc Siouni avec une mère par Naïef, elle s'appelle Afsan. C'est la nièce de Serabad, gagnant du prix Maurice Caillot, troisième du derby du Languedoc, vendu après en Angleterre, placé de groupe en obstacle. Serabad, si je ne m'abuse, il était chez Rouget déjà. Petite nièce de Sandawa, qui a été un excellent grand champion. Quadruple gagnant de groupe 1, un poule d'essai, Moulin, Ispahan, Saint-James. Ça a été un piètre étalon, mais ça a été un formidable cheval de course. Donc Afsan, c'est une fille de Siouni. Siouni, étalon sensationnel avec sa première génération de 2 ans en 2014. Et qui a confirmé là, avec les premières épreuves de groupe en 2015. Bon, là, ça va, on va faire une somme, hein, je pense. Voilà, 20, je pense qu'on va pouvoir dépasser sans problème les 30 000 euros. Enfin, je dis ça. C'est pas une boule de cristal, mais quand même. Juger alors une fille, belle fille de Siouni ici à 25 000, très course à 25 000, bien travaillé là aujourd'hui à 25 000. Bon, bah, je vous ai dit une bêtise, mais bon, 25 000 déjà. 25 000, dernière fois, dernière chance. On est juge. Laura, 25 000, merci Laura. Jean-Claude Rouget. De nouveau Jean-Claude Rouget, voilà. Toute la business. Le numéro 21 est présenté par The Channel Consignment. Un poulain B. Voilà, Jean-Claude Rouget qui va signer son troisième bulletin de la journée. On va attendre un petit peu avant d'aller le voir, hein, pour faire le bilan avec lui. Dans la famille. Parce qu'il n'a sûrement pas fini de faire son marché. Sœur Zafora vient de se placer. Donc on va reprendre le catalogue normal, chers amis. Zafora. Et je vous dis que nous allons parler du numéro 21 qui est un fils de Dark Angel. Ah, il est tic à l'ours. Donc, ces chevaux-là, vous avez pu les voir sur France Cire, puisque nous sommes allés les filmer
chez Alban Chevalier du Faux. Ils ont été présentés au pas. Le père de Little Force, la paix. Et vous pouvez encore, bien entendu, revoir les canters qui ont été filmés ce matin. Vous cliquez sur le nom du cheval, parce que vous, si vous, ça vous amuse d'aller voir le canter là maintenant, là tout de suite, là, du 42, vous pouvez le faire. Vous allez cliquer sur le 42 et puis le canter du 42. Une souche de l'Agacan, puisque Zalaïka, la grand-mère, a gagné la poule d'essai des pouliches. Montée par Gérald Mossé. Samir gauche enchaîne, Samir 7000 Laura, à 7000 le sommet dans 7000 par Laura, l'enchaîne maintenant, 7000, 10000, 10000 Laetitia, à 10000 le sommet dans 10000, à 10000 le frère de 4 frères d'accord aussi, 10000, 12, 12, 15, 15000 enchaîne, à 15000, 15000 le sommet dans 15000 Laura, à 15000, 15000, excellent chute de petit étoile, 15, 17, 17 Zalakaya, à 17000, 17000 enchaîne, Rimagouri aussi. Voilà Dark Angel, donc le prototype même du sprinter, de l'école du sprinter anglais. Gagnant des Middle Park Stakes à 2 ans, père de Lethal Force qui a gagné la July Cup et les Golden Jubilee, de la vitesse, de la précocité. Ça, c'est vraiment l'école des deux Anglais. Alors, tandis que la mère, elle est Parnachouane, lui, ultra classique. Le dernier vainqueur de la triple couronne anglaise, c'est-à-dire les 2000 Guinées, puis le Derby d'Epsom, puis le Saint-Léger. Donc, passant de 1600 mètres. Jusqu'à 2920 mètres en passant par les 2400 mètres du derby. 27, 28 000 mal. Donc malgré le fait que ce cheval tic à l'ours a été annoncé, les enchères montent bien. C'est vrai que la mère, elle a bien produit. Hein. Certes, pas de black tie pour l'instant, mais 5 premiers en âge de courir, dont celui-ci, puisqu'il a 2 ans. 4 vainqueurs. Donc à sans faute pour l'instant pour la mère. À droite ici à 28, à 28, personne que l'on cherche. À 28, on peut la juger à 28 000. Un tubo poulain ici à 28, c'est bien vu. Sur le père de Eddie Carr qui court dans le 2000 Guinness le week-end prochain à Newmarket. Père aussi de Little Force à 28 000 sommes, c'est bien vu. Par la relancher maintenant à 28, dernière fois, dernière chance là à 28 000. Laura, merci beaucoup. 28 000, on vient d'être jugé à 28 000, le lot numéro 21. Est absente du catalogue, le 23. Est présenté par le Haras de Saint-Arnoult, Diane d'Amour, Pouliche. Alors, pas de 22, donc on va passer directement au numéro 23. Une fille de Siouni qui s'appelle Diane d'Amour. Elle est présentée par le Haras de Saint-Arnoult. Alors, la mère est par Monson. On l'a vu, cette Pouliche faire un super boulot ce matin. Et elle est assez typée du grand-père, en fait, Monson. Vous allez la voir quand elle va arriver. Moi, j'ai beaucoup aimé cette Pouliche. Une souche allemande, celle d'Aviso, Avoquette. Noter aussi Monsoon sur la famille. Regardez, physiquement, elle est très quand même typée par Monsoon. Elle a beaucoup d'amplitude. C'est pas un petit taureau, hein. C'est de l'élevage allemand, c'est du Monsoon. Bonne taille, ouais, voilà, c'est ça, bonne taille. Toutes belles origines, Science Scope, elle walks on to, come on, give me one for a start. On débute à 20 000, qui a 20 000, 20 000, 3 000, 3 000, allons-y, 20 000, 10 000, 3 000, venu, à 3 000, vous débutez bas, 3 000, allons-y, les enchères, à 3 000, la fille de Sayuni, à 3 000, 3 000 euros maintenant, à 3 000, 3 000, regardez bien là-dessus, je m'interneille ici, à 3 000, la sœur, de vainqueur, 3 000, le sommet, je vais donc à 4 000, 4 000, 4 000, enchères, à 4 000, le sommet, donc à 4 000, la sœur de King Sox, à 4 000, à 4 000, 5 000, 5 000, enchères là-haut, à 5 000, enchères là-bas ou pas, monsieur? Oui, 5000 en chemin dans 5000 Laetitia. Oui, j'ai eu aussi. À 5000 le sommet dans 5000, à 5000, à 5000 le sommet. Donc, Siouni, je vous rappelle, c'est le père d'Hervédia hein, qui a gagné le prix Imprudence préparatoire au Guinée ou à la poule. À 7000, 7000 en chemin dans 7000, à 7000 le sommet, à 7000 Monsoon, Monsoon sur la famille Améret, 8000 en chemin dans 8000, à 8000 à Raslo aussi, à 8000, à 8000 par Laetitia en chemin dans 8000, à 8000, à 8000 pour vous là, à 8000, n'arrêtez pas s'il vous plaît, à 8000, à 8000, 9000, leur fille maintenant, 9000, 9000 qui m'appelle Manuel, votre en chemin maintenant, 9000, à 9000, à 10000 en chemin maintenant, 10000 par Sivin, à 10000, 10000, 10000 en chemin maintenant, 10000. 10 000, 12 000, 12 000, on parle de Siouni ici à 12 000, à 12 000, à 12 000, on cherche 14 000. Volume. C'est vrai que Siouni avec une mère par Monsoon à 12, 14 000, ça reste un tarif tout à fait abordable. À 12 000, on cherche à droite à 12 000, à 12 000, le vendre toujours pas d'erreur ici à 12 000, 13 000, à 13 000, le somme, à 13 000, 13 000, d'une fille de Monsoon ici à 13 000, à 13 000, 14 000, 14 000, 14, 14, 14, 14, et plus vous lancez d'un 14 000, à 14 000, allons-y, à 14 000, on cherche à droite et 15, 15, 15 000, on cherche à 15 000, le somme, à 15 000, en Paris ici à 15 000, à 15 000, à Mérosic, 16 000, on cherche à 16, 17, 17 000, on cherche maintenant 10, on se relève, merci Laura, à 17 000, on cherche maintenant 17 000, à 17 000,
000, 17 000, puis voilà 20 000, 20 000, je suis maintenant en 20 000. Ah, 20 000, nous sommes maintenant en 20 000, nous voulons encore maintenant en 20 000. Ah, 20 000, vous voulez pas mettre deux mains de là ou là. Ah, 20 000, nous sommes pas maintenant, nous sommes maintenant en 20 000, nous sommes ici à 20 000. Toute belle suche maternelle ici à 20 000, vous voulez pas mettre deux, 22, 22 l'enchère. Ah, 22 l'enchère maintenant en 22, 22, 22 l'enchère maintenant en 22. Ah, 22, 23, vous voulez 23, 23 et 5, vous voulez encore maintenant en 23 000. Ah, 23, vous voulez pas mettre 5, monsieur. Ah, 23, 25, 25 l'enchère maintenant. Oui, l'enchère. L'enchère, 25, oui, l'enchère, 25 000. Ah, hôtel, fin de l'enchère ici, à 25, 25, l'enchère maintenant, 25, 7, venez encore maintenant. À 25, 27, 27, arrondissez, s'il vous plaît. À 27 000, 27, 30 000, 30 000 euros. À 30 000, à 30 000, nous sommes. Toute belle suge maternelle, 30 000, d'une fille de Mansoul. À 30 000, 30 000, 32, 32, l'enchère maintenant, 32. À 32, 32, la famille classique d'Amérette ici, à 30 000. À 32, 32, l'enchère maintenant, 32. À 35, venez encore maintenant, 35, 35, 35, 7, venez encore. À 35. Voilà, le pédigré. Et la façon de galoper de cette petite fille de Monsoon ne ment pas. Parce que nous en sommes déjà à 35 000 euros. À 35 000, l'enchaîne droite ici, à 35, c'est bien vu. À 30, on va juger alors. À 35 000, c'est bien vu. Pas de regret, nous parle. À 35 000, 37, 37. À 37, 37, vous ne pouvez pas mettre 40, monsieur, pour l'avoir. À 37, 37, 40 pour l'avoir. À 37, 40 000, 40 000, 40 000, l'enchaîne. À 40 000, nous sommes dans 40 000. Optez du catalogue. Et bien, sœur d'un Viker aussi, à 40 000. À 40 000, 40 000, 40 000, l'enchaîne maintenant. À 40 000, l'enchaîne à droite. À 40 000, qui prend le relais maintenant. À 40 000. À 40, 42, 42, l'enchaîne maintenant. À 42 000, et plus vous là, monsieur. À 42 000, vous avez failli l'avoir. À 42 000, à 42, 42, 5, voulez-vous encore maintenant à 42. L'heure, c'est quand vous là, maintenant, non, non, 42. À 42, pas Manu Lanchet maintenant à 42, plus vous là, monsieur. Oui, 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 ça monte, 42. C'est pas fini en plus. 43 000. C'est parti doucement, puis voyez-vous, nous en sommes à 43 000, c'est-à-dire le deuxième top price de la journée. Top price, c'est pour le numéro 15 à 52 000 euros. Encore une, monsieur. À 40, arrêtez-moi. 45, 45 000 enchères. À 45 000. Et c'est pas fini loin de là. J'arrive pas à voir en fait qui met des enchères. Peut-être Nicolas de Balanda qui s'est déplacé. Il a acheté un cheval à 40 000 euros tout à l'heure. Et là, il a complètement changé de côté par rapport aux tribunes. 46 000, nous vendons toujours pas de rire ici à 46 000. À 47, vous nous vendons comme dans l'aura. À 46 000, attendez pas que le marteau tombe, s'il vous plaît. À 46 000, c'est bien vu. Contre vous, la l'aura. À 40 000. Ah, contre. Est-ce qu'il va en avoir une enche 47 000 enchères maintenant, 47, 47, 47, arrondissez s'il vous plaît, 47 000. C'est reparti. 47, vous voulez encore maintenant, 47, 8, 48, 48, lentement, mais sûrement, à 48, merci, à 48 000, 40 000, 50, vous voulez encore maintenant, 50 000. Attention les yeux, on avait un top price, le numéro 15, à 52 000 euros, et là on est à deux doigts de la rattraper, peut-être de l'atteindre, et pourquoi pas de le dépasser. Siyuni, la mère par Monsoon. 50 000, l'enchère droite ici à 50 000, c'est bien vu, on va juger à 50 000. Attention, le marteau va tomber. On le juge. Laura, votre enchère, 50 000, merci Laura. Merci Laura, bravo. Et ce n'était pas Nicolas de Balanda, c'était Marc-Antoine Bergracht qui est ici. 25. MAB, merci beaucoup. Que vous voyez, Marc-Antoine Bergracht, donc MAB. Agency qui vient de se faire adjuger à 50 000 euros selon numéro 23 avec un vrai pédigré pour l'élevage et qui est rejoint actuellement par merci monsieur qui est rejoint par Larry Sacknep bien sûr du Haras de Saint-Arnoult qui présentait la Diane d'Amour le numéro 23 voilà Larry Sacknep qui est ici Mr. Prospector c'est lui là. Le fils Panis, donc c'est un petit-fils Mizouaki, qui déjà frère de placer deux fois, laissé placer deux fois à deux ans, à Grosse-Suche, sa famille Hale Maggi, dont c'est l'excellente famille Triomphe-Triptique. Alors maintenant, un fils de King Salsa, présenté par l'écurie de la Rideau d'hier, c'est-à-dire David Lumet, qui va nous proposer le 17 juin la troisième édition de sa présentation vente sur les obstacles. On en parlera un petit peu plus tard. Le catalogue est bientôt prêt, dans une dizaine de jours. Il sera publié sur Internet, sur France Cire, bien sûr. Après, on aura les photos,
des chevaux. Après, on aura les vidéos au canter. Et puis après, le jour même, eh bien, alors, il y aura les passages sur les obstacles. Donc présenté par David Lumet pour Bloodstock Agency. C'est-à-dire, si je ne m'abuse, Melchior François Matet. Mais peut-être que je m'abuse. Vous attendez là, vous attendez là, Laura, à 7000 euros maintenant, à 7000, à 7000 euros, vous n'entendez plus là, Laura, à 7000 euros maintenant, l'enchaîne maintenant, à 7000 à gauche, l'enchaîne ici, à 7000, attendez pas que le marteau tombe, s'il vous plaît, à 7000, le marteau se lève, à 7000, on va juger alors, à 7000 euros par Sylvain Lanchet, à 7000, dernière fois, dernière chance, là, à 7000. Sylvain, on le juge, 7000 euros, merci Sylvain. Voilà, 7000 euros, on va passer au numéro 25, Adieu Claire. Le 26, pardon. Le 23 janvier, c'est un fils d'excellente art et aspire. Présenté par le Channel The Channel Consignment, bon choix du faux, Jamie Relton, un fils d'excellente art. Vous avez Blazy Speed qui était troisième de groupe 1 à Hong Kong, mais en fait, la week-end passé, il est vainqueur de groupe 1 QE2 à Hong Kong. So Blazy Speed dans le catalogue Arnaud, il faut noter dans le catalogue. Merci. Eh oui, effectivement, il connaît bien Hong Kong, John O'Kelly, je disais tout à l'heure que... Il présentait les ventes de Hong Kong. Et ce qu'il faut constater dans ce pédigré, si vous regardez la page du lot numéro 26, sous la troisième aire, nous avons Johan Cruyff qui a gagné de grandes courses à Hong Kong, notamment le Hong Kong Derby, mais aussi et tout récemment Blazing Speed, qui était déjà un champion sur place et qui vient de remporter un groupe 1 international, la Queen Elizabeth II Cup, dimanche dernier sur l'hippodrome de Châtin à Hong Kong. Voici pour le... L'update important concernant ce numéro 26, dont la mère Aspire est une fille d'Autorize. C'est le premier produit de Aspire. Donc une fille d'Autorize, Aspire pardon, qui est la sœur de Kitty Kiernan, placé de groupe. Voilà, donc le petit neveu de Blazing Speed qui vient de gagner le QE2 Cup à Hong Kong. Groupe 1. Alors, au groupe 1, parce que c'est une épreuve internationale, une épreuve ouverte. Les autres grandes épreuves de Hong Kong qui sont fermées, comme la Steward Shatter Cup, enfin bon, quelques épreuves comme ça, sont des listed, car ce sont des épreuves fermées. Et on rappelle qu'on peut atteindre le niveau des groupes seulement et uniquement lorsque les épreuves sont ouvertes à tous les chevaux étrangers et non pas fermées seulement aux chevaux entraînés ou alors nés élevés sur place. Dans ces cas-là, les courses, les meilleures épreuves locales, on peut les appeler comme ça, sont dotées du label Listed. Mais pas groupe. C'est bien vu, on va juger à 12 000 euros, rien à gauche, rien à droite, l'enchère en face, par Laetitia, à 12 000 dernière fois, dernière chance, à 12 000. On les juge. Laetitia, merci beaucoup. Laetitia, 12 000 euros. Allez, le 27. Présentée par le haras de Bernès, le numéro 27, qui est une pouliche grise. Elle est née le 15 avril par Silver Frost et Be Yourself. Be Yourself est une fille de marchand de sable. Update du catalogue, c'est les sœurs de Van Gogh. Van Gogh est 2 victoires et placé à fond de bleu et aussi à Longchamp. Famille de Deauville Vision, c'est le Al-Africain, c'est Van Primula, c'est Colorico. Donc une bonne famille, une bonne suite française. Elle est proche sœur de Dupontal par Black Tune, qui est aussi même par... Donc le 27 que je vais vous présenter le temps qu'il arrive, c'est une femelle de Silver Frost présentée par le haras de Bernesque. Be Yourself par Marchand de Sable, qui a fait une grande carrière d'étalon au haras de Bernesque. Étalon qui... en fait, il n'a jamais été très commercial parce qu'il ne faisait pas des superbes modèles. Par contre, un étalon extrêmement, extrêmement efficace. La souche de Salut l'Africain de Deauville Vision, Top Sunrise, une vieille souche française dans la famille maternelle de cette fille de Silver Frost qui n'est pas encore nommée, mais dont la mère a déjà donné du Pontal, deuxième du prix du Conseil de Paris groupe 2. 5000 enchères, 5000 enchères, Laura. À 5000, nous sommes maintenant, 5000, 6000 enchères. À 6000, nous sommes. À 6000, Laura, c'est plus vous là maintenant, 6000, 7, voulez-vous ?
Donc très typé du père, hein, Silver Frost. Quand voilà, à 7000 euros maintenant, à 7000, ça veut dire 8000 chez Laetitia, 8000 chez maintenant, 8000, à 8000 c'est maintenant, 8000, la sœur de Von Gang, 8000, 9000, 9000 chez maintenant, 9000, arrondissez s'il vous plaît, là où Laetitia, à 9000 euros chez la droite, à 9000, à 9000, à 9000, 10000 en chez, à 10000, Von Gang qui était placé à Fontainebleau et aussi à Longchamp, 10000, 11000, 11000 chez maintenant, 11000, à 11000 nous sommes, à 11000 Laetitia, plus voilà, 11000, 12000, 12000 ainsi là-bas, à 12000 au téléphone là, maintenant à 12000, à 12000, 12000 la famille, 12, 13, 13 000, on chemin dans 16 000, 14 000, 14 000, 14 000, salut l'Africain ici, 14 000, à gauche on chemin dans 4, 15, 15, 15 000 en chair, à 15 000, Deauville Vision aussi à 15 000, à 15 000, à 15 000, par la route on chemin dans 15 000, à 15 000, Laetitia, si vous en plus, 16 000 en chair, à 16 000, 16 000 en chair, à gauche ici à 16, 17, 17 000, à 17 000, 17 000 en chair, à 10, la dernière pouliche du Silver Froston Catalogue, à 17 000, 17 000, 17 000, 18, 18, 18, arrondissez s'il vous plaît, 20 000 en face, à 20 000, Laetitia, l'enchère maintenant, 22, 22 l'enchère, à 22 000, à 22, 22 l'enchère, quand vous la Laetitia, à 22, par là, toujours l'enchère maintenant, 22 000, à 22, 22, notre proche sœur de Dupontal, ici, 22, à 22 l'enchère, 22, 22 l'enchère, Dupontal, placé groupe 2, 5, 25, 25 l'enchère, à 25 000, 25, 27, 27 l'enchère maintenant, 27 000, à 27 000, à 27, la même croisement de Dupontal, à 27, 27, oui, le même croisement en effet, car Dupontal, le frère de cette pouliche, était une fille de Blackdown, Blackdown qui a fait la monte très peu parce qu'il est mort rapidement. Et Blackdown, c'était le premier fils étalon de Verglas. Et Silver Frost est le père de la pouliche, est lui-même un fils de Verglas. Oh, j'aperçois Gérard Rivaz. Gérard Rivaz, le fameux top jockey du Maroc, ancien crack jockey français qui monte toujours. Alors, il ne veut pas dire son âge, mais il en a plus de 60 largement. Il a encore gagné le 3 courses le week-end dernier à Rabat. Il est venu à sa maison du Cap Ferret. À 37, 37, 37, et il en a profité pour aller faire un petit tour aux ventes. Merci pour votre aide, les sœurs déjà. Allez, la Silver Frost, dans la valeur commerciale, littéralement repartie à la hausse depuis quelques semaines, depuis notamment le succès de Silver Wave. À 37 000, par les juges. 37 000, merci Sylvain. 37 000, Sylvain. Le numéro 28 est présenté par Yann Kreff. Le poulain appartient à l'écurie Mirabel. Il se nomme Stormy King. Il est gris, né le 25 avril, fils de Stormy River et Beska Nueva par les autos. Notez que ce poulain est 30%. Je n'ai pas réussi à avoir la boîte. Le seul là-bas. Stormy River dans le catalogue, le père de Léoparty, remise de la tour. Mr. Gotham, Sormira, la bonne pouliche gagnante hier pour Henri Alex Ponta. Derrière la rambarde, effectivement, caché, donc ça je peux pas savoir. Bon. Le 28 Stormy King, Stormy River, on va encore parler de Verglas. Parce que si Silver Frost est un fils de Verglas en tant qu'étalon, c'est aussi le cas, chers amis, de Stormy River, le père de ce Stormy King issu d'une souche Roo. Celle des B présentée par Yann Kreff pour le compte de l'écurie Birabin. À 3000, 4000, 4000, 4000 enchères, à 4000, 5000, 5000 enchères maintenant, 5000, à 5000, 5000, les petites enchères ici, 5000, à 5000, gauche, enchères maintenant, 5000. Voilà, maintenant, je vous disais tout à l'heure qu'on avait un petit bug technique, tout est résolu, hein, donc tout est reparti, vous avez les prix, profitez-en, vous avez les présentations des chevaux en amont, en aval, les prix, les acheteurs ou les non-acheteurs, si les chevaux ont été rachetés ou retirés. Voilà, tout est désormais au point, chers amis. Donc le 28 Stormy King. Joli poulain de Stormy River. La mère Beska Nueva, ça c'était une fameuse jument de course. 4 victoires, elle a fait 5 vainqueurs. Dont Zarly, un des rares fils talentueux de Farley Ransom, qui a gagné 5 courses. À 9 000, remettez-en la larve, s'il vous plaît. À 9 000 à gauche en chair, 10 000 en chair, bravo, à 10 000 nous sommes, à 10 000 en chair maintenant, à 10 000, à 10 000, 10 000 le petit-fils Verglas ici, à 10 000, à 10 000 en chair, droite en chair maintenant, à 10 000, à 10 000 rien à gauche en face, à 10 000 rien en face ici, à 10 000, quand vous la Laetitia aussi, à 10 000, et à la Sylvain Guy, à 10 000 à gauche en
sur les droites l'enchère à 10 000. Par le bar, la roule toujours à 10 000. On va dire 11 000. À 11 000. Une dame de nombre vainqueur à 11 000. À 11 000. L'enchère maintenant 11 000. À 11 000. Une petite fille de Lif à 11 000. À 11 000. Quand vous voulez la Laura à 11 000. Voilà, il y a presque à 11 000. D'où voulez-vous? À 11 000, c'est sûr. Donc Jean Birabin qui vendait par l'intermédiaire de Yann Kreff, enfin, qui est en train de vendre ce poulain, je ne sais pas s'il le défend, j'arrive plus à le voir. Il a changé de place par rapport à tout à l'heure. À 12 000, c'est bien vu. À 12 000, à droite, l'enchère, fini là, on va juger à 12 000 euros. On le juge. Laura, merci beaucoup, 12 000. Le numéro 29 est présenté par le Hara du Sauboise, Blessed Silence, Pulish Alzane, né le 21 février. Il s'agit d'une fille de... Monsieur Charles Gourdin, qui a acheté à 12 000 euros le lot précédent. Pulish ravissante ici, inbred de Dunhill, la sœur d'une place et trois fois deux ans, Blue Orchestra. Donc les sœurs déjà de placer à deux, enfin deux fois à deux ans et une place supplémentaire cette année à trois ans ou quatre ans en fait. Famille précoce, la mère est gagnante et placée classée à deux ans. La grand-mère est gagnante de 200 mètres. Alors le 29, on va retrouver Siouni présenté par le rat du Sauboise. On va retrouver Siouni en tant que père donc de ce Blessed Silence. La mère s'appelle Blanc sur Blanc. Action fluide, a fait un très bon travail. Par All That Tiger, sœur de Light of the Fire, fils de Invincible Spirit qui a gagné l'Easton à Sundown en Angleterre. Une pouliche impulsive, comme vous pouvez le constater, qui a fait un bon canter ce matin. Né le 21 février, on imagine qu'il s'agit d'une pouliche précoce. Son père de mère, All That Tiger, avait gagné le prix Jean-Luc Lagardère. À 10 000. Et puis Bassiouni, évidemment, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Elle est inbred de Dainhill ici à 10 000. À 10 000, ce matin, à 10 000 sur l'enchère. À 10 000, 12 000, 12 000 euros maintenant, à 12 000. Allez-y, Jimmy, à 18 000, 15 000, 15 000. Enchère maintenant, 15 000, 16 17 17 000. Enchère maintenant, à 17 000. À 17 000, 20 000, 20 000 euros maintenant, à 20 000. À 20 000, né, élevé en France, 22 000, 22 000. Enchère maintenant, 22 000. C'est Laura, la délicieuse, elle est jolie, hein, Laura, qui a les enchères là. Les deux enchérisseurs sont en face d'elle. Donc elle monte à droite, elle monte à gauche. À 27 000, vous voulez pas 30, à 27, 27, arrondissez s'il vous plaît, à 27 000, à 27 000, regardez comme elle est née, à 27 000, d'une famille précoce ici, à 27, à 27 000, à 27 000, 30 000, 30 000, non, à 30 000, nous sommes à 30 000, vous êtes à 30 000, enchaîne maintenant, 30 000, à 30 000, your colors are his, you know, à 30 000, nous sommes maintenant, 30 000, à 30, la sœur de place est 3 fois, 32, 32, l'enchaîne, à 32 000, à 32 000, qu'est-ce qu'elle est ravissante cette pouliche-là, à 32 000, à 30 000, la fille de Sayuni, à 32 000, à 32 000, Inbred de Dainhill, à 32 5, 35 à gauche, à 35, 35. C'est reparti chez Sylvain Augui, de l'autre côté des tribunes, à 35 000 euros. Lucky sale for some, you know. À 35 000, c'est maintenant. Lucky sale for some. À 35 000, enchaîne à gauche ici, à 35. Think you should go one more. À 35, 6 sur les volumes maintenant. 36, if you like. À 35 000, enchaîne maintenant. 35, à 35, à 35 000, c'est ça. À 35, toute belle pouliche ici, à 35 000. One of the nicest in the sale, dare I suggest. If the lady likes it, sir, perhaps she should go one more. At 35 000, c'est 35. Yes, at 35, you're very welcome here as well, madam. At 35 000, c'est maintenant 35 000. What about the advertising, man? At 35 000, come on, dig a little deeper, gentlemen. At 35 000, the good ones are getting harder to buy. At 35 000, roule en chair à gauche ici, à 35. Il harangue la foule en anglais, notre ami John Kelly. Donc, on imagine aisément que les acheteurs, les enchérisseurs en tout cas, pour l'instant, pratique la langue de Shakespeare. À 36 000, rien à gauche là. À 36, à 36, 20, Guy, c'est contre vous là. À 36 000, nous sommes dans 36, c'est bien vu. À 36 000, go on, you're nearly hundred, gentlemen. Just try one more. À 36 000, nous sommes dans 36. Buyer or regret it? À 36 000, buyer or regret it? Il est marrant ça. Il faut l'acheter ou on la regrette. À 36 000, dernière fois, dernière chance, la tisse à votre enchère. I really wish you would try one more. À 36 000, dernière fois, dernière chance, là. Il insiste, John. Et pourtant, il n'arrivera pas à décrocher une enchère supplémentaire. On a le juge. Laetitia, merci beaucoup. 36 000. Et je me demande si ce n'est pas Noël Forgeard. Une pouliche B, née le 20 mai, fille de Nakus et Chavia. À 36 000 euros. Aussi des j'aperçois Jean-Marie Béguigny avec un blouson jaune. Ah non, c'est Paul Nataf, juste en dessous de lui, mais j'ai l'impression qu'ils sont ensemble. Hein. Paul Nataf
avec la doudoune noire qui est en train de signer le bulletin. Une petite fille de Chris. Elle fait un bon canteur. Elle est jeune, mesdames et messieurs. Elle est jeune. Elle a une très bonne souche. C'est déjà de deux jours de Black Type. Donc, famille excellente, famille drama. Comme on dit ici, 10 000, voulez-vous qu'il y a 10 000, donnez-moi 10 000 pour le DVD, allons-y, 10 000, 10 000, 5 000. Voilà, bah c'est bien ça. Hein. Il y a M. Forgeard qui est derrière. Et Jean-Marie Béguigné qui est juste à son côté. Donc, il sera probablement l'entraîneur de cette pouliche. On rappelle que Paul Nataf a déjà acheté quelques avions pour Jean-Marie Béguigné. Latis et Loman, les frères et sœurs qui avaient gagné chacun le Jockey Club et le... Latis et Diane et Loman le Jockey Club. Oui, l'enchère ou pas ? Oui ? Samy, bravo, à 5 000, nous sommes maintenant... Trou de Jean Prat, j'ai un trou de mémoire, je ne sais plus. Bon, peu importe, des champions. À 5 000, l'enchaîne maintenant, vous avez mis qu'une seule là. À 5 000, n'arrêtez pas, si vous... Donc le 30, pas se laisser emporter, restez concentrés. Un supplément au catalogue présenté par le Haras du Chêne qui a vendu tout à l'heure un lot à 40 000 euros à Jean-Claude Rouget, une fille de Nakous. Et Chavia, la mère de Swedy Shave, qu'on a bien connu, Swedy Shave, 11 victoires de 2 à 7 ans, très bon cheval de course. Plus vous là, à 6 000, petite enchère là, à 6 000 à gauche enchère, pas Sylvain, à 6 000 c'est bien vu, dernier tour de l'horizon, à 6 000, 7 000 maintenant, à 7 000, à 7 000 enchère maintenant, à 7 000, la fille de Nakous ici, à 7 000, 7 000, 8 000 enchère maintenant, 8 000, à 8 000, c'est maintenant, 8 000, à 8 000, n'arrêtez pas s'il vous plaît, à 8 000, bye bye Bernie, à 8 000 enchère maintenant, 8 000, à 8 000, c'est maintenant, 8 000, 9 000 euros maintenant, 9 000, à 9 000, à 9 000, la frère de la sœur, 10 000 enchère maintenant, à 10 000, la sœur de 7 vainqueurs, de nombre vainqueurs, à 10 000 enchère maintenant, à 10 000, à 10 000, à 10 000, c'est maintenant, à 10 000, qui prend le relais. Le relais maintenant à 10 000, à 10 000, Latis est contre vous là, l'enchaîne à gauche à Sylvain, à 10 000, 11, voulez-vous encore maintenant à 10 000, à 10 000, c'est bien vu, à 10 000, on peut les juger, à 10 000, l'enchaîne à gauche, à 10 000, fini là, fini à droite, à 10 000, par Sylvain, l'enchaîne à 10 000, on les juge. Sylvain, merci beaucoup, 10 000. Bonjour Antoine. Bonjour. Le numéro 31. Antoine Groffier qui vient de prendre la place de John O'Kelly. Par l'écurie et qui va attaquer avec le numéro 32. Il est né le 9 mars, un fils de Mutatir. Je ne sais pas qui a acheté à 10 000 ce lot, je n'arrive pas. Parce que c'est un papier de poulinière, hein, Nakous, sœur de... Mais c'est surtout que le fait qu'elle soit sœur de Swedy Shave. C'est seulement le premier produit de la mer ici qui arrive devant vous. C'est... Tout mon papier ici. Arnaud Bédoué, voilà. Arnaud Bédoué qui a acheté le lot précédent. Écurie des Noé. 10 000 qui débute, 10 000 euros. À 10 000 euros qui débute, 8 000 euros qui démarre les enchères de 8 000 euros, 8, 5 pour aller vite. À 5 000 euros en Chipoulin, 5 G en face, Guy, bien vu, 5 000 euros maintenant. À 5 000 euros, 8, 6 poulains. Je crois que vous avez vu Bertrand le Métayer, BLM Bloodstock, qui travaille pour Tattersalls et donc qui fait le lien entre Osarus et Tattersalls. Parce que Tattersalls a massivement investi dans Osarus il y a 2 ans. Où en étions-nous ? Michael Aubry, le patron de l'écurie d'Esque, qui nous présente lui-même avec sa belle, son beau casque gris. Le numéro 30 de la fille de Mutatir et Côte d'Armor. Pouliche bien précoce, elle appartient à Samuel Blanchard. Pouliche bien précoce, cette Côte d'Armor qui, sous l'entraînement d'Henri Alex Pantal, a gagné à Nantes, a gagné au Lyon d'Angers. Et deuxième du prix des Sablonnais. C'est la souche de Smadoun. Ça, c'est des souches solides, des vieilles souches françaises. À 20 000 euros, sommaire Black Tie. Ils font des gagnants, beaucoup de gagnants à toutes les générations et des Black Tie. À 20 000 euros l'enchère pour vous, Emmanuel. 20 000. Voilà, Mutatir, un cheval que tous les entraîneurs aiment beaucoup. Ah, tiens, on voit Jean-Claude Rouget qui est revenu s'asseoir à sa place. Tiens. À 22 000 euros, regardez comme il se présente. À 22 000 euros, on y revient à 25 000. À 25 000 euros l'enchère, c'est pour vous. À 25 000 euros, l'aura à votre enchère. À 25 000 euros, maintenant, qui veut le vivre 28, j'ai maintenant Emmanuel. À 28 000 euros. À 28 000 euros, 30, on y est. À 30 000, maintenant 30 000, qui veut le 32. À 30 000 euros, l'aura à votre enchère, 32. À 30 000 euros. À 30 000 euros, votre enchère, l'aura à 30 000. À 30 000 euros, l'enchère, 30 000, l'aura, c'est votre enchère. À 30 000 euros, le fils de Mutatir, un vrai bon marcheur, tonique, 32. 32 000 euros seulement. À 33, on y est.
33 000. À 33 000 euros, 33 000 euros Emmanuel, votre enchère, 33 000. À 33 000 euros, Chic Poulain Tonique. À 33 000 euros. À 33 000 euros, c'est bien vu. À 33 000 euros, le marteau peut se lever alors. À 34, on n'est rien. À 34 000, pour aller à 35. À 34 000 euros, à votre enchère, 34 000. À 35, on y est maintenant. 35 000, allez-y, 40 si vous voulez. À 35 000 euros. À 35 000 euros, à votre enchère, pour vous, contre vous, 35 000. À 35 000 euros. À 35 000 euros maintenant, allez-y, 38. 38 à 38 000 euros. À 38 000 euros, Laura, votre enchère pour vous. À 38 000 euros, c'est bien eu le fils de Mutatir, Mère Black. 38 000 euros. À 38 000 euros, le marteau peut se lever, Laura, alors une dernière fois. À 38 000 euros, c'est bien vu dans la salle, ni en face, ni à gauche, tout pour vous, Laura. À 38 000 euros, le fils de Mutatir. À 38 000 euros, c'est bien vu. À 38 000 euros, le marteau peut se lever. 40 000. 39 000. 39 000 au téléphone. À 30, 40, on y revient maintenant. 40 000. À 40 000 euros, on y est, Laura, le 40 000. À 40 000 euros, votre enchère, le fils de Mutatir, 40 000, Laura. À 40 000 euros, terminé au fond au téléphone. À 40 000 euros, Laura, votre enchère. À 40 000 euros, c'est bien vous. À 40 000 euros, on a le juge, Laura, votre enchère, 40 000, merci. Monsieur Jean-Claude Rouget, merci beaucoup. Le numéro 40 000 euros. Ça se vend, hein, ça se vend. Ah oui, 40 000 euros, dis-donc. Oui, c'est le soleil de la teste. Et ben oui, le propriétaire, il en voulait 15 000. Il repart avec 40 000 euros. Alors du coup, je n'ai pas vu qu'il a acheté. Je n'ai pas vu qu'il l'a acheté. Du coup, je demandais au vendeur, Samuel, qui est... D'Arcara, d'Argine, hein, tout mon pédigré ici. Pour... Ah ben oui, je suis passé devant. C'est Jean-Claude Rouget, effectivement, qui... achète le poulain de Mutatir et Côte d'Armor. Kingbest qui est le père de Milagro. Crécalor. Workforce ici. À combien débute-t-on? Allez-y. 5, 5 qui démarre. 5 000 euros. La fille de Kingbest. Le 33. À 5 000 qui débute les enchères de 5 000 euros. Allez-y. 5 000 euros qui m'appelle. 5 000. À 5 000 euros. Chic Police ici. 5 000. 3, 3 qui débute. 3. À 3 000 euros. 3, 3 000 euros. À 3 000 euros qui débute la fille de Kingbest. 3 000 euros. À 3 000 euros. 1 000. 1 000 pour débuter. 1 000. 1 000 qui démarre les enchères de 1 000. 1 000 euros. Donc Arnaud Bédot avec le numéro 33. Une fille de Kingbest d'Arina par Refuse to Bend. Une souche Gacan puisque c'est la famille de Dargina. Pour moi. À 4 000 euros, Yegui, pour vous, contre vous, 4, 5 maintenant. 5 000 euros. À 5 000 euros, bien vu, 5 000 euros, 6, on y est maintenant, 5, 6 000 euros. À 6 000 euros. À 6 000 euros, Yegui, je vous en prie, j'ai 6 000 euros à droite avec Laura. À 7 000. 7 000 maintenant, la petite fille de King, de la fille de. 8 000, 8 000 euros. La fille de King Best, 8 000 maintenant, 8 000 euros, 9, si vous voulez 9 000, j'ai maintenant 9 000 euros, 10, si vous voulez 10 000, 10 000 euros, qui m'appelle 10 000 euros, qui je vous entends plus, j'ai 9 000 avec Laura, 10 000 maintenant, à 10 000 euros, à 10 000 maintenant, 12, si vous voulez 11 000, 11 000, à 11 000 euros maintenant, 11 000, si vous voulez 12, 12, qui m'appelle à 12 000, Laura, allez-y, j'ai 11 000, à 11 000 euros, qui voulez 12, 12, si vous voulez 12 000, à 11 000 euros pour vous, contre vous, Laura, bien vu, à 11 000 euros, l'enchère est là, Laura, à 11 000 euros, 12, on y est maintenant, 12 000, 12 000, à 12 000 euros, la mère est gagnante, à 12 000, à 12, 13, on y est maintenant, 13 000, 13 000, famille d'Archie. À 13 000, à 13 000 euros, à 13 000 euros, maintenant 14, si vous voulez 14 000, si vous voulez la fille de King Best, 14, si vous voulez, j'ai 13, à 13 000 euros, Laura, 13, 14, on y revient maintenant, à 14 000, à 14 000, 14 000, à 14 000, Laura, votre enchère, 14 000, à 14 000 euros, maintenant, si vous voulez 15 000, 15 000, à 14 000 euros, l'enchère, tout à droite, Laura, pour vous, à 14 000 euros, pour vous, contre vous, si vous voulez 15, essayez un pas, à 14 000 euros, l'enchère est là, à 14 000 euros, le marteau peut se lever, alors c'est bien vu, à 14 000 euros, pas d'erreur, la fille de King Best, à 14 000 euros, avec une mère gagnante, à 14 000 euros, pas de regret dans la salle, à 14 000 euros, on la juge. Laura, 14 000, merci. Le numéro 34 ne va pas tarder, appartenant à Bernard Wettelingen, type bain d'argent, un poulain gris, il est né le 10 avril, fils de Ken d'argent et Easy to Sing par Johannesburg. Notez que ce poulain est vendu 100%. 100%. Alors le numéro 34 a été racheté pour 14 000 euros car vous allez découvrir derrière moi le joli minois de mon homonyme, Arnaud Bédoué. Juste un tout petit peu moins de cheveux, autrement il n'est pas sans me ressembler. Hein, bien rasé comme d'habitude. Donc voilà, maintenant on va passer au numéro 34. Combien débutons? 10 000, 10 000, 10 000 qui démarre les enchères de 10 000, 10 000 euros. À 10 000 euros qui démarre, Ken d'argent, 10 000, 10 000, révélation, 10 000. Bah, si, il faut lui donner une coupe de champagne parce que Arnaud, faut ça pour s'en remettre. Ken
l'argent, 5 000 euros. Ah, 5 000 euros qui lui les enchaîne. Eh oui, le champagne sert à arroser les victoires et à consoler les défaites. 3 000. Alors, donc le numéro 34, c'est un fils de Ken d'Argent. Il s'appelle Thibain d'Argent, appartenant à monsieur Bernard Vintiligon. Vintiligon, que je ne connais pas personnellement. De 3000 euros maintenant, 3000 euros. À 3000 euros, à 3000 euros maintenant, 4. La mère, elle s'appelle Easy to Sing, une fille de Johannesburg. 4000 euros, à 4000 euros, les cannes d'argent, 4000 seulement. À 4000 euros, à 4000 euros, c'est bien vu, 4000 euros, 5000 pour le brand, si vous devez les 5000, 5000. À 4000 euros, c'est bien vu, 4000 euros. À 4000 euros, bien vu en face de moi pour vous, Laetitia, 5 French Biller maintenant, 5000 Guy pour vous. À 5000 euros, bien vu. À 5000 euros maintenant, 6, si vous devez les 6000, maintenant j'ai 5000 en face de moi, 6000. À 5000 euros, à 5000 euros, 6 et 6, 6, bien sûr. À 6000 euros. Allez-y, on active 7000 maintenant. 7000, on parle d'un poulain de canne d'argent à 7000 euros seulement. À 8000 maintenant. À 8000 euros. À 8000 euros maintenant. 8000 euros, 8000 euros, 9. Si vous voulez un poulain qui a bout de vitesse. À 9000 euros. À 9000 euros, 10, on y est maintenant. 10000 euros. À 10000 euros. À 10000 euros, le fils de canne d'argent. 11000 maintenant. 11000 euros qui a fait un bon bruit ce matin. À 11000 euros. À 11000 euros, c'est bien vu. 11000. À 11000 euros maintenant. 12 maintenant, bien vu. Laetitia, 12, 13. Maintenant, on y revient. Guy pour vous, 13000 euros. À 13000 euros, bien sûr. Guy pour vous, votre enchère. Laetitia, 12, 14 maintenant. À 14000. À 14000 euros maintenant. 15. Si vous voulez 15, maintenant j'ai 15000 avec Guy. 15000. À 15000 euros, allez-y, Laetitia. 16. Si vous voulez 16, maintenant 16. Allez-y, j'ai 15. À 16000, bien sûr. À 16000 euros maintenant, 16000 euros maintenant, si vous voulez 17000. À 16000 euros, 17000, bien vu, 17000. À 17000 euros, le fils de Ken d'Argent, 17000 euros, 18. Voilà, donc un fils gris de Ken d'Argent, il s'appelle Tiba d'Argent. Votre enchère, 19000 euros. À 19000 euros, si vous voulez 20, si vous voulez 20 maintenant. Il a fait Canter ce matin, né le 10 avril. Physique a besoin encore de se développer, manifestement. Ici à 20 000. Guy, je vous entends plus. À 20 000 euros seulement, 20 000. À 20 000 euros, le fils de Ken d'Argent, révélation, un bon travail ce matin. 20 000 euros. À 20 000 euros, 21. 21 000. 21 000, on y revient avec vous, Guy. 21 000, essayez 22, Laetitia, pour vous. À 22 000, si vous voulez, j'ai 21 en face de moi. À 21 000. À 21 000, Guy, l'enchère. À 21 000, 22 000 maintenant, le fils de Ken d'Argent. À 22 000 euros seulement, 22 000. À 22 000 euros, 23, on y est maintenant. 23 000, 23 000, j'ai maintenant, Guy, votre enchère. Voilà, bon, alors Ken d'Argent, évidemment, ça se vend toujours. 24, allez-y. À 23 000 euros, l'enchère. Et donc l'enchère monte petit à petit, mais elle monte. 24, Laetitia, à 23 000 euros, c'est bien vu, le marque. Après, on va passer à un autre étalon commercial. Hein. Ce sera My Boy Charlie avec le 35. À 23 000 euros, Guy, votre enchère. À 23. Après, le 36 sera absent et on va passer à. On a vu, Guy. Siouni. Alors, 23 000 euros, c'est bien ça. On enchaîne avec le numéro pour Thibain d'Argent, qui est présenté par le Haras de Bernesque, une pouliche B. Et c'est Thierry Lemaire. Par My Boy Charlie. Thierry Lemaire, qui est dans le viseur de Yannick, notre cadreur fou. Russe. Catalogue. Villa Tamaris s'est placé deux. Champion pour les boîtes. Docteur Jacques Mosé. Ou peut-être pour les blondes qui tiennent les boîtes, je ne sais pas. Et troisième du prix Alain Gaston, le 10 heures. Voilà, Thierry Lemaire, installé dans la région, Thierry. Et qui signe le bulletin vainqueur pour le lot précédent à 23 000 euros. Maintenant, My Boy Charlie, pouliche légère, faite en précoce. Et Linda Lamère a gagné l'Easton, le prix point du jour sur les 1600 mètres de l'hippodrome de Cran à deux reprises. Elle a déjà donné 4 vainqueurs sur 6 produits en âge de courir, dont elle. Voilà, une grosse origine classique, hein, la grand-mère Royal Touch, gagné des groupes en Allemagne et aux États-Unis. 10 000 euros, bien travaillé ce matin, 10 000 euros, beaucoup de capacité, 10 000, 5, si vous voulez, 5 000, qui débute des enchères de 5 000 euros. À 5 000 euros, Guy, My Boy Charlie, 5 000 euros. À 5 000 euros, Guy, débute 5, maintenant, bien vu, 5 000 euros, Guy, votre enchère de 5 000, 5 000. Le père de Rocharlie, dans les 5 000, 6, maintenant, 6, 6. Maintenant, Kevin Morgel qui vient de mettre une enchère, l'entraîneur marseillais, grand, grand fidèle des ventes de Osarus. À 6 000 euros, à 6 000 euros, Guy, je vous entends plus, j'ai 6 000 euros. À 6 000 euros, regardez la mer, gros black cap, 6 victoires qui produisent des gagnants. À 8 000 maintenant, à une vraie famille de course. À 8000 euros, à 8000 euros, maintenant 10, si vous voulez 10, bien vu, 10 000 euros. À 10 000 euros, Laetitia, c'est votre enchère de 10 000. À 10 000 euros, maintenant, Guy, allez-y, 12, si vous voulez 12, maintenant, j'ai voulu 12, allez-y. À 10 000 euros, l'enchère, Laetitia, alors. À 10 000 euros, la fille de My Boy Charlie, 10 000 euros seulement. À 10 000 euros, c'est bien vu. À 10 000 euros, Guy, je vous en l'en plus, 10 000. À 12 000, on y est maintenant, 12, 12 000. À 12 000 euros, maintenant, Guy, on y revient avec vous. À 12 000 euros, 12 000 euros, maintenant, 15, on y est. À 15 000 euros, Laetitia, 15 000. À 15 000 euros, gros black tap, la mer, 6 victoires, qui fait les gagnants. À 15 000 euros seulement, à
c'est 18 000. À 18 000 euros maintenant, Guy, votre enchère, 18 000, bien sûr, 18 000, 18 000, 20, 20, 20, j'ai maintenant 20 000. À 20 000 euros, Maïbo Charlie, 20 000 euros seulement. À 20 000 euros, à 20 000 euros avec une mère Black Type, à 20 000 euros. À 20 000 euros, c'est bien vu, le 10 c'est votre enchère, 22 000. À 22 000 maintenant, Guy, bien vu, 22 000 euros, 24 000. À 24 000 euros, à 24 000 euros, le 10 votre enchère de 24 000 euros maintenant, on y est maintenant. 20 000. Bon, on voit clairement, dès le numéro 35, il y a une vraie gamme de prix pour. 26 000. 20, de 20 à 35 000. Hein. Certains des meilleurs lots arrivent à 40, voire 50 000. Mais la plupart des chevaux, lorsqu'ils dépassent des 3-4 000, il y a quelques ratés évidemment, mais ça c'est comme partout. Voilà, la gamme de prix c'est 20, 30 000. Voilà, nous on a 28 000 par exemple. 28 000 seulement pour aller à 30, allez-y. À 28 000 euros. À 28 000 euros, c'est bien vu, Laetitia, à 28 000. À 28 000 euros, bien vu, l'enchère, les 30. À 30 000. À 30 000 maintenant, qui veut 32, 32 000. Regardez le pédigré, la fille de Maïbo Charlie qui a fait un bon travail ce matin. À 30 000 euros seulement, c'est Guy, c'est votre enchère, 30 000. À 30 000 euros, à 30 000 euros, la mère, 6 victoires, un vrai jument de course. À 30 000 euros, c'est bien vu. À 30 000 euros, gagnant de liste, placé de groupe. À 30 000 euros, qu'a fait les gagnants. À 30 000 euros, c'est pas l'erreur, 30 000, c'est Guy, votre enchère. Laetitia, je vous entends plus, ici, 32. À 30 000 euros, c'est bien vu. Alors, Guy, pour vous, à 30 000 euros, le marteau va se lever une dernière fois, dernière chance. À 30 000 euros, Laetitia, pas de regret, hein. À 30 000 euros, la fille de Maïbo Charlie, à 30 000 euros, bien vu, à 30 000 euros. On a juste Guy, votre enchère, 30 000, merci. On enchaîne avec le numéro 36, qui est présenté par Yann Kreff, Oudaya. Pouliche B, né le 19. Alors, ça se passe encore derrière la barrière, je me suis fait avoir tout à l'heure. Gonzalez, elle-même. Je cours, je vole. Et me venge immédiatement pour aller voir qui signe le bulletin derrière la barrière. Belle pouliche ici, le temps. Si la personne se cache, c'est probablement un rachat. Le produit de la mer, la famille de French Glory. Oui, c'est cela, c'est cela, c'est cela. Et le gros pain, tout bon pédigré ici. C'est racheté par un membre du Hara de Pernesque. 15, tout bon prédégré, ici combien de buts on dit, 10 qui démarre, 10 000 euros, 10 000 euros, 5, 5 pour David, 5 000, 5 000 euros. Quel but des enchères, 5 000, plus solide, 5 000 euros, à 5 000 euros qui démarre, 5 000, 5 000 euros, 5 000 euros, 3 pour David, 3 000, 3 000 euros, à 3 000 euros, j'ai 3 000, Guy, bien vu, 3 000 euros, 3 000 euros, chic plus solide, à 3 000 euros, à 3 maintenant, 4 000, 4 000, j'ai 4 000 euros, 4 000 euros, Guy, pour vous, 4 000, j'ai là, à 5 000 maintenant, à 5 000 euros, à 5 000 euros maintenant, 6 000, 6 000 maintenant, 6 000 euros, à 5 000, 6 000 euros, allez-y. À 5 000 euros, Guy, c'est votre enchère. Turtle Ball, 5 000, merci, pas célèbre. À 5 000 euros seulement, 5 000. À 5 000 euros maintenant, à 6 000, on y est, 6 000 euros. À 6 000, je course comme ça, 6 000. À 6 000 euros, à 6 000 euros, Guy, vous voulez 7 000, si vous voulez 7 000. Allez-y, Guy, je vous entends plus, allez-y, 7 000. À 7 000 euros, si vous voulez, j'ai 6 000 avec Guy. À 7 000, 6 000 euros, j'ai 6 000 euros avec Guy, essayez 7 000. À 6 000 euros, personne en face, ni à droite, tout à gauche. À 6 000 euros, la fille de Turtle Ball, 7 000 maintenant. À 7 000 euros, bien sûr, 7 000 euros, mère, pain célèbre, famille de French Glory. À 7 000 euros, à 7 000 euros, bien vu, 7 000. À 7 000 euros, maintenant, si vous voulez 8 000, si vous voulez 8 000, allez-y. Enfin, je vous entends pas. À 8 000 maintenant, Guy, bien vu. À 8 000 euros. Cette pouliche très solide, bien faite, Turtle Ball. Et on parle de 8 000 euros. À 8 000 euros, bien vu, 8 000, Guy, votre enchère. À 8 000 euros, le marteau peut se lever, alors c'est bien vu. À 8 000 euros, dernière fois, 9 000, on y est maintenant, 9 000. 9 000 euros, allez-y, 9 000, 10, si vous voulez 10 maintenant, 10, si vous voulez 10 000. La famille de Dunette, la quatrième mère, c'est Dunette. Ah, Dunette. Quelle époque, Dunette ? Prix de Diane, Grand Prix de Saint-Cloud. C'était quelque chose, la mère de French Glory. Bien sûr, 10 000. À 10 000 euros, pouliche solide, 10 000 euros. À 10 000 euros, à 10 000 euros. Voilà, une fille de Turtle Ball, présentée par Yann Kreff. Elle s'appelle Oudayas. Et Eva Gonzalez, la mère, par peintre célèbre. 10 000 euros, Guy, votre enchère. À 10 000 euros, pas de regret dans la salle. À 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros, on a dû. Guy, 10 000 euros, merci. On enchaîne donc avec le numéro 37 qui est présenté par le Hara du Saubois. Voilà, on a passé la moitié du catalogue, on en est au numéro 37. Le 8 février, une fille... Time Goes By, présenté par le Hara de Saubois, une fille de See Uni Everlast par Anaba, fameux père de mère. La mère sort de queue de course, cheval de course très robuste, 9 victoires de 2 à 7 ans dans le prix de Kergorlet, 3e du cadran. Queue de course qui a été étalon d'ailleurs. De gain. Chez M. Robert Mongin, le Hara de la Rock, à découvrir sur France 6. Et oui, mesdames, messieurs, c'est une fille de Siouni. Citée dans le pédigré, beaucoup de précocité sur son physique, très propre.
depuis l'apparition du catalogue, le frère est gagnant, argentan. À combien débute-t-on pour une pouliche de la sorte? Si, Yoni, combien débute-t-on? 15 000, 15 000 pour les 15, 15, 10 000. Ouais, elle est belle cette pouliche. Antoine Gronfier, il est démarré à 15 000 euros. Bon, il en est à 10 000 euros maintenant, mais il est bien évident que cette pouliche, vu le physique qui est là, devrait bien se vendre. 8 000, j'ai d'ailleurs, les enchères sont prises déjà à 8 000 euros. À 10 000 euros maintenant, 10, j'ai maintenant 10 000 euros. À 10 000 euros, à 10 000 euros, 10 000 euros, 12, maintenant 12 000, 12 000 euros. Si Yoni Yanaba, 12 000 euros, mère gagnante qui fait des gagnants, dont un black type à 12 000. À 12 000 euros maintenant, 15, si vous devez 15, maintenant 12 000, j'ai maintenant. Si Yoni, 12 000, chic pouliche. Bon, alors qu'est-ce qu'elle a fait, la mère de cette fille de Si Yoni, la Everlast? Eh bien, elle a donné. Donc elle est sort de Scott Quartz, ça on en a déjà parlé ensemble, mais elle a donné aussi trois vainqueurs, dont Tin Soldier, un fils de Soldier of Fortune, qui est Black Type à Auteuil, troisième du prix à Gado. À 18 000 euros, 20 maintenant, 20, on y est maintenant, 20 000. À 20 000 euros, 20 000, 22, 22 000 euros, 22 000 euros maintenant, 22 000 euros, j'ai maintenant 22. À 22 000 euros, pendant 22 000. À 22 000 euros, Laetitia vole en chair, 22 000. À 22 000 euros, c'est bien vu Laetitia, la fille de Sioni à 22 000. On a Jean-Claude Roger qui est revenu en scène. Beau travers, à 22 000 euros seulement, à 22 000 euros Laetitia, c'est votre enchère, à 22 000, à 22 000 euros, bien vu, 22 000 euros, French Miller qui m'appelle, 25 000, 28 000, 28 000 euros maintenant j'ai, à 28 000 euros j'ai maintenant Sioni, 28 000, 28 000, regardez, à 28 000 euros, très précoce, à 28 000 euros maintenant, 28 000 euros, French Miller, 30 000, 30 000, 32 000, à 32 000 euros maintenant, 32 000, 32 000, à 30 000 euros, 35 000, à 35 000 euros, j'ai bien vu en face Laetitia, 35 000, allez-y, à 35 000 euros maintenant, 35 000, allez-y, allez-y, 38 000, si vous le voulez, à 35 000 euros l'enchère Laetitia, bien vu, à 35 000 euros seulement, à 35 000 euros la fille de Sioni, la mère là-bas, à 35, 38 000, à 38 000 euros, Guy, votre enchère, 38 000 euros. À 30, 40, alors ça y est, oh là, 38, 40, elle est magnifique cette pouliche alsane, faite pour concourir, faite pour courir, 42 000 euros, je vous rappelle que le top price pour l'instant est à 52 000 euros, établi par Jean-Claude Rouget à 52 000 euros, qui va peut-être battre son propre record, en tout cas pour l'instant sur cette vente. À 52 000, à 52 000 euros, 55, à 55 000 euros, c'est là, 55, 55 000 euros maintenant, si vous les 6, allez 8, à 55 000 euros, l'enchère, Laetitia en face, à 55 000 euros, la fille de Laetitia, 55 000, à 55 000 euros, l'enchère, 55 000, ça y est, le top price est dépassé pour l'instant, Laura, votre enchère, présenté donc par le haras de Laetitia, allez-y, ce bois, à 58 000, l'enchère, Laura, à 58 000, c'est pas l'erreur, à 58 000 euros, bien vu, à 58 000 euros, pouliche précoce qui a fait un super travail ce matin, à 58 000, 60, ouais, c'est vrai qu'elle a bien bossé ce matin, la pouliche, là. 60 000 euros. Le numéro 37, Time Goes By. La sœur de Tin Soldier, la nièce de Cut Quartz. Pour vous, 60 000. À 60 000 euros. À 60 000 euros, si vous voulez mettre 62. À 60 000 euros seulement, la fille de Sioni, c'est bien vu. À 60 000 euros, 2, maintenant 2, maintenant 62 000. On y revient à 62 000 euros, maintenant 65, si vous voulez. Voilà. 65, si vous alors, Jean-Claude Rouget, donc il a de la concurrence, hein, c'est plus lui qui est. Maintenant. À 65 000 euros pour vous, 65. À 65 000 euros, c'est pas l'erreur. À 65 000 euros, la fille de Sioni, 65. À 65 000 euros, le marteau va se lever. À 65 000 euros seulement. À 65 000 euros pour vous, pas d'erreur. À 65 000 euros, pas de regret. À 65 000 euros, encore un pas et vous l'emmenez. À 65 000 euros, c'est bien vu. À 65 000 euros, c'est pour vous. Laura, à 65 000 euros, pas de regret, vous êtes bien sûr. À 65 000 euros, on adjuge. Laura, 65 000 euros, merci. Et c'est Jean-Claude Rouget, voilà Jean-Claude Rouget en personne, qui va signer son 4, 5 ou 6e bulletin de la journée. Le 39. Voilà, qui est rejoint par Paul Basquin du Ratsebois. Ravi d'avoir une pouliche vendu ce top price provisoire, en tout cas. Par Montmartre et Aïel. Hop, attention, Robert. D'enfer, le frère vient de s'imposer sur l'hippodrome d'Agen le 30 mars. Le fils d'excellent art, petit fils de pivotage qui se présente devant vous avec une marque à deux victoires qui a déjà produit un gagnant. C'est seulement le deuxième produit de la mère. La famille de Moonstone Magic, Our Martin, Roly Poly. Et depuis l'apparition. Voilà Jean-Claude Rouget. Bonjour Jean-Claude, comment ça va? La forme? Alors 4, 5 ou peut-être même 6 poulains, je ne sais plus, et les emplettes ne sont pas finies. Qu'est-ce qui vous motive à acheter tous ces chevaux cette année particulièrement? 5 000 euros. Non, pas cette année particulièrement. L'an dernier, il y avait vraiment, à Pornichet, il y avait très peu de chevaux achetables.
Là, c'est un peu mieux, mais ça manque encore de substance dans l'offre. Quand tu tapes 139, je pense que c'est une vente où il y a des clients et qui mériteraient une quinzaine de chevaux d'un niveau comme ça, entre 30 et 50 000 euros. Il n'y a pas, mais ça va venir peut-être. Puis j'ai toujours soutenu le Sud-Ouest. Il faut encourager aux Arus dans sa démarche. Qu'est-ce que vous allez rechercher? Alors, on parle souvent des yearlings, mais dans ce créneau très particulier des deux ans montés, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous repérez une fois passé le pédigré? Non, je les achète comme des yearlings. Donc je fais attraction du canter. Vous faites attraction du canter, d'accord. Ça ne m'intéresse pas. À 4 000 euros la mère Green Twin. Pourtant, le principe de le but de l'opération, non? Oui, mais ça ne m'intéresse pas. Ça marche aussi. Merci Jean-Claude. Bravo. Ben voilà, ça c'est du Jean-Claude Rouget tout craché. Comment ça, les chevaux ils font canter? Non. Merci Jean-Claude. Donc, on en est où? Alors, le 39. Extraordinaire. Donc voilà, le 39 est à 7 000 euros. 7 000 euros, c'est pas d'erreur, pas de regret. À 7 000 euros, bien vu, 7 000 euros. À 7 000 euros, pas de regret nulle part, 7 000. À 8 000 maintenant, on y est, 8 000 euros maintenant, 8 000 euros. À 8 000 euros, c'est bien vu, 8 000 euros pour vous et contre vous. À 8 000 euros, pas d'erreur. À 8 000 euros, bien vu. À 8 000 euros, c'est votre enchère. Laura, à 8 000 euros, pas de regret. À 8 000 euros seulement, essayez 9 pour aller. À 8 000 euros, Laura, pour vous et contre vous. À 8 000 euros, la fille de Montmartre. À 8 000 euros, le marteau va se lever, Laura, terminé. À 8 000 euros, ni Boogie, ni en face. À 8 000 euros, on la juge. 8 000, votre enchère, Laura, merci. Charles Gourdin, merci beaucoup. Le numéro 40 est un numéro supplément au catalogue présenté par le Haras du Saubois. Une pouliche, elle est née le 10 avril 2013, se nomme 40. Gregoracci. Elle est par Poi Choice et Godera et c'est la sœur de Grand Camp. Notez que cette pouliche est vendue 100% sans TVA. Donc, en supplément, le numéro 40 sur les feuilles vertes, la fille de Poi Choice. Café d'ailleurs, son premier partant et premier gagnant depuis l'apparition du catalogue, père de Black Magic, la famille de Grand Camp, bon pédigré, la mère Big Shuffle, la combien... Oui, mesdames, messieurs, un supplément au catalogue, le numéro 40, une fille de Poet's Voice, présentée par le rat de Sobois. Premier gagnant, 10 000 euros. Donc, Poet's Voice, dont on en parle, jeune étalon. Antoine vient de nous préciser que Poet's Voice a fait son premier partant tout récemment, c'était les premiers deux ans. Premier gagnant. 3 pour les vite. Chic pouliche, mais brune, 5, mais 3. Black Magic. Et le cheval, il s'appelle Gregoracci. Et Gregoracci, Jean-Claude Rouget le connaît très bien, puisqu'il a entraîné son frère, Grand Camp, un fils de Platini, qui a gagné le prix Noël. Godera, la mère, là, une fille de Big Shuffle, un fameux étalon allemand. Enfin, allemand, il était irlandais, Big Shuffle, mais il a fait toute sa carrière en Allemagne. Elle a fait aussi Piana, une fille de Doyen. Donc là, c'était un registre un peu différent. Doyen, c'était un étalon de tenue. Elle a gagné aussi cette Piana, une Listod, le prix Mélisande de la Maison Lafitte. Qui continue 4 000. Dans la souche basse, on a plein de bons chevaux allemands, notamment. Et pourtant, nous n'en sommes qu'à 4 000 euros pour une fille de Poet's Voice. Ça va être surprenant. Parce qu'elle a quand même un pédigré, une sorte de Grand Camp à 5 000 euros. Mais quel est ce mystère? C'est plus à l'erreur. À 5 000 euros en chair, Laetitia. Si Fresh Biller, Laura, 8 000. À 6 000, 7 000, 7 000. 7 000, Laetitia, c'est bon? 7 000 euros. Ah, 7 000 euros, on y revient avec Laetitia. 7 000 euros pour Poet's Voice. 7 000 euros. Ah, 7 000 euros. Premier partant, premier gagnant. À 7 000 euros seulement, 7 000. À 7 000 euros pour Poet's Voice. 7 000 euros. Bien vu, à 7 000. À 7 000 euros, c'est 8 000 maintenant. 8 000 euros, allez-y, plus vite, des enchères. Des 8 000 maintenant, 8 000 euros, 10 maintenant, 10 000 euros. À 10 000 euros. À 10 000 euros maintenant, 12, si vous voulez, 12, allez-y, Laura, 12 000, si vous voulez, 12 000, j'ai 10 000 en face. À 10 000 euros. À 10 000 euros, 12 pour le prendre, 12 000, allez-y, 12 000, j'ai 10 000 en face. À 10 000 euros. À 10 000 euros, Laetitia, c'est pour vous l'enchère. À 10 000 euros seulement. À 10 000 euros, allez-y, Laura, allez-y, 12 pour l'emmener, 12 000 euros pour Poet's Voice, 12 000, non? À 10 000 euros, l'enchère est en face, alors pas de regret. À 10 000 euros, le marteau va se lever. À 10 000 euros, bien vu. À 10 000 euros, la fille de Poet's Voice. À 10 000 euros, pas de regret nulle part. À 10 000 euros. On adjuge Laetitia, votre enchère, 10 000, merci. 10 000 euros pour la sœur de Grand Camp. Donc elle est jolie comme ça, mais on peut imaginer aisément qu'il y a peut-être un petit truc qui va te travers dans les aplombs. Le 22 avril. Quand même, les courses, il y a des fois des trucs un peu logiques. Alors, où en sommes-nous? Le 41 désormais.
La petite fille de Galiléo devant vous. Donc c'est les premiers produits ont 2 ans ici devant vous. Les filles de Capé Blanco. 9 victoires dans le Irish Derby. C'est le premier produit de la mer aussi. Tout bon pedigree, Black Type derrière, Soldier Tales. Combien de buts pour ce chic pouliche qui a fait un bon bruit ce matin, qui est tonique. Le Cap Blanco, à combien débute-t-on? 10 000, très bonne marcheuse, 10 000 euros de Guillemard, 10 000 euros, à 10 000 euros, chic pouliche ici, hein. 10 000 euros, beaucoup de qualité, à 10 000 euros, 5, il va vite 5 000 euros, à 5 000 euros, à 5 000 euros, Guillemard des enchères de 5 000 euros, Cap Blanco, 5 000, Gémeran, Laetitia, 5 000. Alors, Jean Birabin et Yann Kreff nous présentent cette fille de Cap Blanco qui a fait un super boulot ce matin. La mère est par Johannesburg, la mère c'est une sorte de Soldier Stell. 6 000 euros maintenant, 7 000, 6 000 seulement une seule, à 8 000 maintenant, 8 000 euros, à 8 000 euros, à 8 000 euros maintenant, 8 000 euros, 8 000 euros, 8 000 euros, 8, 10, 10, maintenant 8 000 euros, Laetitia, pour vous, contre vous, 8 000 euros, à 8 000 euros, la petite fille de Galiléo, 8 000 euros, les premiers 2 ans, à 8 000 euros, à 8 000 euros, une marcheuse très tonique, à 8 000 euros, à 8 000 euros maintenant, 10 000 euros, j'ai maintenant 10 000 euros, à 10 000 euros maintenant, 10, vous voulez 11, vous voulez 12, allez-y, à 10 000 euros, à 10, 12 maintenant, 12 000 euros pour vous, contre vous, 12 000 Laetitia, à 12 000 euros maintenant, 12, vous voulez 15 au moins, 15 000, j'ai Fresh Wheeler, 15 000, à 15 000 maintenant, 15 000 euros, bien sûr, à 15 000 maintenant, 18, on y est, 18 000 maintenant, Capo Blanco, 18 000 euros, à 18 000 euros maintenant, 18 000 euros, Laetitia, votre enchère, 18 000, à 18 000 euros, 20 000 maintenant, à 20 000 euros, à 20 000 euros en fond à droite à 20 000, à 20 000 euros dans le passage 20 000, à 20 000 euros maintenant 22, si vous voulez les ici à 22 000, j'ai 20 000 moi, à 20 000 euros, à 20 000 euros, à 20 000 euros seulement, pouliche tric, Capo Blanco, 20 000 euros, à 20 000 euros, voilà donc Capo Blanco, un jeune étalon dont les premiers produits en 2 ans, hein Galiléo, qui était jaune et blanc, Capo Blanco, mais qui produit pas jaune et blanc, enfin pas que ça en tout cas, la preuve, puisque cette pouliche était baie, très tonique, très... la mère sœur de Soldier Stell, sprinter, gagnant du Golden Jubilee. Le groupe 1 de clôture du meeting de Royal Ascot. À 20 000 euros dans le passage, l'enchère. Puis vous, Laetitia, à 20 000 euros, le marteau peut se lever. À 20 000 euros, pas de regret dans la salle. À 20 000 euros dans le passage. À 20 000 euros, on la juge. 20 000 dans le passage, merci. 20 000 euros dans le passage. Charles Gourdin, probablement. Un poulain B, né le 13 mars. Fils de My Boy Charlie et Fongegen. Non, pas Charles Gourdin. C'est de nouveau Marc-Antoine Bergracht que vous allez voir à l'antenne. Le fils de en direct Charlie. Dans quelques instants. Le voilà. Tandis que juste derrière lui arrive le numéro 42. On va arriver dans le dernier tiers du catalogue. Et le 42. The Channel Consignment. My Boy Charlie et Fongegen, ça c'est pas mal ça. On l'a filmé la semaine dernière et ça c'est pas mal. Enfin je vous le dis comme ça, mais moi j'aime bien. La mère est par Dr Fong, un des étalons préférés de LH Bloodstock. À 10 000 euros qui débute, 10 000 euros, 5 pour aller vite, 5 000 euros, 5 000. À 5 000 euros qui débute, 5 000 qui débute. À 5 000 euros, My Boy Charlie, chic poulain, regardez-le bien. À 5 000 euros, 5, j'ai maintenant 5 000. 5 000 euros, un bon travail ce matin aussi, il nous a fait 5 000. À 5 000 euros, un chic poulain, à 5 000. À 5 000 euros, à 5 000 euros, bien vu, 5 000. 5 000 euros, une seule enchère, 5 000, c'est pour vous dans le passage, 5 000. Si maintenant on y est, à 6 000 euros, à 6 000 euros, à 6 000 euros, poulain, très calme, 8 000. Fresh Miller, 8 000. À 8 000 euros maintenant, 8 000 euros. À 8 000 euros, à 8 000. Maintenant 10 000 euros, bien sûr, 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros, maintenant 12, vous voulez 12 000, non, 8 000, 10 000 euros, à 10 000 euros, à 10 000 euros dans le passage, bien vu, les 12 000, maintenant 12, j'ai 12 000. Ouais, c'est un joli poulain, ça, ce fils de My Boy Charlie et Fongegen. À 13 000 euros. 13 premier produit de Fongegen à Perdio, un King's Best né en 2011, a gagné à Saint-Malo l'an dernier. 15 000 euros. My Boy Charlie, là c'est le quatrième 000 produit. À 15 000 euros seulement, poulain qui a la profondeur du scope, 15 000. À 15 000 euros maintenant, enfin 16 000. À 16 000 euros maintenant, 16 000. Je suis le cas du style. 18, si vous voulez 18 000, 18 000. À 16 000 euros. À 16 000 euros maintenant, 18 000 euros, 18 000 euros si vous voulez 18 000. À 16 000 euros. À 16 000 euros, c'est bien vu dans le passage là-bas aux escaliers, 16 000 euros. À 16 000 euros, c'est bien vu le fils de My Boy Charlie. À 16 000 euros seulement, le marteau va se lever alors. À 16 000 euros. Regardez bien le chic qu'il a ce poulain. Très très bien fait. À 16 000 euros seulement. À
16 000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. À 16, maintenant 18, j'ai maintenant 18 000 euros. À 17 000 euros, bien sûr, 17 000 alors. À 17 000 euros pour aller à 18 après, 18 000 euros forcément. À 18 000 euros pour un maillot de Charlie. À 17 000 euros, alors on va le faire, le marteau va se lever, c'est bien vu, sans regret. À 17 000 euros, c'est pas le regret ni le pas alors. À 17 000 euros, le marteau va se lever. À 17 000 euros pour aller à 18, non. À 17 000 euros, bien vu. À 17 000 euros, la mère a déjà fait un gagnant. À 17 000 euros, mère Black, famille Black Tap derrière. À 17 000 euros, le marteau va se lever pour vous dans le couloir. À 17 000 euros, bien vu, pas de regret. À 17 000 euros, on a du jeu. Dans le passage, 17 000, merci. Le numéro 43 est présenté. 17 000 euros. Place du Louvre. Dans le passage, est-ce que c'est Nicolas de Vatrigan qui l'a... Une fille de Mr. Sidney. Non, attendez, j'ai raté un épisode là. Square Ajaccio vient de se placer troisième du prix Rabouin à Traiteur à Nantes. Ah, ce sont les messieurs qui sont là. Je ne le connais pas. Non, j'ai demandé au vendeur, Jamie Relton, et ils n'ont plus, il connaît pas les gens. Donc, Mr. Sidney qui perd de beaux pros. Ah, j'aimais bien celle-là, la Mr. Sidney et Ghostly Dance. Elle a fait un bon boulot ce matin. Présentée par Pascal Beyer. La grand-mère Ghostly a gagné le prix d'Aumale. Elle a été quatrième des riches 1000 guinées. Elle a même été sixième du prix de Diane, alors que son jockey Dominique Boeuf a malheureusement pour lui cassé un étrier. Il a été obligé de faire le parcours à bout de jambes, hein, assis dans la selle. 3000 euros, à 3000 euros, à 3000 euros, j'ai 3000 euros, 3000, à 3000 euros, qui débute des enchères, 3000, qui débute, Mr. Sidney, 3000, plus Tonic, oh, 5000 maintenant, 5000 ici, à 5000 euros, à 5000 euros, j'ai l'enchère, 5000 euros, c'est en face, Laetitia, 5000, à 5000 euros, bien vu, 5000 euros, à 5000 euros, 5000 euros, maintenant, 5000 euros, à 6000, 6000 euros, 6000 euros, 6000 euros, à 6000 euros, votre enchère, Guy, bien vu, 6000 euros, à 6000 euros, maintenant, c'est bien vu, pas de regret, à 6000 euros, à 6000 euros, Laetitia, le plus vous, allez-y, 7000 si vous voulez, à 6000 euros, à 6000 euros, 7000 pour le brand 7, si vous voulez 7000, 7000 euros, 6000 euros, Guy, votre enchère. À 6000 euros, Mr. Sidney, c'est bien vu. À 6000 euros, pas d'erreur. Ça, c'est une bonne affaire. Euros, ni à droite, ni. C'est 8000 maintenant, c'est 8000, 7, 8, 9000, 9000 euros. À 9000 euros, à 9000 euros, maintenant on enchère 9. Non, 8000 d'abord. Non ? Donc, on redescend à 8000. À 8000 euros, on était ici avec Guy. À 8000 euros. À 8000 euros, maintenant 9, si vous voulez, 9000. 8000 euros, Guy, votre enchère. Guy, votre enchère. À 8000. À 8000 euros seulement, Mr. Sidney, 8000. À 8000 euros maintenant, 8000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur. À 8000 euros, l'enchère est pour vous, Guy, pas de regret. Moi, je vous le dis, c'est une affaire, celui-là. Place du Louvre. La mère bat d'Ancilly, fille de Ghostly. 9000 euros, 9000. À 9000 euros. D'accord, la mère et la grand-mère n'ont pas produit des avions de chasse, mais. 9000 euros, bien vu. C'est pas mal, ça. 9000 euros. On a du 9000. Allez, c'est vendu à 9000 euros. 4 balzanes blanches. C'est pas les chevaux les plus faciles à commercialiser. Donc, on va passer au 44 désormais. Mal Gris, né le 1er avril. Fils de Dalgar et Golcon Mine par Alamo B. Ce poulain est vendu 100% sans TVA. La poulain, le petit fils. Alors vas-y gros, présenté par Laura de Saint-Arnoux, qui était indiqué baie dans le catalogue, mais qui est bel et bien gris. Victoire, c'est seulement le premier produit. Fils du jeune étalon d'Algar, le frère de Delamy et d'Alakani Paranaba, gagnant de groupe lui-même dans le prix du Palais Royal, un groupe 3 en l'occurrence. La souche de Oxyk Zerni, la souche de Ultimate Iluki, la vieille souche également de Goldikova, si vous voulez par là. Il s'appelle Vasigro, la mère est costaud, Golcon Mine, vous vous en rappelez de Golcon Mine, elle a gagné 9 courses. Et c'est le premier produit. À 3000 euros, Guy, votre enchère de 3000, 3000 euros. À 3000 euros, 3 à 3000, 3000. À 3000 euros, Guy, 3 à 3, Guy, vous les 3. J'ai une seule enchère à 3000. La mère a 9 victoires. Hein. À 3000 euros seulement, Guy, maintenant 4. Si vous voulez 4000, Guy m'appelle à 4000. À 4000, Guy, bien vu votre enchère de 4000 euros. À 4000 euros, c'est bien vu votre enchère pour vous, Guy, 4000. À 5000 maintenant. À 5000 euros, c'est là 5000, 5000 euros. À 6000 maintenant, j'ai 6000 maintenant, 6000, 6000, 6000, 6000 euros. À 6000 euros. À 6000 maintenant, 8, 6000, 8000, 8000, 8000. À 8000 euros, 8000 euros, 8000 euros, à 8000 euros maintenant, 8000 euros maintenant, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9000, 8000 euros, à 8000 euros, 9000, à 8000 euros, c'est bien vu, pas d'erreur, 8000 euros, Guy pour vous, contre vous, 8000 euros seulement,
9 000 euros maintenant, 9 000 euros, 9 victoires pour la mère, on parle de 9 000 euros. Le petit-fils d'Anava, famille Goligova, 9 000, à 9 000 euros, personne en face, ni dans le couloir, à 9 000 euros, Guy, c'est ouvert, vous l'enchère, 9 000, à 9 000 euros, bien vu, 9 000, le fils d'Algar, 9 000, à 9 000 euros, c'est bien vu, 9 000 euros, à 9 000 euros, c'est pas le regret, à 9 000 euros, le marteau va se lever alors, le 9 000, à 9 000 euros, bien vu, Guy, votre enchère, à 9 000 euros, ni en face, ni à droite, à 9 000 euros, pas le regret nulle part, à 9 000 euros. On a juste Guy, 9 000, merci. Le numéro 45 va vous être présenté. L'écurie de la Rhinodière David Lumé nous présente jour devant un poulain B né le 31 mai, un fils de Zaminda et Happy Town par Anaba. Le petit frère Jourjo vient de se placer deuxième du prix d'Auvergne à Moulins le 14 avril. Il y a également dans la famille le poulain nommé High Dynamite qui est deuxième du prix Noailles à la Bélizier Groupe 3 le 20 avril, deuxième du prix Maurice Caillot à Saint-Cloud le 15 mars. Le voici, le fils de Zaminda, petit-fils de Gone West, la mère Paranaba. C'est le frère de Un Jour notamment, gagnant à trois reprises. Une famille maternelle vivante, celle de High Dynamite qui vient de terminer deuxième du Noailles. Famille vivante donc pour ce petit-fils de Gone West par Zamindar, le père de Coquerel, de Zarkava évidemment, de Darjina, Zenda et bien d'autres. Sujet classique, combien pour débuter les enchères? 15, 10 000, voulez-vous 10 000? 10 000 pour débuter. Allez, 1 000 euros, 10 000, mettez vos enchères. Allez, 1 000, 10 000, 10 000, 8, 8 000, 8 000, 5 pour débuter. À 5 000 euros, bien présenté ce matin, 5 000. À 5 000 euros, le mal de Mazamindar, à 5 000. À 5 000 euros, allons-y, à 5 000, qui m'appelle, 5 000. À 5 000, pas plus bas, s'il vous plaît, 5 000. À 5 000 euros, 3 000, 5 000, à droite, l'enchère, 5 000. À 5 000 euros, par vous, l'enchère, 5 000. 5 000 euros qui couvrent l'enchère de 5 000 seulement, 5 000. À 5 000 euros qui couvrent l'enchère de 5 000 euros, la famille, proche famille d'un bon cheval à Dynamite, à 5 000 euros, 5 000, à 5 000 euros, 6 par vous, l'aura l'enchère à 6 000, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000, mettez vos enchères à 6 000, à 6 000 euros seulement, nous sommes, allons-y, 6 000, 6 000, à 6 000 euros, regardez le poulain, regardez la famille maternelle, 6 000 seulement, nous sommes, l'aura, votre enchère, pas d'erreur pour le moment, à 6 000, 6, à 6 000 euros qui couvre l'enchère de 6 000, allons-y, 6 000 euros, we are à 6 000, 6, à 6 000 euros, bon poulain par Zamindar, pas de regret, à 6 000 euros, mettez vos enchères, 7 000, Guy. Votre enchère, 7 000. À 7 000 euros qui couvre l'enchère de 7 000. Allons-y, allons-y. À 7 000 euros, allons-y. À 7 000 seulement, nous sommes. 7 000 euros qui couvre l'enchère, qui prend le relais contre vous à droite et pas là-haut. À 7 000 vues. À 7 000 euros, vous laissez partir le mal de Zamindar. Proche famille d'un tout bon cheval ici à 7 000. Famille de High Dynamite, je le répète, la grand-mère Opton, gagnante de course principale. Arnaud, votre enchère, 8 000 euros, 8 000, à 8 000 euros par vous, Arnaud, l'enchère, à 8 000, 8 000, à 8 000 euros qui couvre l'enchère, mettez vos enchères s'il vous plaît, ça vaut beaucoup mieux, 8 000, à 8 000 euros, l'enchère est en face de moi par Arnaud, pas de regret, contre vous Guy, on est d'accord, et rien à droite, 8 000, à 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000, on va la juger, à 8 000 euros seulement, vous les laissez partir, pas de regret, enchère en face de moi par vous Arnaud, rien à droite, plus à gauche, 8 000 euros, pas de regret, on met 10 quelque part si vous voulez, à 8 000 euros, le marteau se lève, 10 000. On y revient. 10 000. Allez, 1 000. Allez, 1 000 euros. Qui m'appelle? Laura? Non. 10 000. On reste à gauche à 10 000 avec Guy, pas l'erreur. 10 000. Allez, 1 000 euros. Qui couvre l'enchère de 10? 10 000 euros. Allez, 1 000. Allez, 1 000 euros. Qui prend le relais? 10 000. Allez, 1 000 euros. Toujours là. C'est contre vous, Arnaud, cette fois. 10 000. À 10 000 euros. Demandez-lui. 10 000. Allez, 1 000 euros. Pas de regret. À gauche, l'enchère. 10 000 euros. Le marteau se lève. Le mal de Zamindar. Pas de regret. L'enchère est là. Pas là. Rien à droite. Fini. Dernière fois. On a touché. 10 000, Guy. Voilà, 10 000 euros pour le Zamindar. Il n'y a plus beaucoup des Zamindar. Alors, le 46, une fille de Literato. Fille de Literato, elle s'appelle Laurietta. Donc, la mère Elzinka est la sœur de Chamardal, quand même. Et alors, truc qui est marrant, c'est que Elzinka, elle a fait un black type, gagnant de black type. J'écoute la mise à jour. De Moulani de Paris, mais voilà. Évidemment aussi de Altérité. Oui, voilà, Literato, je reprendrai plus tard. Il vient de faire bon cheval qui a gagné hier. Moonlight in Paris qui a gagné l'Istud. Donc, j'en étais où? Oui, Helsinka a donné un gagnant de Black Type, mais un gagnant de Black Type très original, puisque straight to it, il a gagné l'Istud dans le New Jersey sur les obstacles aux États-Unis. Eh oui. La mère et sœur de Chamardal.
Il y avait un reportage fait sur Francir l'an dernier à la découverte de l'obstacle aux États-Unis. On était en Virginie. C'est les courses sur les timbers, c'est-à-dire que les chevaux sautent des barrières en bois. Solides les barrières en bois. Faut pas toucher. Frère de plusieurs gagnants. Eh oui, la mère sœur de Chamardal, Helsinka, elle a été achetée. J'ai un trou de mémoire, je connais que lui pourtant. DNA Pédigré. Donc il l'a acheté. Après, elle s'est retrouvée la sœur de Chamardal. Donc vraiment, c'était une formidable embellie. Il a emmené la jument aux États-Unis pour être saillie par John Coswell, le père de Chamardal, bien sûr. Et ça a donné ce straight to it. 6000 euros vus, à 6000 euros qui court l'enchère, 8 maintenant, 8000, à 8000, 8000, par vous et contre vous, l'enchère Guy à 8000, 8000, à 8000 euros qui couvre l'enchère de 8000, mettez vos enchères s'il vous plaît, Literato à 8000, 8000 euros seulement nous sommes, faut mettre 10 maintenant, 8 à 8, à 8000 euros qui couvre l'enchère, par vous et contre vous, l'enchère Guy, je le répète, à 8000 qui couvre l'enchère, qui prend le relais, à 8000, 8000, 10000, Fresh Bidder, 10000, par vous Laetitia, à 8000 euros qui couvre l'enchère de 10000, regardez la famille maternelle, fille de Literato, père d'une 12 000, on y revient, à gauche l'enchère, Guy l'enchère de nouveau à 12 000 maintenant, 12 000, à 12 000, une excellente famille maternelle, littéralement. Voilà, une jument qui a fait un très bon travail ce matin. À 12 000, 12 000, toujours par vous l'enchère à gauche, Guy, 14, 14 000, 14 000, par vous Laetitia de nouveau en face de moi, à 14 000 qui prend le relais, 14 000 et rien à droite pour le moment, à 14 000 la fille de Literato, 14, à 14 000 euros, à 14 000 euros, Laetitia c'est chez vous pour le moment, à 14 000 et rien à gauche, à 14, 16, maintenant on y revient, 16 000, à 16 000 euros de nouveau à gauche. Voilà, ça monte gentiment quand même, le rat de Saint-Arnaud qui est très très présent, hein, cette vente de Brise-Up. 16 000 euros toujours à gauche l'enchère et rien à droite pour le moment. Mais c'est vrai qu'elle est jolie et puis elle a fait un bon boulot ce matin. Guy, c'est vous pour le moment à 16 000. 16, ouais. À 16 000, pas de regret. À 16 000 euros, le marteau se lève. La fille de Literato, vous la laissez partir, pas de regret nulle part. À 16 000 euros seulement, Laetitia, c'est contre vous. Merci de votre aide. Rien à droite. À 16 000 euros, le marteau se lève. On va la juger. Pas de regret nulle part à 16 000. On essaie 17 si vous voulez. J'ai 18, Laura. 17 si vous voulez. 17 000 à droite l'enchère. 17 000 à droite par vous, Laura, Fresh Bidder. 17 000, pas en face, pas à gauche. À 17 000, 18 000, on y revient. À 18 000, Laura. Une comme ça en passant. À 18 000 euros, à gauche, l'enchère. On essaie 20 si vous voulez, Laura. Demandez-lui. 18, à 18 000. À 18 000 euros, pas en face, pas là. À 18, vu. À 18 000 euros, c'est votre enchère, Guy, pour le moment. À 18. Voilà, on l'avait repéré au Canter ce matin, cette pouliche. 20 000. Et les enchères montent petit à petit. 20, 10, 19, 20, non 19 000 pour l'instant. Vos enchères rapidement s'il vous plaît, 19 c'est Sylvain pour le moment. À 19, pas de regret, 19 000 euros. Laura, contre vous, je vous laisse faire, Laura. 19 000, c'est ici par Sylvain, le marteau se lève et on va la juger. Pas de regret, là l'enchère, Guy c'est contre vous, on est d'accord. L'enchère par Sylvain, pas là, pas là, dernière fois, on la juge. 19 000, Sylvain. Le numéro 47 est présenté par le Haras des Brousses, Ena Pouliche. Alors, est-ce que c'est vendu ou est-ce que c'est racheté? J'ai l'impression que Larissa... Non, j'ai une fausse impression. Larissa Kemp s'est levée, mais ce n'est pas elle qui va signer le bulletin. Est-ce que c'est Patrick Montfort? Oui, c'est cela. Deuxième produit donc de... Patrick Montfort qui a acheté à 19 000 euros le lot numéro 46, Laurietta. Color chart. Alors, une fille d'héliostatique Enna, présentée par le Haras des Brousses. La mère est par Cape Cross. Grande souche de Sheikh Mohamed Al Maktoum, parce que la grand-mère est sœur de Tempera, qui a gagné le Breeders' Cup Juvenile Philly, groupe 1, bien sûr. La troisième mère, Color Chart, était une championne. Hein. Elle n'a pas gagné groupe 1, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de groupe 1 en France pour les femelles, mais elle a gagné le prix de l'Opéra, qui était un groupe 2 à l'époque, qui est passé groupe 1 depuis. 5, 3, voulez-vous 3 à 3000 pour les... Allez, c'est parti pour Enna, le numéro 47. M'appelle 3000, 3000 euros Guy l'enchère, 3000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère, la famille de Color Chart, 3000 euros qui couvre l'enchère, 3000 euros, 3, 4 maintenant, 4000 Marion, 4000 euros à droite l'enchère, nouvel enchérisseur, 4000, à 4000 euros qui couvre l'enchère de 4000, pas là, plus à gauche, à 4000 contre vous Guy cette fois, à 4000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 4000 à droite l'enchère, Marion pour le moment, c'est chez vous, à 4000 euros qui prend le relais, qui couvre l'enchère de 4000, 4000 euros, à 4000, 4000, 5000, 5000, on y
numéro bien, 5000. À 5000 euros, 5005. À 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000. Toujours Guy l'enchère maintenant. À 5000 euros vu. À 5000 euros qui prend le relais à 5000. 5, 6 à droite, de nouveau à 6000. À 6000 euros, toujours là l'enchère. Marion, par vous pour le moment à 6000. À 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000. On va juger. À 6000 euros seulement, la pouliche par héliostatique. Vous la laissez partir. C'est contre vous, Guy, cette fois. À 6000 euros, enchère. Marion, à droite, pas l'erreur. 6000. 7000 nouvelles enchérisseurs. 7000 euros, 7000. À 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000 euros vu par vous, Laura l'enchère à 7007. À 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000, Marion contre vous. Idem à gauche, à 7000. Pour le moment, par vous, Laura l'enchère. 7000. À 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000, c'est vu, Laura. On va la juger. 8000, on y revient. 8000. À 8000 euros en face de moi, par vous, Laura, de nouveau à 8000. Par vous et contre vous, Laura l'enchère. Voilà, donc 8000 euros pour Enna, la fille d'Héliostatique. Présenté par le rat des brousses qui avait les talons en station pendant 2 ans. 9000 euros, Laura, 9000, on y revient. 9000, Guy l'enchère. À 9000, il faut mettre 10. À 9000, mettez 10. 9000 euros, toujours à gauche, l'enchère par vous. L'impression que Marc-Antoine Bergracht est en train de mettre des enchères. Et là, nous avons Gérard Rivas, le légendaire Gérard Rivas. Top jockey, t'as rarement vu ça? Oui, salut à tous. On a rarement vu ça, oui. C'est 12. 11. Voilà. Combien de victoires, Gérard Rivas, qui a encore gagné 3 courses? Tu as gagné 3 courses à Rabat, au Maroc? Ce week-end, oui, je viens de prendre 3 courses et j'en suis à peu près à 4000. Voilà. 11000, 12. On joue les prolongations et tout va bien. 4000 victoires. Et la première des victoires, est-ce que tu t'en rappelles, c'était quand? C'était avec Ventaron. D'ailleurs, Gérard Augustin Normand a acheté un cheval qu'il a appelé Ventaron. 13000. Et j'ai gagné à 80 contre 1 au Tremblay. Voilà. C'était pour Radamès Trujillo, Domingo Perea. Voilà. C'était le trio à l'époque avec Rivas. 13000 en face. Le Tremblay, ça remonte un peu. C'était... Tu te rappelles le jour, la date, l'année? Pas de regret. Oui, j'ai débuté en 64. On y revient. 14000. À l'entraînement, 65 en course. Et j'ai gagné ma première course au Tremblay en 66. Voilà. 14000 euros. Et voilà, il a débuté il y a 50 ans, cet homme-là. Il est toujours là. Bravo, Gérard. Merci. 15000. Voilà, un jockey qui monte depuis 50 ans. C'est pas fréquent. Hein. Faites le compte pour savoir son âge. Et aujourd'hui, c'est le premier jockey du roi du Maroc. Le numéro 48 nous est présenté par le haras de Saint-Arnoult, Cash Quest, un mâle B né le 17 avril. Donc c'est à Iron Mask. 47, 15 000 euros pour le 47, le Héliostatique. Maintenant, c'est le 48, un fils de Iron Mask et Hill Quest, par Rainbow Quest. Merci, monsieur. Ah, c'est Jacques Hortet. Tiens, Jacques Hortet, qu'on voit, qu'on n'imaginait pas du tout dans le registre des 2 ans montés de précocité, puisque Jacques Hortet, bien sûr, c'est l'entraîneur d'obstacles que tout le monde connaît. Et ben voilà, il a acheté ce poulain de... Le voici. Poulain. Héliostatique. Très énergique. Le voici donc, le mâle d'Iron Mask, la mère par Rainbow Quest, une excellente famille maternelle. Regardez la page du pédigré. Et oui, la grand-mère de Cash Quest, c'est Fezeril, grande matrone Fezeril, la mère de Groom Danseur, grand-mère de Plumania, baladeuse, plein de chevaux au Japon aussi. Et puis en France, on Légèreté qui a gagné le Malray, Falco bien sûr, les talons Falco. Voilà, grande souche maternelle pour ce Cash Quest, fils de Iron Mask. Cher. À 5000 euros, c'est bien présenté ce matin. 5000, 5. Voulez-vous 3000, 3000, à 3000, 3000, à 3000 euros, 3000, 3000 par vous à gauche l'enchère. 3000 euros par vous, Guy. 3 à 3000 euros, 3, 4 maintenant. 4000, 4000, 4000, 4000 par vous et contre vous l'enchère. À 4000 euros, Guy l'enchère, 5 maintenant. À 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000, mettez vos enchères. À 5000 euros, tout à gauche l'enchère. À 5000, 5000, à 5000 euros, c'est bien présenté ce poulain ce matin. À 5000 euros, excellente famille maternelle. À 5000, la mère par une boîte sœur de Groom Dancer. À 5000, 5000 euros. 5000 euros qui couvrent l'enchère de 5000 par vous et contre vous l'enchère. Guy, pas l'erreur. 5000 à 5000 euros, pas en face et rien à droite pour le moment. À 5000, à 5000 euros qui couvrent l'enchère, on va la juger même à 5000. Vu à 5000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. À 5000 euros, pas de regret. À 5000 euros, poulain qui va aller au cours 6 par vous mettre l'enchère. Il va aller au cours rapidement ce poulain. À 6000, à 6000 maintenant. 6000 euros, 6000 euros qui couvrent l'enchère de 6000. 7000 maintenant. À 7000 euros, 7000 toujours Guy l'enchère. À 7000 euros qui couvrent l'enchère, qui prend le relais à 7000. À 7000 euros, 7, 8 de nouveau par vous, Sylvain l'enchère. À 8000 euros, qui prend le relais à 8000 euros vu. À 8000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. En face de moi, l'enchère par vous, Sylvain. Pas à gauche, plus à gauche et rien à droite. À 8000 euros, 8, 9000, Guy de nouveau l'enchère. À 9000 euros, faut mettre 10 maintenant pour l'avoir. À 9000, à 9000 euros qui couvre l'enchère de 9000 euros, toujours par vous, Guy l'enchère. Sylvain, contre vous.
On essaie 10. Essayez 10 000. À 9 000 euros, toujours à gauche, l'enchère. 9 000. 9 000 euros, toujours la l'enchère. Et rien à droite pour le moment à 9 000. Bon poulain, par Iron Mass, je le répète, à 9 000, c'est pas vous. Guy, l'enchère, pas d'erreur, à 9 000. À 9 000 euros, on met 10 en face si vous le souhaitez. 9 000, pas de regret. 9 000 euros, le marteau se lève, on va l'adjuger. Pas en face, rien là, pas à droite. À 9 000 euros, dernière fois, dernier tour de salle à 9 000 euros. Mettez vos enchères, s'il vous plaît. L'enchère est en face de moi. Par vous, Guy, pardon. Enchère à 9 000, à gauche, pas d'erreur. Sylvain, contre vous, rien à droite non plus. À 9 000 euros, le marteau se lève. On adjuge. 9 000, qui ? Présenté par le haras du Saubois, le numéro 49. Le marteau est tombé à 9 000 euros pour le 48. Le 23 avril, un fils de Slickly et Inzan Mala par BR. Notez que c'est le frère de Inseo qui s'est imposé depuis la sortie. Et je crois que c'est racheté, voilà, puisque c'est Larissa qui signe le bulletin, qui présentait ce poulain de Iron Mask. 45 750. Le rat de Saint-Arnoux. Alors. Et qui sera demain en 49. Un fils de Slickly présenté par le rat de Sobois, la mère par Bar, la mère Inzan Mala, gagnante de l'Eastud aux États-Unis à Saratoga. Le père de Méan. Et mère de Courcy, Mizen Mast, vainqueur du prix de la Californie à Cagnes-sur-Mer. Donc ça, c'est un pédigré. Bien bossé ce matin. Mère placée de groupin ici. Peut-être monter les enchères avec ce fils de Slickly. Les talons archi confirmés. Ce matin. La mère a notamment produit Courcy, gagnant de course principale, une bonne famille maternelle, une mère, bonne jument de course. Bonne reproductrice ici, combien pour débuter les enchères pour ce bon poulain de Slickly ? 20 000 euros, voulez-vous 20 000 pour débuter ? 20 000, 20 000, 20 000, 10 000, 10 000 pour débuter. 10 000 à 10 000, à 10 000, 10 000, l'enchère. À 10 000 euros, Sylvain, votre enchère qui couvre l'enchère de 10 000, allons-y. À 10 000 euros, bon poulain vraiment ici, allons-y, mettez vos enchères. 12 à 12 000, 12 000, Guy, votre enchère maintenant à 12 000. 12 à 12 000 euros qui couvre l'enchère de 12 000, 12 000, 14, 14, 14, 14 000 euros en face de moi par vous, Sylvain, l'enchère, ça vaut beaucoup mieux. À 14 000 euros, 16, 16 à gauche, à 16 000, à 16 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît. 18 maintenant, à 18 000 euros qui couvre l'enchère des 18 000 euros. Bon poulain, excellent bris ce matin. 20 maintenant, 20 000, 2 000, 22 000, à 22 000, à 22 000. Bon canter ce matin, très bon canter ce matin. 24 000 maintenant, nous sommes à 24 000, 24, oui. Si voilà, là, les enchères montent assez rapidement, c'est logique. 24 000 euros, seulement fils de Slickly, une mère gagnante de l'Eastud, un frère gagnant de l'Eastud. Maintenant, nous sommes 30, voulez-vous 28, nous sommes à 28 000 euros, 28, 30 000 fait à 30 000. À 30 000 euros, nous sommes et rien à droite, 2 maintenant à 32 000. À 32 000 euros qui couvre l'enchère de 32 000, toujours Guy l'enchère, pas d'erreur à 32. À 32 000 euros, là, pas ici. Et rien à droite. 32, 35 000 maintenant, de nouveau par vous, Sylvain l'enchère à 35 000 euros qui couvre l'enchère de 35 000, 35 000, 38 maintenant. Il y a 3 ou 4 enchérisseurs là. Hein. On s'énerve un peu sur. Ce numéro 49. À 40 000 euros par vous, Sylvain Langer, toujours en face de vous, par en face de moi, par vous. Sylvain, 40 000 euros, 42, 42 000, 42 000, toujours à gauche, l'enchère. 5 maintenant, 45 000 par vous et contre vous, la l'enchère. Oui, 45 000. Je rappelle que le top price est à 65 000 euros pour une Sioni tout à l'heure. Alors, il reste encore un peu de marge hein, pour atteindre ce prix, mais quand même. Nous sommes à 45 000 euros, 46 si vous voulez, 46 000. 46 000 euros chez Guy. À 46 000 euros, il faut mettre 8 maintenant, 46. À 46 000 euros, allons-y, mettez vos enchères à 46, 8 maintenant. 50, 50 000, 50 000. Ça réagit du tac au tac là. 55 000, 55 000 si vous voulez. Ah, est-ce qu'on aurait un top price maintenant, à 55 000 euros, toujours pas vous, Sylvain, l'enchère à 55, 60, 60 000 euros à droite, l'enchère de nouveau à 60 000, voulez-vous 5, à 60 000 euros à droite, l'enchère, vu Laura, à 60 000 euros qui couvre l'enchère de 60 000, bon poulain, je le répète, excellent canter ce matin, mère placée de groupe 1, gagnante de Stectos USA à 60 000, nous sommes à 60 000 euros qui couvre l'enchère de 60, 60, à 60 000 euros par vous, Laura, l'enchère. Que fait-on, Sylvain ? Ça va être le deuxième top price de la vente. 60 000 euros, Laura. 60 000 euros. On rappelle que le top price pour l'instant, c'est 65 000. Mais les enchères ne sont pas encore terminées. Mais j'ai l'impression que le marteau va bientôt tomber. Je ne vous entends plus, Guy. À 60. 60 000 euros, merci de votre aide. Le marteau se lève, on peut l'adjuger. À 60 000 euros, 60 000 euros, we are now for this lovely call by Slickly. À 60 000 euros, c'est votre enchère. Sylvain, contre vous, rien là. 60 000 euros, le marteau se lève, on peut l'adjuger. Dernière fois, dernier tour, par degré, last time, last call, Laura l'enchère. On l'adjuge. 60 000, Laura. Jean-Claude Rouget. Voilà, c'est ça. Jean-Claude Rouget. Allons-y.
qui a changé de place. Jean-Claude Rouget qui vient de se faire adjuger, le lot 49 à 60 000 euros. Donc on l'a déjà interviewé tout à l'heure, Jean-Claude Rouget. Hein. Il nous a dit que cette vente méritait d'avoir un peu plus de lots importants. Donc il sollicitait les vendeurs pour amener des lots de haut niveau ici parce qu'il y a une clientèle, a-t-il dit. Bah, notamment lui, par exemple. Ah, par contre, lui disait cette chose amusante, lui, ils achètent comme des yearlings. Les canters, ils ne la gardent pas. Ça, c'est du rouge et tout craché. Combien pour débuter les enchères ? Donc par le père, évidemment, d'avenir certain, mais de, également de Suédois gagnant du prix Servan. De... Alors, 60 000. Voilà, Jean-Claude Rouget qui a vraiment... pèse de tout son poids sur cette vente parce qu'il a acheté quasiment tous les plus gros lots d'ailleurs. Maintenant, une fille de Le Havre qui s'appelle Regalita. La mère est par Distant View. La mère a déjà fait un black type, Polytheo. 3e du derby du midi. Famille de baisers volés. 5, vieille souche française. 5, 6 maintenant. À 6 000 euros par bout, Sylvain Lanchère, 6 000. À 6 000 euros qui couvre l'enchère de Sylvain, faut mettre 8 maintenant. 6, 8 à droite maintenant, 8 000. À 8 000. À 8 000 euros par bout, Laurent Lanchère, 8 000. Le Havre, à 8 000. 8 000 euros qui couvre l'enchère de 8 000. Mettez vos enchères. 10. J'ai pris 10 là, voulez-vous doute. À 10, 10. 10 est à gauche l'enchère. 10 000. À 10 000 euros, 10, 10, 10, 10, 10. Tout à gauche l'enchère. 12 par bout, Laurent Lanchère à 12 000. 12 à 12 000 euros qui prend le relais. À 12 000 seulement, nous sommes. 12. 14 ici, 15 en face, 15 000, 15 000 en face par vous, Sylvain Lanchère, 15 000, voulez-vous 17, 15, 17 maintenant, toujours à gauche, Lanchère à 17, 17, à 17 000. Voilà, chers amis, je vous rappelle que vous êtes toujours en direct de l'hippodrome de la Teste de Buc, dans le sud-ouest, bien sûr, à côté d'Arcachon, pour l'édition 2015, en direct donc, de la vente Brise-Up, deux en montée, organisée par Rosarus. À 25 000 euros par à gauche, par vous, Guy Lanchère. Nous avons eu pour l'instant un top price à 65 000 euros, à quelques instants, un deuxième top price à 60 000 euros, acheté également par Jean-Claude Rouget et présenté également par le Ratsoboas, Paul Basquin. De Le Havre, une mère qui produit ici à 30 000 euros. 30,000 euros, we are now. À 30 000 euros, 30 000. À 30 000 euros, le marteau se lève de maintenant. Voilà, donc une Le Havre Alzane, pareil, dont les enchères montent. Par vous et contre vous, l'enchère Guy, pas d'erreur. 32. Qui plaisante ce matin. La mère Distant View. 33. Famille bien connue. Et puis la mère, elle produit bien. Hein. 4 vainqueurs déjà dans la Black Tie, je vous le rappelle. Polytheo en Alzane par Lando. 35 à droite en face de moi, à 35 000, 35 000, à 35 000 euros en face de moi, Sylvain Lanchère, à 35, à 35 000 euros qui couvre l'enchère de 35 000, 36 000, Sylvain, 36, c'est à gauche, par là, 36 000, 38 000, 38 000 euros toujours par vous à droite, l'enchère maintenant à 38, 38 000 euros, oui, à 38 000 euros toujours à droite par vous, Sylvain Lanchère, 38 000, faut mettre 40 pour la boire, 38, à 38 000 euros, bonne pouliche ici par Le Havre, par le père de Avenir Certain, à 38 000 euros seulement, Le Havre, la révélation des étalons français, 38 000, à 38 000 euros seulement, nous sommes 38, Sylvain, c'est vous. On est d'accord, faut essayer 40 si vous voulez, 40 000, 40 000, 40 000 par vous, Guy Lanchère à 40. 40,000 euros on the left side now, à 42 000, 42 000, 42 000, on y revient. Alors là, 42 000, ce n'est pas Jean-Claude Rouget parce qu'il n'est pas actuellement autour de la place habituelle. Enfin, en tout cas, le lieu, enfin l'angle des tribunes d'où il met les enchères d'habitude. À 42 000 euros qui couvre l'enchère de 42 000, l'enchère est en face par Sylvain. Guy, c'est contre vous? Pas de regret, on peut adjuger en face à 42 000 euros le marteau se lève. Je vais l'adjuger, la fille de Le Havre. Dernière fois, pas de regret. Fini, le marteau se lève. Je vous laisse faire, Guy. Dernière fois, on adjuge. 42 000 euros. Monsieur Fabrice Chappet. Merci, monsieur. Sylvain, votre enchère. Fabrice Chappet. Nous est maintenant présenté par le haras de la Barrelière. Fabrice Chappet, qui est ici. Né le 26 avril, fils de... 42 000 euros, bravo Fabrice. La Saïd. Félicitations. Tiens, mets-toi debout qu'on te voit beau. Tiens, allez, vas-y, la caméra là, viens. Hein? Quoi? Tu cherches pas la publicité? Il est discret, Fabrice Chappet. Regardez-le, ce poulain, fils de Montmartre. La mère par Ferry King, la grand-mère... Bon, c'est plus facile quand on n'a pas Jean-Claude Rouget contre soi, dis donc. Ouais, je sais pas, il doit être aux toilettes, sûrement. 42 000, qu'est-ce qui t'a plu dans la pouliche? La pouliche. Le père de papa, le petit Paris. Blague. La pouliche, et les talons à l'air de produire un peu, voilà. Ouais, c'est à peu près ça, Le Havre, ouais. On en entend parler. Merci Fabrice. Combien pour débuter les enchères? 20 000. Fabrice Chappet. 10 000. Toujours le sens de l'humour, caustique.
la mère italienne. Maintenant, c'est un fils de Montmartre qui a travaillé juste derrière ce matin, juste derrière le 49 qui a fait 60 000 euros il y a quelques instants. Et il a pas mal travaillé ce poulain, d'ailleurs, présenté par le haras de la Barolière. Joli cheval de Montmartre. Enchère 7000 à 7000 euros qui couvre l'enchère de 7000 euros 8 maintenant à 8000 euros par bout le roi l'enchère à 8000 euros. Voilà, alors la grand-mère elle a gagné le prix de Diane, Sylcilla. Elle n'a certes pas produit à son image, mais elle a quand même fait seul Mifa qui a gagné l'Istode. Et la mère, la Sayada, a produit beaucoup en Espagne parce que la. À 12 000 euros. Alors je ne sais plus son nom exact, alors j'ai honte de moi, mais le patron du haras de la Barolière est espagnol. À 12 000 euros, we are not. Donc c'est pour ça qu'on retrouve dans la production de la Saïda des fils de Humoul, de Baptiste, des étalons qu'on ne connaît pas, 4, ou mal en tout cas en France. Par contre, la mère est revenue en France, la Saïda, puisqu'elle a eu un produit de Martaline. Par vous, Sylvain Lanchère, à 13 000. En 2011, un Docteur Dino en 2012, et donc en 2013, ce fils de Montmartre, très joli, qui va être vendu à 13 000. La grand-mère gagnante du Diane et nous ne sommes qu'à 13 000 euros. Sylvain, c'est vous ? On est d'accord. 13 000. Vous les aimez, les Montmartre ? À 13 000 euros. À 13 000 euros, l'enchère par vous, Sylvain. Pas là. 13 000. Je vous laisse faire, Laura. À 13 000 euros, qui couvre l'enchère de 13 000 euros vu ? À 13 000 euros, pas de regret. Le marteau se lève. Je vais la juger à 13 000. Sylvain, c'est votre enchère. On est d'accord, hein ? Sylvain ? Sylvain ? Sylvain, c'est votre enchère, Sylvain. On est Sylvain, c'est votre enchère, d'accord. On va éviter le téléphone en même temps en prenant les enchères, ça va être plus simple. À 13 000 euros, l'enchère est en face de moi. Là, l'enchère, pas de regret. Ici, rien à droite et pas là-bas. On peut la juger. Last time, last call. Enchère en face par Sylvain. On la juge. 13 000. Sylvain. Le numéro 52 présenté par le haras de Saint-Arnaud. Paul Nataf qui a acheté ce fils de Montmartre. Fille de Diamond Green et La Splendide par Sleep and Core. Diamond Green fait des gagnants. Alors voici Diamond Green désormais. La mère par Sleep and Core a déjà donné le nomade, pardon. Alors, avec La Splendide, qui est une poulinière archi confirmée, mère de déjà de 10 vainqueurs, dont le Nomade, un fils de Nashwan, qui est Black Type, plusieurs fois placé de l'Istode. La souche de Le Glorieux, qui reste le seul et unique vainqueur français de la Japan Cup au début des années 80, sous la selle de Alain Lequeux, dit Le Quex. La Diamonie, présentée par le Rat de Saint-Arnoux, on retrouve la très présente Larissa Knepp. 5000 qui m'appelle 5000. À 5000 euros, 5000, Guy Lanchère. À 5000 euros, 5000. À 5000 euros qui m'appelle, à 5000 euros qui couvre l'enchère de 5000 seulement. La fille de Diamond Green à 5000. 5000 euros, à 5000. Donc on arrive dans la phase finale de cette vente, hein, parce que le dernier lot, c'est le 68. Maintenant à 6000, à 6000 euros qui couvre l'enchère de 6000 euros, allons-y à 6000, à 6000 euros qui couvre l'enchère qui prend le relais 6, à 6000, oui, à 6000 euros qui prend le relais, nous ne sommes qu'à 6000 euros, 6000, 7000, fresh bidder, à 7000 euros, John, votre enchère à 7000 là-haut, à 7000, à 6000. 8000 maintenant, de nouveau par vous, Laura l'enchère. 8000, 9 maintenant. À 9000 euros par vous, Laetitia l'enchère maintenant là-haut. Par vous, Laetitia, rien à droite, pas à gauche, à 9000. À 10000, 10000, Laura l'enchère de nouveau à droite, à 10000. À 10, à 10000 euros qui couvre l'enchère de 10000, 10. À 10000, 12 maintenant, 12000. À 12000 euros, toujours en face de moi l'enchère, à 12000. À 12000 euros, de nombreux gagnants ici de la mer, 14 à droite, de nouveau 14. À 14000 à droite, l'enchère, 14. 14000 euros, Laura, votre enchère pour le moment à 14000. 14000 euros, pas en face, rien à gauche, à 14. 14000 euros, vu. 14 000 euros, pouliche bien amené ici par Diamond Green, pas de regret. 14 000 euros, le marteau se lève et on va la juger. Qui met 16 ? On est 16 quelque part, c'est contre vous Laetitia et rien à gauche. À 14 000 euros, vu, l'enchère à droite par Laura, dernière fois à 14 000 euros. Last time, last call à 14 000 euros. 14 000, Laura c'est chez vous. On est d'accord, le marteau se lève, rien en face, pas à gauche. Dernière fois, dernier appel à 14 000, fini, on la juge. 14 000. Laura. Voilà, de nouveau Laura qui est très en verve. Elle a beaucoup de clients en face d'elle. La délicieuse Laura. Laura qui est ici, la jolie blonde. Et donc, c'est la boîte qui va monter
nombreux premiers. Voilà. Faire signer le bulletin vainqueur à Charles Gourdin. Dans la famille, Clamaby vient de se placer deuxième du Greenwood Handicapper de la... Charles Gourdin qui est ici. Alors Charles Gourdin, est-ce que tu as trouvé une perle ? Ah bah, j'espère déjà avoir trouvé un cheval de course utile, ce sera déjà bien. Petite fille. Non, c'est une jolie pouliche que j'aimais bien, qui a beaucoup d'espèces, avec un beau papier. Voilà, pour une nouvelle propriétaire. Pour une nouvelle propriétaire, ça manque un peu, c'est bien. Ouais. C'est une dame qui a décidé d'investir un petit peu dans l'élevage et qui a déjà une structure assez importante dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Très bien, d'où l'intérêt d'acheter une pouliche, évidemment. Merci Charles. 3 000 euros, l'or à l'enchère, à 3 000 euros, qui couvre l'enchère de 3 000 euros, mettez vos enchères, 3 000 euros. Alors, le 53, la fille de nombre premier, présentée par le Haras des Corses, Aurélien Kahn. La famille de Le Triton. Le Triton, Diamond Green, alors là, le produit ne va pas se vendre, mais qu'à... le diamant nombre premier qui a fait les belles heures de l'élevage du Sud-Ouest à l'époque où il était stationné pendant des années chez le docteur Frémio, le président du syndicat EXO. Ou Haras des Corses. Pour le moment à 6 000. Vu à 6 000 euros, l'enchère est là et on va être jugé, pas de regret par Boogie. À 6 000 euros, pas de regret, dernière fois, pas en face, plus à droite. 6 000 euros, la fille de nombre premier, pas de regret nulle part, c'est vu. Dernier appel à 6 000, là l'enchère par Boogie. Laura, que fait-on? 6 000 euros, le marteau se lève, on peut la juger. La fille de nombreux premiers, pas de regret nulle part. Pas de regret nulle part. Fini, on la juge. 6 000, Guy, votre enchère. Bon. Le numéro suivant est le numéro 54. Passons au 54. On retrouve The Channel Consignment avec un fils de Rock of Gibraltar et Lady Bering. Fils de Rock of Gibraltar et Lady Bering. Voilà, alors un étalon très confirmé, Rock of Gibraltar, un père de mère très confirmé aussi, puisqu'il s'agit de Bering. Et si on remonte la lignée basse, au niveau des pères, on trouve Nourieff et Danzig. Le voici. La mère a produit une gagnante. C'est intéressant de constater qu'on retrouve Northern Dancer. Bon, il est omniprésent, Northern Dancer, mais on le retrouve... Alors, au niveau de la 1-2-3e... Quatrième, pardon, ligne de production, on l'a trois fois. C'est marqué sur le catalogue. Mais il faut savoir que si on remontait une génération précédente, on le retrouverait à nouveau comme père de Lifar et comme père de Danzig. Et peut-être que j'en oublie. Donc voilà, à quatre générations, le cheval est présent à 7 reprises dans le pedigree de ce lot 54. 5 000 euros, mettez vos enchères. 5 000. À 5 000 euros seulement, 5 000, à 5 000 à droite l'enchère, à 5 000 euros qui couvre l'enchère de 5 000, 5 000, à 5 000 euros, mettez vos enchères s'il vous plaît, 5 000, produit de Rock of Gibraltar, à 5 000 euros seulement nous sommes, 5 000, à 5 000, 6 000, 7 000, 7 000, 7 000 Laetitia. La mère Lady Bering a déjà donné Gibraltar, qui contrairement à ce que son nom l'indique, n'est pas la propre sœur de ce fils de Rock of Gibraltar, parce que c'est une fille de King's Best qui a gagné l'année dernière. À Lyon, pareil, la grand-mère a gagné l'Istad à Newcastle, outre-Manche. Elle a donné naissance à Nova Step qui a gagné, elle, le Critérium de l'Ouest à Cran, plus près de chez nous. Ainsi que le prix Ronde de Nuit d'ailleurs, à Deauville. Voilà, donc la mère sœur d'une bonne pouliche précoce, Nova Step. Si vous voulez, 13 000, à 13 000 euros par vous et contre vous, Laetitia l'enchère, à 13 000 euros qui met 15, 13, à 13 000 euros le match de Gibraltar, à 13 000 euros, la mère a produit une gagnante d'ores et déjà, à 13 000 par vous, Laetitia l'enchère. Que fait-on? 13 000, pas à droite, pas là. 13 000, à 13 000 euros, 13 000 euros, à 13 000, le marteau se lève et on va la juger par vous, Laetitia. Tiens, Jean-Claude Rouget. Jean-Claude Rouget, là, c'est le monsieur là, qui est là. Jean-Claude Rouget vient refaire son apparition dans les tribunes. Est-ce qu'il vient voir Brûle Parfum, le vertigineux qui passe après? Ou alors la fille de Sunday Break? Oui, sans doute la fille de Sunday Break qui va passer avec le lot 56. Yann Kreff présente Brûle Parfum pour...
Poulain B, né le 5 mars, un fils de Vertige. 13 000 euros pour le 54. Poulain est vendu 50% sans TVA. Alors voilà, Yann Kreff, déboureur pré-entraîneur à découvrir sur francecire.com, nous présente Bru, le parfum, fils de Vertigineux qui a fait un bon boulot ce matin à la mère Land of Life par Lando, grand-mère par Greentune, la famille de Kurokami qui a été un bon cheval au Japon, bonne jument au Japon, la souche de Trèves, puisque la quatrième mère Margravine était la sœur de Trillion, donc c'est la souche de Trèves, Moonlight Dance également dans cette famille, puis il y a plein d'autres hein, parce que bon. Depuis les années 70, on a fait des gagnants. Donc voilà, Vertigineux, qui est le père de Dupila, qui est resté invaincu et a gagné Salistud hier à... Non, une course B, pardon, hier à Longchamp. Vertigineux, dont je vous rappelle que les premiers produits ont 3 ans. Sur le marché à 4 000 euros maintenant, 4 000, 4 000, allons-y les enchères, à 4 000, approche par les égards, 4 000, 6 000, 6 000 enchères, 7 000 enchères. C'est le deuxième produit de la mère qui avait déjà eu un produit de Vertigineux en 2012, qui a été deuxième ici à la test l'an dernier. Plus que ça quand même. Pour Poulain ici à 8000, qui a montré une belle action là aujourd'hui à 8000. Ah, 8000 nous sommes dans 8000, 10000, 10000 enchères maintenant, 10000, 10000 nous sommes 10, 12000 enchères. À 12000 nous sommes dans 12000, à 12000, le père de chevaux de groupe à 12000, Dupila à 12000, joli modèle ici, à tout bon modèle ici à 12000, à 12 enchères maintenant, 12000. C'est bien vu, à 12 000 seulement, 15 000, 15 000, on gère dans 15 000, à 15, 17, 17 000, on gère dans 17 000, à 17, à 17 000, arrondissez s'il vous plaît, à 17 000, on maintenant à 17 d'une croisement qui est déjà bien réussi, à 17 000, à 17, 18, vous le voulez l'heure là, à 17 000, on gère 18, 18, arrondissez alors, 20 000, on gère, à 20 000, nous sommes 20 000, à 20 000, on gère maintenant, 22, voulez-vous maintenant, monsieur, 20 000, 20 000, 20 000, on gère, 22, 22, un tube au poulain ici, à 22, à 22, croisement bien, à 22, 25, 22, on gère. Voilà, donc évidemment, depuis les performances de Dupila, la cote de Vertigineux a considérablement augmenté. D'autant plus que ce brûle-parfum est très signé de son père. 22 000 euros, c'est vrai qu'il a bien bossé ce matin, mais là, du coup, il y a un focus projecteur qui ont été braqués sur Vertigineux, qui fait toujours la monte au Hardeck Morte. À 23, 24, 24 000, 24 000, vous voulez la guille. À 24 000, 80, 24 enchères. À 24 000, à 24 000, par le père de très facile vainqueur hier. 24 000, à 24, 5, vous voulez 25, 25, 25 000 enchères encore. À 25 000, 25 000, l'enrée, vous l'avez presque là. À 25, 25, 6, vous voulez encore maintenant. 25, 26 000, 26 000, là-haut, 26 000, à 26 enchères. À 28, joli poulain ici, à 26 000, à 26, 7, vous voulez. Est-ce que nous avons de nouveau Jean-Claude Rouget qui fait monter les enchères? C'est tout à fait possible. Monsieur, maintenant, à 27 000, 30 voulez-vous ? À 25 000, l'enchère maintenant, 27, 27, l'enchère, 30, 30 pour l'avoir. Oui, c'est lui. Voilà. Voilà, c'est lui. Qui marcherait la classe aussi à 30 000. À 30 000, joli poulain, 30 000. À 30 000, sur vous là. À 30 000, qui ? C'est contre vous là. Rien en face, repenez par vous, Laetitia. À 32, l'en 30 000, l'enchère maintenant, 30 000. Fini là, à 30 000 euros. Par le juge. Et voilà Jean-Claude Rouget qui a acheté le joli poulain là de Vertigineux. Vertigineux, retour de flamme pour Vertigineux. Et puis un cheval qui a. Ouais, il a du bec, hein. Il a un truc ce cheval. Présenté par Yann Kreff. Il a un joli nom en plus, brûle parfum. Notez qu'elle est vendue sans TVA. Sœur d'une gagnante à 2 ans, comme on dit, d'une fille de Invincible Spirit, d'altitude pour chanter le peuple, vous verrez le royal, le moi, le mystérieuse. Belle suche française là, modèle costaud. D'une fille d'Invincible Spirit et d'une fille aussi de Arasi, allez, Darella, donc famille internationale.
Sur la fille de Sunday Break, combien de temps ici pour le début des bars? Allons-y, 5000, le qui a 5000, donnez-moi 5000, mon épreuve grand ici à 5000. La série des gagnants de 2 ans, à 5000, qui a 5000, donnez-moi 5000, qui a 4 bars. À 5000, 3000, alors, qui a 3000, donnez-moi 3000, 3000, près de 3000, 3000, qui a 4 bars, mettez vos enchères, 3000, voulez-vous? À 3000, vous débutez très bas, 3000, très bon, enchères, 3000, Arnaud, votre enchère, merci Arnaud, à 3000, et bienvenue là, à 3000, ça maintenant, 3000, à 3000, à 3000, à 3000, enchères, à 3000, suivant, s'il vous plaît, à 3000, à 3000, ça maintenant, 3000, la sœur. Tu gagnes, gagnante à 2 ans, 4000, 4000. La mère parle un business bureau de 4000. À 4000, la grand-mère parle à Razi, excellent 2 ans. À 4000, 4000, 4000 enchères. À 4000, tu voulais parler au 5000, 5000 enchères. L'ordre maintenant à 5000. À 5000, 5000, 5000 enchères maintenant à 5000. La grande suite de 6000 enchères maintenant à 6000. 6000, 6000, 6000, votre enchère maintenant à 6000. À 6000, voici la tige, 7000 euros. À 7000, vous. Voilà, Kona, présenté par l'écurie des Chaumes à découvrir sur France Cire. Emmanuel Nicolo installé à Machecoul. Et qui nous présente une fille de Sunday Break, la mère par Invincible Spirit, qui a fait un bon boulot ce matin. Une souche Wildenstein, puisque c'est celle de Lup, la quatrième mère Lup, la grande Lup, d'où loup sauvage, loup solitaire, loup breton, et tant d'autres. C'est lui de loup. À 11 000, 11 000, 12 000, vous Laetitia. À 11 000, nous sommes l'enchaîne à droite ici. À 11 000, plus vous là. À 11 000, 11 000, c'est bien vu. Fini. À 11 000, on va juger alors. À 11 000, 12 000, enchères. À 12 000, à 12 000, regardez la suche maternelle là. À 12 000, 12, 13, 13, 13 000, enchères. À 13 000, la fille de Sunday Break ici. À 13 000, vous connaissez très bien les talents là. À 13 000, 13 000, à droite, enchaîne maintenant. 13 000, plus vous là. Plus vous là, Laetitia, rien à gauche là. À 13 000, vous pouvez juger. À 13 000, attendez, McLaren de tombe, s'il vous plaît, maintenant, 13 000. On va juger cette fois-ci à 13 000 euros. On le juge. Laura, merci beaucoup, 13 000. Voilà, 13 000 euros pour la fille de Sunday Break, présentée par Emmanuel Nicolo. Alors, qui a acheté Jean-Pierre de Roubaix? Le numéro 58 est présenté par Laura du Saubois. Minson. La petite fille qui crie, c'est la fille de Gulven Toupel, la petite dernière. Fils de et Minson. Donc, tiens, le. Voilà, donc le 57 est absent, le 58, c'est présenté par le rat de sous-bois. Minson, il s'appelle. Et c'est un fils de Never on Sunday, fils de Sunday Break. Et Minson par Vettori, élevé par le rat des Granges. Et ce cheval avait été vendu 35 000 euros. Yearling ici même. Donc, et il a fait un très bon boulot ce matin, donc on peut s'attendre à ce que ce cheval béfoncé fasse un bon prix. Never on Sunday, dont on s'impatiente, on trépigne de voir les premiers 2 ans cette année. On en a vu déjà un ou deux qui se sont placés dès le tout début de la saison. L'enchère en face par Laetitia à 15 000. La fille se débrouille en ascendant du modèle puissant ici à 15 000. Regardez, qu'est-ce qu'il est beau. C'est quand même le frère de Midsommar. Hein. Midsommar, c'est bien. Hein. Il a raté le Black Tie de très très peu, 4e du prix des chaînes l'an dernier. 17 000. À 17 000, vous ne voulez pas mettre 20 maintenant, 17 000. À 17, 10 ans, l'enchère maintenant, 18, voulez-vous maintenant, Laetitia. À 17 000, je vous laisse faire, 18, alors là. À 10 000, là, on a l'enchère maintenant, trop tard là. À 18 000, l'enchère maintenant, 18 000, vous ne voulez pas mettre 20, 18 000, l'enchère. À 10 000, nous sommes 20 000, 20 000, l'enchère maintenant, 20 000. À 20 000, nous sommes à 20 000, à 20 000, tout beau poulain ici, à 20 000. À vraiment beau, du monde est puissant d'ici à 20 000. À 20 000, c'est le frère de place du groupe, 22, à gauche, l'enchère maintenant, 22, Sylvain. À 22, l'enchère maintenant, 25 000. Je vous rappelle que ce cheval a été acheté yearling 35 000 euros. Donc j'imagine que s'il n'atteint pas ce tarif, il sera racheté. Mais j'imagine aussi qu'il va l'atteindre ce tarif. Parce qu'on en est déjà à 27, 20, 30, 30 000 euros. Voilà maintenant. Fils de Never on Sunday, première génération de l'étalon du Haras des Granges. Voilà, ça y est, on a atteint le prix d'achat yearling, 35 000 euros. Maintenant, l'idée, c'est de faire une plus-value quand même.
Blanche Lucie à 35, 37, 37 000. À 37, vous le vendez à 40 maintenant, Laetitia. À 37, Blanche, 40 000, 40 000, 40 000, Blanche. Alors, Blanche va dans 42, 42, 42. Vous changez maintenant, 42 balles, la 10 5, 45, vous le faire maintenant, 50 maintenant, 45 000, à 45, 50 000, 50 000, 50 000, 5, voulez-vous encore, à 50 000, 50 000, 50 000, 50 000, 50 000 euros. 50 000, 50 000, voilà, Sylvain, 52, là, on l'a. Je crois que c'est de nouveau Jean-Claude Rouget qui met des enchères. 52, tu veux beaucoup là, 52, 42 là, à 52, le frein de place du groupe. Je vous rappelle qu'il a acheté tous les lots, quasiment tous les lots les plus chers de la journée, dont les, au moins les deux top price à 65 et 60 000 euros. N'arrêtez pas s'il vous plaît, là on a 52, 7, on est encore maintenant, 57, ouais. 57, arrondissez s'il vous plaît, 57. C'est lui, c'est toujours Jean-Claude Rouget qui continue de mettre des enchères et qui là a l'enchère actuellement gagnante, provisoirement en tout cas, à 57 000 euros. Pour l'instant, il a remporté toutes les batailles d'enchères auxquelles il a participé. Alors, je ne sais pas si ça va être encore le cas pour celle-ci. J'essaie de savoir qui est le sous-enchérisseur. 58, 58, arrondissez alors. À 58, oui, 60 000, bravo. 60 000 enchères maintenant, 60 000. Et là, le cadre, là, 60 000. Très bien équilibré à 60 000. Soit tout beau poulain. À 60 000, 60 000. Nous vendons toujours pas derrière ici à 60 000. À 62, à 32, si vous voulez maintenant. Laetitia, 60 000, 60 000 enchères. À 60 000, nous sommes, c'est bien vu. Fini là, à 60 000. Fais-vous là, Laetitia, n'attendez pas que le marque tombe. À 60 000 enchères à droite. À 62, 62 000, nous sommes 62, 62. À 62. Le cheval est défendu actuellement. Alors là, on est à deux doigts du co-top price, puisque le top price pour l'instant était à 65 000 euros. Paul Basquin est en train de défendre son cheval à 62, 63 000 euros. Non, voilà, Paul Basquin a fait un signe comme quoi il ne montrait plus les enchères pour défendre son propre cheval. Donc le cheval est adjugé à Jean-Claude Rouget, donc qui a acheté au moins les trois plus gros prix, 65, 63 à cet instant et 62, je sais plus, 62 000 je crois. Donc voilà, Paul Basquin. Du Harad Soboas. Regarde-la bien. Très typée, une petite fille de. Mais qui deux fois dans le cadre. Pas de 59. Hein, le 59 est absent. On va passer directement au 60 d'Algar. Une fille de D'Algar. Donc voilà, l'acheteur, il est là. Le vendeur, il est là. Et nous avons l'éleveur derrière, Mathieu Daguzan-Garros, qui avait vendu ce poulain 35 000 euros à Paul Basquin au mois de septembre. Donc, le 60, le Rat Saint-Arnoux. Alors, pourquoi je ne vais pas interviewer Jean-Claude Rouget? Parce que sinon, j'y passerai ma journée. Forcément, on l'a déjà interviewé tout à l'heure quand il a acheté le top price. Vous allez retrouver cette interview un peu plus tard dans la journée, un peu plus tard dans la soirée, de façon isolée, qu'on va isoler du direct et qu'on va poster et publier sur francetire.com, une interview très intéressante, comme d'habitude d'ailleurs, souvent de Jean-Claude Rouget qui nous expliquait sa politique d'achat pour les deux ans au Brise-Up et ce qu'il pensait de la vente en général d'ailleurs. L'enchaîne à gauche là, à 12 000, dernière fois, dernière tour d'horizon, l'enchaîne pas qui toujours maintenant à 12 000 euros, 13 voulez-vous blanc là, à 12 000, insistez un peu là, à 12 000 de ce matin, merci mon frère, à 12 000, à gauche, 13 000, 13 000 enchaînes, à 13 000, 13 000 enchaînes maintenant, 13 000, à 13 000, 14 000 voulez-vous, à 13 000, 13 000, 13 000 euros maintenant, à 13 000, quand vous la guillez, à 13 000, l'enchaîne à droite ici, à 13 000, on va juger alors, à 13 000 là, c'est bien vu, à droite l'enchaîne, à 13 000 euros, on juge. Merci beaucoup, là 13 000. Le numéro 61 est présenté par le Haras de Bernès. Une pouliche alsane née le 28 février, c'est une fille de soie. Voilà, 13 000 euros pour le 60. Ah, le 61, la fille de Soave, que j'avais bien aimé ce matin au travail. Ah, tandis qu'à 13 000 euros, c'est comment il s'appelle? Je l'ai vu tout à l'heure, je ne sais plus qui c'est, je vais le retrouver.
qui a acheté le lot précédent. Donc Soave qui est un étalon extrêmement confirmé dans tous les registres des 2 ans, des 3 ans, des chevaux d'obstacles, qui fait la monte cette année au Haras du Lion et qui nous présente une pouliche issue de Newcastle par High Yield. High Yield, son grand-père maternel, dont elle tire la robe alsane claire et ses 3 balsanes blanches. Balsane 3, cheval de roi. Et c'est une souche en forme, hein, puisque Newcastle la mère, placée de Listed, est tout simplement la sœur de la mère de Body, qui a gagné le prix de Guiche l'an dernier. Est-ce que Jean-Claude Roget pourra acheter ce cheval? Je n'en sais rien. Cette pouliche est présentée par le Rat de Bernesque. Elle est irlandaise, mais elle est assimilée FR. Hein. C'est la souche de Black Escort également, super sprinteuse, gagnante du prix de la Vallée d'Auge. D'une petite fille de son mode là, à 7 millions, à 7 millions, 8 000 enchères, à 8 000 le sœur, à 8 000, 8 000 l'enchère maintenant, 8 000, 8 000, 9 000 volus, 9 millions euros maintenant, 9 000 les familles, 6 sur cela, 9 000, à 9 millions maintenant, 9 000, 9 000, je vous laisse faire là, Laetitia, à 9 millions euros maintenant, 9 000, 10 000 enchères là, 10 000 là-haut là, mon enchère maintenant, 10 000, le vol enchère les 10 000, à 10 000, 10 000, 10 000 enchères maintenant, 10 000, 10 000, 11 000 volus, à 10 000, mon enchère Laetitia, 11 000, 11 000 enchères maintenant, 11 000, 12 000, 12 000 là, à 10 000 dans la main gauche, à 12 000, à 12 000, 13, 13, 13 000 enchères, 14 000. 14 000, c'est un peu cher pour nous malheureusement. Pourtant on l'aimait bien cette pouliche. Hein. À 20 000 euros la fille de Soave, étalon commercial la preuve. Je parle à Tizia, faut dans la main gauche à 20 000, 20 000 le serment d'avant 2, voulez-vous encore monsieur, à 22, 22, l'enchaîne maintenant 3, voulez-vous, 22 000, 3, voulez-vous, à 22, 25, oui merci, 25 000, à 25 000, 25 000, excellent suge maternel, à 25 000, à 26, sur cela, la route d'honneur, à 6, sur cela, à 25 000, 25 000, plus vous là monsieur, 25 000, je vous entends plus là, 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 25 000, 25 000, l'enchaîne maintenant. Oui, 25 000 euros quand même. Ah bah, on trinque, hein. Ça, ce sont des acheteurs, les acheteurs du lot précédent à 13 000 euros. Ici, c'est Robert Paulin, le nouveau photographe d'Osarus, qui prend carrément une petite coupette. Il a bien raison. Et Robert, il est bon ? Il est bon, Jean ? Il est bon, ça va. Ouais, ça va. Il est chaud. Ben, nous, on va en prendre parce qu'on n'a pas eu de champagne. On n'a pas eu de champagne, nous, encore, à Francir. On prend une petite coupe de champagne. Vous voyez, c'est la perspective où j'achèterai un poulain. Ah oui, on va trinquer ensemble. C'est toujours une bonne occasion de boire du champagne, surtout à Osarus. Il y en a qui bossent. Oui, tu parles pas Arnaud, de toi. Allez, une petite coupe. Pendant qu'on est en train à 39, 40 000 euros, la fille de Soave, mesdames, messieurs, elle a fait un super boulot ce matin. Et alors, 40... Attendez, 42, 45, on s'enflamme. Attends. Voilà. C'est mieux comme ça. La première. 50 000 euros, mesdames, messieurs. Une fille de Soave à 50 000 euros. Et pour une fois, ce n'est pas Jean-Claude Roget qui est en train de mettre les enchères. Non, voilà, je vérifie. C'est bien là. Il n'est pas là. Attendez. Et c'est une Soave qui va faire quasiment les top price. Le top price est à 65 000 euros. 63 000 euros. 60 000 euros également. Là, nous en sommes au quatrième prix de la journée. On a le juge. Ah, je vais aller voir qui a acheté ce lot à 55 000 euros. On passe au 63, présenté par The Channel Constantment. Un poulain gris, né le 9 mars, un fils de Quin d'Argent et Park Claim par Clodoville. Bon bah c'est racheté, ce qui est un petit peu surprenant à un tel niveau, mais... Alors on va passer au suivant, le lot suivant est absent, donc au lot suivant. Fils du banquier d'argent, qui ne cesse de faire que des grands vainqueurs, Russia d'argent, Ken Hope, Ken... Voilà, c'est racheté, donc Robert Paulin fort sympathiquement était venu prévenir Loïc Stacher qui fait les photos aujourd'hui, que c'était... qu'elle n'intégrera pas malheureusement les top price de la journée puisqu'elle était rachetée. Alors le 63 désormais. Combien de temps vous débutez? Allons-y, 20 000, qui a 20 000, donnez-moi 20 000, le fils qui a d'argent ici à 20 000, 20 000, 10 000, 10 000, alors qui a 10 000, 5 000, 5 000, prenons 5 000,
5000 quelque part, allons-y, les enchères, les ça monte beaucoup plus que ça quand même. 5000 à droite, à 5000 l'or, à 5000 le sommet, à 5000, à 5000 le sommet, à 5000, à 5000 du titre de club de Milici, à 5000, 7000 euros maintenant, à 7000 Laetitia, à 7000 euros, à 7000, à 7000 le sommet, à 7000, allons-y, à 7000, à 7000 frères déjà de vainqueur, à 2 euros, à 7000 recrude, à l'Angleterre, à 7000, à 7000 enchères maintenant, à 7000, vous le même, à 8000, 8000 enchères, à 8000 le sommet, à 8000 Laetitia, quand vous là, à 8000 enchères maintenant, 8000, 10000, 10000 enchères, à 10000 le sommet, à 10000, looks a runner, doesn't it, 10000, 10000 enchères maintenant, 10000, 10000, 12, vous le encore maintenant, à 10000, 10000, 10000 enchères, à 10000 en face. Ah, Nicolas de Vatrigan, de Mandor Agency, qui a l'air très concerné par le lot 63. Ken d'Argent, présenté par, magnifique Ken d'Argent, présenté par The Channel Consignment. 15000 enchères en face par Laetitia, 15000, vous le voyez, 17, à 15000 enchères ici, à 15000, d'une fille excellente, Claude Ville ici, par Ken d'Argent, à 15000 enchères, à 15000, 15, vous le voyez, 16, Laura, à 15000 enchères en face ici par Laetitia, à 15000, 15000, 15000, nous sommes des familles très vivantes, à 15000, la Frenenburg Banker à 2 ans l'année passée en Angleterre, à 15000, 15000, nous sommes dans 15000, c'est bien vu, l'enchère en face par Laetitia, on va juger, alors 15000, maintenant se lève. À 15 000, c'est sûr, pas d'erreur nulle part. À 15 000, on va trancher à Laetitia. À 15 000, le somme. On la juge. Laetitia, merci beaucoup. Le numéro 64 se nomme Fleur de Lissac. Elle est présentée par Gaëc de Montfort, une pouliche née le 3 mai, fille de Vertigineux. C'est vendu, c'est vendu, voilà, c'est vendu. La seule pouliche Vertigineux dans le cadre là, oui, c'est le père de Dupuis-là. C'est bel et bien vendu. Bel et bien vendu, je ne connais pas qui. Bon. J'ai essayé de savoir qui c'était. Voilà, Alban Chevalier Dufaux, c'est lui que je viens de questionner pour savoir s'il connaissait l'acheteur, l'identité de ce jeune acheteur, et il ne connaît pas. Je vais me renseigner. L'année passée de Night and Thunder qui reste à l'entraînement chez Richard Hannon Jr. Combien on peut tourner ici pour débuter très bas, 5000, allons-y, 5000 qui a 5000, allez-y à 5000 quelque part. À 5000 euros maintenant, à 5000, à 5000 d'une fille de Galileo ici, à 5000, à 5000 mettez vos enchères, à 5000. Alors une petite fille de Galileo, fille de Vertigineux, tout à l'heure ça a bien marché pour Vertigineux, 30 000 euros, achetée par Jean-Claude Rouget. Et elle s'appelle Fleur de Lissac, présentée par le Gaëc de Montfort. Donc la famille sous la troisième ère de Night of Thunder, la championne gagnante des 2000 Guinées, le champion pardon gagnant des 2000 Guinées et des St. James Palace Stakes et des Queen Elizabeth II Stakes qui reste à l'entraînement, comme nous l'a indiqué John O'Kelly chez, bah, chez Richard Dunnan Jr. Merci, 4000, 4000 enchères. À 4000 enchères maintenant, à 4000, 4000 versets, on dirait de 4000. Je ne vous ai pas vu là, mademoiselle. À 4000, 4000, 5000, 5000 enchères maintenant, à 5000. À 5000, 5000 enchères maintenant, n'arrêtez pas s'il vous plaît maintenant, à 5000. À 5000, on passe par Laetitia, à 5000, et plus voilà, droite là. À 5000, c'est maintenant, à 5000, c'est bien vu. Fini là. Merci, mon frère. Le marteau se lève à 5000. Par le juge. Laetitia, 5000, merci. On va enchaîner avec le numéro 65 qui est présenté par Stéphane Leblanc. Wheel of Fortune, la pouliche noire pangarée, née le 13 février, fille de Soldier of Fortune et Pavlovna par Singspiel. Notez que dans la famille, sa sœur Pizza vient de se classer deuxième du prix de Marny-les-Compiègne le 16 mars, troisième du prix de Clermont-de-Loise le 26 mars. Et également quatrième du prix des Miramions sur l'hippodrome de Longchamp le 23 avril. Des tubes d'origine, la mère et les sœurs de deux groupes. Bon, 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 Wheel of Fortune, la roue de la fortune. Présentée par Stéphane Leblanc, une fille de Soldier of Fortune avec une mère par Singspiel. Ah, la mère Pavlovna, c'est une sacrée famille, hein. C'est la sœur de Recital, Corey Caminos, Reisinger et tant d'autres. Grande souche de Diora de la Roboursière et de Montaigu. Donc évidemment, Soldier en Fortune n'est pas catégorisé dans le registre des deux ans de précocité.
qui maintenant à 6000, 6000 enchères, maintenant contre 7000 euros. À 7000, nous sommes maintenant à 7000, 7400 euros, et Mélenchère là, monsieur. À 7000 enchères, la gauche là, plus beau téléphone là, 7000 Mélenchère. À 8000, nous sommes, oui, j'ai eu un but Mélenchère maintenant, 8000. La 6ème, Mélenchère maintenant, on va chercher une autre. 7-9000 euros maintenant, chercher un autre là, la 6ème, s'il vous plaît. 9000, Mélenchère, 9000, 9000, 10000 euros encore, monsieur, maintenant. À 9000 euros, c'est plus beau là, 9000, 10000, 10000 enchères. La 6ème, c'est Mélenchère. À 10000, merci pour votre aide quand même, 10000. À 10000, 10000 enchères. Bravo, Laetitia, 10000 enchères. À 10000, 10000, 10000 enchères maintenant, 10000. La sœur du vainqueur, la 10000, la 10000 par Soldier of Fortune, 10000. À 10000, 11000, 11000, 11000. Le père de la Ménoire, 12000, 12000 enchères, la 12000. La mère et sœur de deux groupes, 12000, Recital, Camino, Corée Camino, 12000, 12000, 12000, 12000, 13000, 13000. La famille Boréal aussi, à 13000. Que de black type dans la famille. Alors, on arrive pratiquement à la fin. Hein. Le 65, il y a 68 lots au catalogue. 13000, qui prend les battants, 13000. Deux charts, ce sera le 66, le 67 est absent, et donc on finira avec le 68, le Country Reel. Allez, 13 000 euros pour le Soldier of Fortune, qui a fait un canter montrant pas de précocité ce matin, mais un peu d'envergure. 13 000 euros pour Wheel of Fortune, la femelle de Soldier of Fortune. Alors, deux charts, là c'est du précoce, avec une mère par Tease Now. Tease Now, qui a été élevé en Californie, Tease Now. Terra Fina vient de s'imposer et également s'est placé dans une autre épreuve, notamment le prix de l'Aqueduc à Longchamp le 23 avril, totalisant aujourd'hui 31 100 euros pardon, de gains. Et c'est aussi la famille de Designo, placée de deux fois licite. D'après l'apparition du catalogue, le seul by Dutch Act dans le catalogue, le père de Lady First, Lightning Thunder, Lady Ducci, de bonne taille, super papa et maternel, celui de famille Niakos, combien veut-on ici, 40 000 bleus, 40 000, 40 000, donnez-moi 40 000, 40, 10 000, alors qu'il y a 10 000, donnez-moi quelque part 10 000. Allez, mettez-vous allez, deux charts, cheval de précocité, vainqueur du prix Morny, paire de chevaux de vitesse, Gartswood qui a gagné le Maurice de Guest, Slide Power, le Diamond Jubilee Group 1 et la Jewel High Cup. La famille de Divine Proportion, parce que la troisième mère c'est Mythical Reality, la mère de Divine Proportion et Weeper. Nous sommes maintenant 8000, à 8000 arrondissez maintenant au moins la Laetitia, à 8000 enchères à la gauche, 12000, 10000 enchères, excusez-moi, 10000, à 10000, 10000, 10000 enchères maintenant, 10000, sœur de Terra Fina, 10000, 12000, 12000 enchères, à 12000, 12000 enchères, à 12000, la mère et sœur de Ocean Silk, à 12000, à 12000, 15000, 15000 enchères, à 15000, 15000, la bonne famille, proche famille de Designo, à 15000, 15000, 13000, ok, 13000, à 13000, de sœur, à 13000, à 13000 enchères, c'est la dernière pouliche dans le catalogue, 14000, à 14000, et qu'est-ce qu'elle est bien. Voilà donc la mère par Tease Now. Tease Now, c'est le seul et unique cheval qui a accompli un doublé dans la Breeders' Cup classique, battant à l'une de ces deux occasions d'ailleurs Giant's Causeway en 2000, né en Californie, dans un immense hara, le même hara d'élevage que California Chrome. Et un reportage de fait à cette occasion d'ailleurs sur France Cire. À 17000, 17000 euros maintenant, à 17, 18, 18, mettez 20 maintenant. À 18, mettez 20 volumes maintenant, à 17000, 18, excusez-moi, 18, l'enchère ici à 18000, plus vous la Laetitia à 18000, la fille de Dutch Art ici à 18, 18, l'enchère maintenant, 18, c'est bien vu. À 18, 18, 20000, 20000, l'enchère à 20000, à 20000, 19, 19, 19, et 20 pour vous maintenant, à 19, et arrondissez au moins là, à 19000, l'enchère, l'enchère à 20000, 20000, l'enchère maintenant, 20000, vous avez failli l'avoir quand même là, à 20000, où alors, nous allons chez les heures. 22, 22, l'enchère maintenant, 22, 22, l'enchère maintenant, 22, à 22, là, 22, près de l'orle, là, 22, 5, 25, 24, 24000, à 24000, l'enchère maintenant, 24000, à 24000, 24, plus vous la main, 24, 24, 24, 6000, vous le voyez, 26000, 26000, l'enchère, à 26000, l'enchère maintenant, 26000, 26000, mon enchère toujours maintenant, 26, à 26, 26, et plus vous la main, 26000, l'enchère, c'est plus vous qui, maintenant, 26, l'enchère, l'action est là, à 26000, nous sommes maintenant, 26000, c'est bien vu, à 26000, on va juger à droite. Voilà, on reste, on va finir dans la gamme moyenne, moyenne haute de la journée, 26 000 euros. Je vais peut-être essayer d'attraper Emmanuel Vio aussitôt le tombé du marteau du dernier lot, même s'il n'aura pas tous les chiffres évidemment, mais pour avoir au moins une tendance. On les juge. 26 000, votre cher monsieur, merci. 26 000.
Allez, le dernier lot du catalogue, puisque le 67 est absent. On arrive au 68 et ce sera la fin. Country Rêve, fils de Country Reel et OHRF par Caldunévé. Monsieur Alonso, Country River, poulain B foncé, né le 25 avril, fils de Country Reel et OHRF, une fille de Caldunévé. Elle est vendue sans TVA. Notez que son frère Wango Rêve vient de se placer troisième du prix Cégeco à Lyon le 23 avril et totalise 106 610 euros de gains depuis l'apparition du catalogue. Dernier acheteur, BLM Bloodstock, Bertrand Lemaitier. Je ne connaissais pas du tout en-dessus de la casquette, là, monsieur. Merci beaucoup. Et surtout avec les lunettes aussi. Voilà, donc Bertrand Lemaitier qui a acheté l'avant-dernier lot du catalogue. La fille de Dutch Chart. Donc maintenant le dernier, hein, le 67 est absent, je vous rappelle. Country Rêve, fils de Country Reel et Wash Rêve. Donc frère de Gris de Rêve, un fils de Slickly qui est Black Type, deuxième du prix Péléas, également troisième du prix Ridge Jouet. Présenté par le haras de la Gélinière, monsieur Alonso. Le petit fils de Dandy qui 7 000 euros. Jacques Cortet qui est toujours là, qui a acheté un lot tout à l'heure. S'il vous plaît, 10 000 et qui m'a l'air très concentré par ce fils de Country Reel, Jacques Cortet, fameux entraîneur d'obstacles, qu'on n'avait pas du tout l'habitude de voir dans un peu dans ce jeu hein, des deux ans précoces. Donc Country Reel, un étalon très confirmé, il a été vendu à l'étranger, il a longtemps fait la monte en France, perd Absolute Less, Bain, Katmandoun, plein de bons chevaux. Vous voulez voir encore maintenant 20 000, plus voilà monsieur, si oui ou non, à 20 000, plus vous Laetitia, 20 000 euros. Par le juge. Merci Guy. Et voilà, c'était le dernier lot. Donc je vais peut-être faire un petit signe à Emmanuel qui va dire remercier le public et peut-être après intervenir à notre micro. Voilà, on va essayer de le rapprocher. Donnons rendez-vous. Alors pour l'instant, il est en train de. La traditionnelle. Oui, 15 et 16 septembre, c'est important. Les... Ici même, donc sur l'hippodrome de la Thèse de Buch, les 15 et 16 septembre prochains. Puis après, ce sera le Lion d'Angers, j'imagine. Si ça intéresse, il y a une vente de trotteurs argentan le 31 août. Voilà, couverte sur France Cire d'ailleurs, ce sera une première. Pour Rosarus. Tandis que c'est Jacques Cortet, regardez, qui a acheté le lot précédent à 20 000. Donc il a acheté deux lots de plage, Jacques Cortet, c'était très intéressant. Pour Yann Poirier, qui nous manque. Merci. Merci beaucoup pour cet hommage à mon frère. Merci Emmanuel. Merci beaucoup. Et Emmanuel, qu'on va même demander peut-être d'intervenir une petite seconde, même s'il n'a pas les chiffres définitifs. Merci John. Tiens, s'il passe par là, il n'y a pas les chiffres définitifs, mais au moins on pourra parler en résumé d'une tendance. Ma foi, qui doit être assez enthousiasmante, j'ai l'impression. Petite seconde, Emmanuel, une tendance enthousiasmante, je crois, non ? Oui, exactement, Arnaud, une tendance, enfin, en tout cas, une activité très positive tout au long de l'après-midi. Les chiffres arrivent, donc si... On va se rapprocher des chiffres, alors, on va se rapprocher des chiffres. Ah bah, madame, en plus. Alors, les chiffres, à découvert en direct, live, extraordinaire. Alors, les chiffres. Alors attendez, c'est vraiment du direct live, comme tu dis Arnaud. Donc on a un pourcentage de vendus de près de 70%, 72%, une médiane à 22 000 euros. Donc on est à 73% avec les amiables en cours. On est à peu plus de 914 000 euros de chiffre d'affaires, donc ce qui est plus que l'an dernier. Enfin, c'est la prise up la plus évolutive, on va dire, depuis la création d'Osarus. Une activité assez soutenue toute l'après-midi. Et voilà, sur les bons numéros comme sur ceux un petit peu en dessous. Et donc là, on est très satisfait de cette vente. On va affiner les chiffres en fin d'après-midi et demain. Mais voilà, non, c'était un pari de revenir sur la test.
on est satisfait du résultat. J'ai interviewé Jean-Claude Rouget, l'homme fort de la journée. Hein. Il a acheté le top price, le deuxième top price, et puis enfin, quasiment tous les plus gros prix d'ailleurs. Et merci Jean-Claude, oui, ça on peut le dire. Et bah, il a dit en fait qu'il n'y avait pas assez de chevaux parce qu'il était prêt à en acheter plus en fait. Mais exactement, c'est je pense que en tant qu'agence de vente aux enchères, les catalogues les plus difficiles à monter sont les ventes de brise-up justement, parce qu'on est, contrairement à ce qui se passe en Irlande ou en Angleterre, on a moins de préparateurs, on va dire. Et ça vient progressivement, mais bon, des personnes qui jouent vraiment le jeu d'acheter des yearlings pour les revendre aux ventes de 2 ans, c'est voilà, on va y arriver, mais c'est pas légion quoi. C'est pas légion et c'est pas ce qui existe en Angleterre ou en Irlande et évidemment encore moins aux États-Unis. Mais non, les résultats d'aujourd'hui voilà, vont peut-être susciter des vocations. Merci beaucoup Emmanuel. Prochain rendez-vous d'Osarus. Alors on allait dire le 16 et 17 septembre ici même à la Teste, mais en fait. La nouveauté 2015 d'Osarus, c'est une vente de trotteurs yearling sélectionnés le 31 août sur l'hippodrome d'Argentan. Voilà. Nous suivrons. Venez nombreux, voilà, sur l'hippodrome et évidemment devant votre écran d'internet. Merci beaucoup à toute l'équipe d'Osarus et merci encore pour l'hommage à Yann Poirier, mon frère, qui effectivement nous manque beaucoup à tous. Ciao.